Alors en fait, oui, dis-moi tout. M'amène. Ce genre de raton, il est coursé par des cheveux bleus. Pas si seulement il y avait que. Il a un pays, m'amène. Vas-y, je t'en parle. Mais d'où il a un pays? Il a une gueule d'Afghan. Le ratio est toujours plus frais dans le Twitter d'à côté. Ça veut rien dire, mais ok, je te crois. Bien parler ciné sans qu'on vienne te les briser. On va pas parler ciné en plus. Tu cherches juste un peu d'amour dans ce monde. Eh bien, le bonsoir, le roi des roues. Et si t'en as marre des vautours, je t'invite à immigrer. C'est vers où? Chaise l'Istan. D'accord, mais c'est par où, putain? Chaise l'Istan. Mais tu me réponds pas. Pas de ta cafère, on se roule des gros terres. Chaise l'Istan. T'es conscient que tu m'aides pas là? Le plus beau des ratons. D'accord. La poubelle, ta nouvelle maison. Ouais, bah on a qu'à si faire ça, pas hein. Ok, t'as qu'à prendre le dossier. Chaise l'Istan. Ouais, bah bien sûr, prendre le dossier, tout le bordel, bien évidemment. Alors attendez, deux secondes. Il est quelle heure? Il est. Tac, que je me note ça et tout, comme ça, quand je coupe et tout, c'est plus pratique. Il est 21h34. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Vous venez souvent ici, vous allez bien, vous passez un bon week-end et tout. Et on s'est croisé hier ou on s'est pas croisé hier? Si, on s'est croisé hier, c'est incroyable. Le temps, il est relatif dans ma tête, mais le temps, il est relatif tout court et tout. C'est incroyable. Et ouais, il est 34, c'est fabuleux. Attendez deux secondes, je réponds juste à un modo. Oui! Oh là là. Bref, vous venez souvent ici, vous allez bien? Alors attendez, on va faire les trucs habituels, je vous dis ce qu'on fait et tout. Comment ça s'appelle? Ensuite, on va rejoindre les copains. S'il y a des copains, pour l'instant, il n'y a personne. S'il y a des copains, on les rejoint. Et ensuite, on est bon. Alors, je vais chercher, comment ça s'appelle, le lien du Twix. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. On fait les trucs et tout comme il faut et tout. Tac, 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 tac. Tac tac, je vous mets à disposition dans le chat comment s'appelle le lien vers le Dootwix qui annonce le début de ce live. Si vous pouviez le faire vers le RT afin de rameuter moult patchoulins dans ce dernier, ce serait fort aimable et sympathique de votre part. Et merci à tous ceux qui le font. C'est un peu comme ça qu'on fait grandir la chaîne. De quoi ouais, de toute façon, en fait, non, mais vous allez arrêter avec Matrix 4 ou sinon je vous banne. C'est le mec qui a pas le temps, monsieur. Il n'y a pas de souci, noble roi des roues. Il n'y a pas de souci. Prends ton temps, prends ton temps. Alors, disclaimer. Oh putain, Chris, je vais te foutre à ban. Vraiment, dorénavant, vas-y, on banne. Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous allez lâcher la saga Matrix? Mais non, ils ont jamais fini avec Matrix 4. C'est des gens qui regardent One Piece et qui défendent Dragon Ball. Normalement, j'ai pas besoin d'argumenter, si tu veux. Ça y est, là, ça va partir en couille. Insulte pas One Piece, bah, j'ai pas besoin. Hein. Sa narration l'insulte elle-même. Je tiens à dire que c'est lui, Matrix 4. Oui, bah oui, je me doute. Sinon, j'insulte Matrix 4 et SNK. Bah oui, bah, c'est à vos risques et périls. Hein. C'est parce que les modos, ils ont le droit de ban. Comment ça s'appelle quand vous critiquez Matrix 4 ou SNK. Donc en soi, vous faites ce que vous voulez. Hein. Eh bien, le bonsoir Ansgar, eh bien, le bonsoir Swan. De toute façon, je préfère Bleach. Tu vois, au moins, Christ, il a tranché. En effet, One Piece, c'est pas fou. Bah oui, bah on est bien d'accord. Et bien, bonsoir Naze. On est bien d'accord qu'un bon récit, quand c'est bien écrit, ça a pas besoin de 1000 chapitres pour être raconté, hein. On est d'accord. Et normalement, quand tu commences une œuvre, on n'a pas besoin de te dire « Oui, alors cet arc, il n'est pas nécessaire, il est filler. Si tu mates la deuxième salve de 16 épisodes, tu peux louper du 24 au 32 parce que ça sert vraiment à rien. » Non, vous rendez compte à quel point c'est mal écrit, votre merde. Ah là là, venez jouer à FF14 les copains. Bah on avait prévu la soirée, mais vas-y, let's go, on coupe le live et on rejoint tous Artalis sur FF14. Hein. Vas-y, let's go. Hein. Arrêtez de dire du mal de Matrix 4. Il y a eu Barbie cette année. Ouais, oh mon dieu, mais c'était abominable ça. C'était très sympa visuellement, mais je suis sûr que je dis ça parce qu'il y avait Marco Robbie. Bref, on va arrêter les dérapages 15 secondes, hein. Du coup, disclaimer, comme d'habitude, si t'as pas d'argent, tu le gardes pour tes pattes. Si t'as des gosses, tu le gardes pour tes gosses. Si t'as un gosse, tu dégages, t'as rien à faire ici. Et tu utilises pas la carte bleue de papa-maman. Et si par contre, vous êtes, comment ça s'appelle, majeur vacciné, que vous avez les moyens et surtout l'envie de nous aider financièrement, d'un côté, vous avez les subkicks. D'ailleurs, merci infiniment à toutes celles et ceux qui se sont réabonnés durant la nuit. Du coup, dans la liste, il y a Miman et Miman et Bakel et Mr. Nice Guy. Merci beaucoup. Yomi Yomi. Non, excusez-moi. Yum, so good. Et donc, du coup, comment ça s'appelle? Ça fait que les sub-goals, ils sont bientôt niqués, en fait. Hein. Genre, le sub-goal pour ces UFCC, il fut une fois et point doublage. Il en reste 8.
Ça, c'est la tête de moi quand je réalise que je suis dans la merde, du coup. On a toujours pas fini l'aménagement et tout, si tu veux. Et tu sais, dans ma tête, ça fait ouais, dans 8 subs, il faut partir sur du CIEFCC et tout, si tu veux. Il y a tout qui est sur l'ancien ordi et tout. L'ordi, il est genre emballé là, dans une couette là. Il est pas déployé, tout le bordel. Ah ouais, 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 on est dans la merde. On est clairement dans la merde. Mais comme d'hab, hein, tu sais, je vous mets un sub goal en me disant, eh, j'aurai le temps et tout, tranquille. Non, 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 non. Hein. Le sub goal est à 8 seulement. Bah oui, parce que. Hier, il y a Kyo qui nous a fait un don sur PayPal et qui m'a demandé à raison combien ça faisait en sub pour le retirer au sub goal. Donc du coup, on est passé de 58 à 12. Comment s'appelle ça plus les resubs, on est à 8. Et de l'autre côté, 1582 pour que j'arrête de fumer. Mon Dieu, mais non, mais ça aussi, en fait. Si je pouvais profiter un tout petit peu... Oh, bonsoir, mère. Vous venez souvent ici? Oui. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Mais rien, je suis pas là. D'accord. Ah, vous êtes pas là? Non. Mais c'est quantique, parce que moi, je vous vois quand même. Non. C'est d'accord, ok, bon, bah alors... C'est l'illusion d'optique. Oui, d'accord. C'est... Bah, l'illusion d'optique, elle ressemble vachement à ma mère, quand même. Ouais, on va pas... Bah ouais, bon... Alors... Ah oui, c'est Mother Raton. C'est... Ouais, mais moi, j'ai le droit de t'appeler mère, quand même. Oui. Mais donc, le chat, il doit t'appeler Mother Raton, c'est ça? Ouais, du coup, voilà, c'est bien prié de pas deadname Madaron. Du coup, ça s'appelle Mother Raton, maintenant. Vite, faut finir la réserve de tabac, il reste qu'un sub. Non, 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 il reste 1582, ça va, tranquille, calmez-vous. Du coup, de l'autre côté, vous avez un lien PayPal qui se balade de temps en temps quand les modos l'affichent ou que vous le demandiez. Et si vous le cherchez, il est sur notre lien Linktree. Le Linktree que vous pouvez accéder dorénavant avec ce petit QR code tout choupi, là, regarde, là. C'est un fond blanc. Quoi? Derrière ton QR code. C'est toi le fond blanc, oui. On voit pas ton QR code. Mais c'est toi, là, qu'on voit pas, là. En plus, c'est vrai, on ne voit pas. C'est incroyable. Chazel, je te vois. Mais est-ce que c'est dans ma tête? Je sais pas. Si ma mère est quantique, quelque part, je le suis aussi, si tu veux. Les chats font pas... Bah ouais, les chats font pas des chiens. Il y a un moment, si t'existes pas, moi non plus, si tu veux. Ou alors, c'est compliqué, quoi. Ou alors, on m'a menti. C'est incroyable. Parle bien à ta mère. Oh, mais je parle bien à ma mère. Ça va. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'arrive pas du tout à me réabonner, putain. Qui veut pas de ma CV? C'est pas grave. Ne t'énerve point pour ça, noble Dolores Fenn. J'ai même pas eu le temps de faire le placement de produit. Et merci beaucoup, Shiva, pour les 8 abonnements que tu viens de dropper. Yum, yum, that's good. Fous-toi de ma gueule. Fous-toi de ma gueule, hein. T'as de la chance que j'ai des haters et que je tourne pas la caméra quand tu fais ce genre de conneries, hein. Hein, ouais. Bon, bah du coup, félicitations, vous avez goumé le sub goal. Donc du coup, on est à 0. Et 1574. GG Shiva. Donc du coup, alors... Je finis le disclaimer sur le placement de produit, on parle du sub-goal du coup, hein, bien évidemment. Yomi Yomi, c'est UFC, c'est so good. Putain. Bref, du coup, disclaimer, placement de produit, ad, sponsoring, publicité, mes couilles sur un cabaret, voilà, je sais pas pourquoi. Comment ça s'appelle, si vous voulez profiter, au revoir mère, du premier partenariat particulier de cette chaîne. C'est... Oh, c'est un semi-kokoro, c'est fabuleux. C'est, bah, semi-kokoro, du coup. C'est, j'ai pas mérité l'autre moitié, du coup. Vas-y, let's go. Je sais pas pourquoi. Comment ça s'appelle? Si vous voulez profiter du premier partenariat particulier de cette chaîne, je vous invite à vous rendre sur le site cookies.io afin d'y trouver du CBD de qualité. Et, si bien sûr vous êtes majeur, et de profiter d'une réduction de moins 10% sur le sur l'intégralité du site avec le code PATCHO10. Fin du placement de produit. Oh, d'ailleurs, si je peux me permettre, ça commence à nous tacler. Parce qu'en fait, on est sponsorisé par une boîte qui vend du CBD. Donc du coup, on dit que je suis pas un exemple pour la jeunesse et toutes ces conneries. Et je suis d'accord, je suis pas du tout un exemple pour la jeunesse. Mais ça me fait bien rire. Du coup, je vais pas nommer de communauté, même si je pourrais, que ça m'amuserait et tout, et qu'après on me dirait « Tu drites !» Du coup, aller manger du plâtre, c'est légal, le CBD. Enfin, je bois pas de la coke, hein, en fait, hein.
C'est pas grave, tu vends des tasses. C'est vrai que pour la vanne, on comment ça s'appelle ? Alors, je suis en train de bosser sur du potentiel merchandising, si on peut dire ça comme ça, si tu veux. Et du coup, j'ai trouvé un site. Et typiquement, si je mettais ça en ligne et que vous commandiez une tasse, normalement, vous serez livré en 8 jours. Je vais pas faire de vanne, hein. Mais normalement, tu l'as compris, la vanne. comment ça s'appelle ? Je vous partage juste... comment ça s'appelle ? Je veux un bonnet raton. Attendez, si vous voulez le même, il est sur Amazon, hein, vous me prenez pas la tête. On va faire juste un petit truc, on parle du sub-goal, on va rejoindre les copains, et puis, comment ça s'appelle, au passage, je vous dis en même temps ce qu'on fait. Demain, comme vous savez, c'est ciné raton. Et du coup, j'ai déjà, comment ça s'appelle, le Subgoal Club, Roi des Roues, il est à 1574. Comment ça s'appelle, regardez le Holiday Special, c'est légal aussi, ça reste horrible, trouve pas d'excuses. Oh putain, eh bien le bonsoir de Nemeru, 8 jours, putain j'en connais, ça avait 8 ans, ouais, c'est pas encore arrivé hein. Petite question concernant, on est d'accord, qui n'a jamais livré, ah non, ça a jamais été livré. Ça n'a jamais été livré, d'après ce qu'on a compris. Mais ça, c'est on ne regarde pas, hein, bien évidemment. Et bien le bonsoir de Manu, et bien le bonsoir de Clao. De quoi ? Non mais le prochain sub-goal, on va en parler aussi. Parce qu'à la base, moi, j'avais pas prévu de foutre un sub-goal, en fait, pour arrêter de fumer, si tu veux. J'ai dit une connerie, vous l'avez pris au premier degré, et depuis, il y a ça qui est en route. Mais jamais, au grand jamais, j'aurais fait ça, mon blague. Oh, j'aime bien moi me détruire les poumons. Bref, du coup comme je disais, demain comment ça s'appelle, c'est Cinératon. Et du coup j'ai pré-shot, je vous ai déjà fait le Stropol. Du coup comment ça s'appelle, pour tous celles et ceux qui voudraient déjà voter pour demain, je vous ai mis le Stropol et tout comment ça s'appelle, à disposition et tout. Pierre sera ravi d'apprendre que j'ai respecté un peu plus la démocratie que la dernière fois, étant donné que du coup il y a beaucoup moins de requins, mais du coup voilà, faites vos votes et tout, ou vous pouvez toujours le faire demain ou quoi que ce soit en début de live et tout, mais du coup comme c'était prêt, comme c'était déjà prêt, je me suis dit vas-y, on vous le passe et tout le bordel. Du coup ce soir je vais faire un petit react, et alors à la base moi je voulais qu'on se concentre sur Raël, donc parce que enfin mis à part le nom, les grandes lignes. Je me suis pas renseigné, moi, sur Raël, tu vois. Et du coup, Alfred, il m'a dit, mais attends, 2 secondes, il y aura un truc qui pourrait être intéressant, et que tu t'en es que tu les as pas vus. Ce serait qu'on se fasse les vidéos d'AstronoGeek sur les crop circles, la vidéo de Defecator, et ensuite Raël, tu vois. Donc du coup, j'ai regardé Alfred, je fais... Bah déjà, ramène-toi un peu plus souvent en live. Non, je déconne, pour lui, c'est vraiment pas pratique en ce moment. Je fais bonne idée. Et donc, du coup, on va commencer ce soir avec la triplette de vidéos d'AstronoGeek sur comment ça s'appelle, sur les crop circles. Certains d'entre vous l'ont déjà vu, d'autres vont dire, mais elle date un peu. Ouais, mais on s'en fout. Bah, les couilles, si tu veux. Moi, je connais que les grandes lignes et tout, si tu veux. Je l'ai pas vu, moi, la vidéo. Donc, vas-y, let's go. Donc, du coup, voilà. De quoi ? Il y aura MJ et Psycho dans le CUFCC ? Ah, toi, t'es drôle, hein. Je te rappelle que tu mets des sub-goals pour ban des gens. Mais ça aussi, c'était une vanne. Sans déconner. D'ailleurs, RoboWar, c'est le Bruno Bataille. Non, je crois pas. Je crois pas du tout. Il y a un sacré choix. On peut voter que pour un. Bah oui, tout à fait. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est... Chazelle a brisé mon Kokoro. Il a enlevé Shark Exorcist. Mais je suis désolé. Mais moi, Anya, elle m'a envoyé Jurassic Shark. Du coup, je me suis dit, bon, bah écoute, peut-être qu'elle préfère qu'il y ait Jurassic Shark, si tu veux. Si j'avais su, j'aurais laissé Shark Exorcist. Je savais pas, moi. Tu as déjà vu Sky Shark ? Mais je crois qu'on l'a vu, non, Sky Shark ? Attends. Sky Shark. Bah oui, on l'a vu, Sky Shark. C'est bien ça, non ? Oui, on l'a vu. Oui, bien évidemment, bien évidemment. Bien évidemment qu'on l'a vu. C'était n'importe quoi. C'était complètement con. Mais oui, on l'a vu. C'est, malheureusement, le replay a dû tomber, comment ça s'appelle, dans la corbeille de kick, hein, on va pas se mentir. Mais celui de 2020, bah oui, je crois. Bah,
Ou alors, enfin, je sais pas, j'étais pas là, Sad, mais oui, bah désolé, hein, ça réacte quoi du Astrono Geek ce soir. Parce qu'on fait partie des gens qui ne le blacklistent pas. On attend le point doublage et toutes ces conneries. Ouais, alors du coup, tu veux aussi Sharknado, une tornade remplie de requins. Ouais, mais j'en ai vu qu'un seul, j'étais pas convaincu. Eh bien, le bonsoir, Nania, et désolé d'avoir supprimé Shark Exorcist de la liste et tout, et d'avoir mis Jurassic Shark, je comprends rien, merde. Eh bien, le bonsoir, Manu. À quand le marathon Sharknado? Mais attendez, on va pas s'enquiller les... Il y en a combien de Sharknado? Sharknado. Comment ça, 6? Comment ça, 6? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sharknado 2, The Second One. Ils sont complètement cons. Sharknado 3, Oh Hell No. Sharknado The Force Awakens. Oh, The Force Awakens. C'est des débiles. Sharknado 5, Global Swarming. Vous êtes débiles. Sharknado 6, It's About Time. D'accord, ok, très bien. Il n'y a rien qui va. Mais le The Second One et The Force Awakens, incroyable. Les titres sont incroyables. Du coup, vous avez goumé le sub-goal. Donc du coup, il faut que je vous prévienne. De 2-3 trucs. Alors oui, du coup, on va faire un dernier CUFCC, on va faire un dernier Il fut une fois, et Toto va faire un dernier point doublage. Concernant le point doublage, je ne peux pas m'exprimer dessus, étant donné que bah ça fait quasiment 2 mois que je ne vis plus avec Toto et tout, il est resté en région parisienne, ce con. Donc du coup, je ne sais pas quel sujet il a pris, je ne sais pas s'il compte faire un truc plus long que d'habitude ou quoi que ce soit, je ne sais pas s'il a prévu un truc spécial ou quoi que ce soit, donc je ne m'étalerai pas là-dessus. Concernant le CUFCC, du coup, ce sera sur Weta Workshop et sur Weta Digital, la boîte d'effets spéciaux de Peter Jackson et tout. Ça nous permettra de parler de plusieurs productions et de l'avancée spectaculaire qu'a eu cette boîte en matière d'effets spéciaux en l'espace de ça a combien? Ça a même pas 25 ans, Weta, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Ça date de quand, Weta? Weta... Mais non, pas je... Non, Weta, voilà, merci. 4... Quoi? C'est... Ah si, ça date de 86! Waouh! Ah non, création 93! Quoi? On a le même âge, Weta et moi! Incroyable! C'est fabuleux! Donc du coup, ça nous permettra de parler de plusieurs productions et toutes ces conneries. Comme ça, on finira par Avatar 2 et tout. Comme ça, je pourrais faire mon chieur et tout bordel. Je préviens, il va durer je sais pas combien d'heures. Ça risque d'être très, 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 très long. Et quand je dis très, très long, dans le sens à regarder déjà, et de deux, à faire. Et dans le sens où j'aimerais bien, faire comme ce que je faisais au tout début quand j'ai lancé cette chaîne live, c'est-à-dire bosser les vidéos avec vous, taper les modules avec vous et tout, faire le montage avec vous et tout le bordel, sur... Donc du coup, on a un tout petit problème, et ça concerne aussi Il fut une fois, je pense que je vais le faire sur la post-logie qu'avait prévu George Lucas à la base avant le rachat par Disney. Du coup, on va être dépendant d'un tout petit truc, en fait, c'est que tant que je suis pas installé dans la nouvelle baraque, et qu'en soi, j'ai pas redéployé l'ancien ordi, ça risque d'être compliqué, parce que je m'étais préparé tout un tas de fichiers... Et les fichiers, ils sont dans cet ordi. Alors, je sais que vous ne le voyez pas quand je le pointe, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que l'ordi, en fait, là, il est enroulé dans une couette avec du scotch autour, si tu veux. Et j'ai pas la place pour le déployer et tout le bordel. Donc, du coup, eh bien, bonsoir Nourazi, eh bien, bonsoir de Maïté. De toute façon, vous serez au courant quand on bossera dessus, parce qu'on bossera dessus quand on sera en live et tout. Je peux pas commencer les deux vidéos tant qu'on n'est pas installé. Du coup, voilà. je vous remercie d'avance pour votre compréhension et tout le bordel. Ça va prendre un peu de temps. Moi, personnellement, si on arrive à s'installer là, que ce soit entre novembre et décembre, je pense la vidéo, elle sort en janvier ou début février ou une connerie du genre. Soyons honnêtes. Si on garde le rythme et tout de tous les lives le soir et tout le bordel, tu veux, quand bien même on rajoute les lives de l'après-midi et tout, on bosse dessus, ça va me prendre un peu de temps, on va pas se mentir. Donc du coup, voilà,
C'est noté, c'est confirmé. On va faire un dernier CUFCC. On va faire un dernier fut une fois. Et puis, je sais pas quand ils arrivent. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avant de comment ça s'appelle d'aller rejoindre Greg. On met en place un nouveau sub goal avant qu'il y ait des subs qui tombent. Ah bah voilà. Et merci beaucoup DJ Lightway pour les deux subs que tu viens de dropper. Yum yum, sub so good. Alors du coup on est à moins 2 parce qu'on n'a pas encore établi le nouveau sub goal et de l'autre côté on est à 1572. Aucun sub pour moi, wesh, mais désolé. Le sub goal pour l'emote boobs. Non, on va pas faire de sub goal pour l'emote boobs. Ah non, vous avez... Non, attendez, on va parler de ça tout de suite. Hey, tu sais quoi? On va prendre 15 secondes et on va parler de ça tout de suite. Parce que je vous connais, genre, si je mets une emote boobs, vous allez la spammer tout le temps. On est bien d'accord? Répondez-moi là. Répondez-moi. Oui, oui, bah oui, 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 oui. Maintenant, vous allez réfléchir 15 secondes. Tu vois, là, par exemple, là, il y a une emote qui se balade. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Oui. 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 On est d'accord ou on n'est pas d'accord? On est d'accord? Eh bien, le bon Swan Café. Enfin, eh bien, le bon Swan Alfred. On est bien d'accord. Donc, on récapitule pour les 2-3 qui n'ont pas suivi. Moi, ce que je dis implicitement, c'est que si je vous donne une emote boobs, vous allez la spammer. Si vous la spammez, va y avoir des boobs de partout sur l'écran. Combien de minutes avant qu'on se fasse ban? Eh bien, le bonsoir, Envic. Hein? Mais on y a déjà réfléchi, justement. Ah ouais, ah d'accord. Ah oui, d'accord. Ah, vous avez le jeu en vaut la chandelle. Non, mais vous avez compris que c'est ma source de revenus, en fait, cette chaîne ou pas? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On le fera planter plus vite, le bot. Mais c'est pas le bot, là, que tu vas faire planter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je te conseille alors l'emote du raton et de la banane. Attendez, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Après, c'est une expérience scientifique. Mais, ça va sur qui sont tolérants? Non, 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 c'est pas compris. Non, 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 non. Ta-ta-ta-ta-ta. On s'est pas compris. Vous êtes plus que sur kick, là. Hein. Vous êtes plus que sur kick. Genre, je tiens à rappeler que... Alors, ils sont pas beaucoup. Je salue les 8 YouTubiens. Coucou, YouTube. Et ils sont combien sur kick? Non, sur Twix. Ils sont combien? Ils sont combien? Tu es un. Salut, noble Twixer, du coup, si tu veux. Mais vous êtes... Pas que sur Kick. Non seulement il y a les rediff et toutes ces conneries qui atterrissent sur YouTube, mais je rappelle qu'on est en live également sur YouTube. Donc, votre argument du « Oui, mais s'il y a des boobs partout, techniquement, en fait, Kick, il va rien dire. » Oui, non, mais ta gueule, en fait. Ça marche pas. Ça marche pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est un détail, ça. Comment ça, c'est un détail? Eh bien, le bon soin de Diablo. Mais à quel moment? Viens, on fait pas ça. On a dit Road to be billionaire et t'es droit à un droit tard. Mais oui, mais c'est... Mais justement, là, regarde, je suis en train d'argumenter et tout. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie, je vais vous donner une emote boobs. C'est à quel moment, en fait? Je vais me retrouver avec 250 boobs sur la gueule. T'as fait des emotes avec quoi? Avec l'emoji mixeur de Google, les frères. Ça marche trop bien. Si votre animal totem, il est dedans, vous prenez pas la tête, hein, faites vos emotes avec ça. Ça marche trop bien. Tu oses te rebeller contre la religion de Némé Boobs? Mais comment ça? Non, non, je vous explique que je veux garder ma chaîne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vous explique que je veux garder ma chaîne. Et que j'ai pas envie de perdre une autre chaîne YouTube ou quoi que ce soit. Ça va, on a assez donné quand même. Hein. Tu vas pas me dire qu'en un an, on a fait, comment ça s'appelle On a fait nos sucrés en mode oh, ben non, quand même, on va pas miser nos chaînes et toutes ces conneries, c'est important. Alors c'est bon, les amis, sur la sellette constamment tout le temps, eh, c'est bon, hein, s'il vous plaît. On évite d'en perdre des nouvelles. Non, Liam Chazel, t'as l'habitude de recréer des chaînes. C'est pas un argument, tu vois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, oh, ben ça va. T'en es à 5 de perdu. 5 ou 6, au fond, c'est quoi la différence?
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est, vous n'aurez pas d'emote boobs. Et on va pas mettre de subgoal pour une emote boobs. C'est pas possible. 10 de perdu. J'en veux plus. Une de plus. Lol. Réfléchis. Les haters sont déconcentrés et materont les boobs avant de t'emmerder. Mais pas du tout. Ils vont nous signaler encore plus vite. Tu pourrais rebondir sur une dénonciation. Qui est contre l'Octobre Rose? Mais c'est pas qui va nous jarter. Ça va être YouTube et tout le bordel. Pas des modes boobs, même si... De quoi? La prochaine chaîne pourrait s'appeler Change and Forever. Mon raton était OK dans le Reaper en plus. Mais je savais que ça allait être utilisé, ça. Je savais que ça allait finir en mode... Oui, mais mine de rien, ta mère et Pierre, ils étaient d'accord, hein. Oui, mais non. Aux dernières nouvelles, c'est ma chaîne. Non, merde, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous allez pas me dire que... Merde! Ils veulent une emote boobs et ils t'utilisent comme argument! Non, je mets pas d'emote boobs! Je mets pas d'emote boobs! Oui, mais je mets pas d'emote boobs! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pensez stratégie, y'a pas de chelin. Plus vite il sera milliardaire, plus vite le noyau dur pourra palper. Attends, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux live sur Pornhub? Malheureusement, on avait créé Chisel Porn fut un temps. Et en fait, on peut pas diffuser du contenu tant que t'es pas affilié créateur. Ce qui est un peu paradoxal, si tu veux. Donc du coup, on avait fait notre demande, en fait, pour que Chisel Porn soit créateur et tout le bordel. À la base, c'était pour diffuser l'Holiday Special. Allez voir la OF4 si vous voulez avoir toute l'histoire. Malheureusement, on n'a jamais eu la certification. Donc du coup, si vous allez sur Pornhub et vous cherchez Chisel Porn, vous devriez trouver un profil totalement vide qui ne m'a jamais servi à quoi que ce soit. Oh putain, j'en peux plus. C'est pas possible. Bref, du coup... J'ai une idée pour le nouveau sub goal, mais je sais pas à combien je le mets. Donc du coup, j'ai besoin de vous. Rip Chisel Porn. Bah non, techniquement, il n'a pas encore existé. Rien ne nous empêche de redemander comment s'appelle une affiliation auprès de Pornhub. Prochain sub goal, tu relances une chaîne Twitch. Mais non, il faut qu'on soit autorisé par Twitch et tout. Mais vous êtes ma mère. Mais qu'est-ce que vous faites? Je ne suis pas là. Ah bah si, quand même. Vous faites des apparitions quantiques, peut-être, mais vous êtes quand même là. Sub-goal emote boobs. On va pas faire de sub-goal emote boobs. Eh, ça risque d'être compliqué. Qu'est-ce que t'as, toi, là-bas? Oui. Qu'est-ce que t'as? On est samedi. Oui, on est samedi. T'as un téléphone pour savoir ça? Oui, c'est ça, là. Sub-goal à 100, moi, je dis, ça semble honnête. Non, attendez, deux secondes. Tac. En fait, j'ai un truc à vous proposer. Et à mon avis, il y en a certains qui diraient pas non. Tac. C'est bon? T'arrives à t'ouvrir ou pas? La création d'une nouvelle émission? Non. Prochain sub-goal, tu traces. Non, ça va aller, en fait. Vous allez vous calmer. Non. Tac, voilà. Tu mets ça là. Tac. Et quand tu l'affiches, ça t'affiche pas. C'est fabuleux. Tac. Voilà. Alors, c'est relativement petit. Est-ce qu'on peut afficher plus grand? Non, on peut pas afficher plus grand. C'est relativement petit. Ok. J'ai ça de côté. Il y en a certaines que vous connaissez, genre typiquement... Wow, pourquoi, qu'est-ce que ça fait en vitesse x2? C'était quoi ça? Il y en a certaines que vous connaissez, du genre typiquement. Mais grossièrement, on l'a fait simple. De côté, et qu'il faudrait qu'on termine, on a un maxi de 3 titres, on a un EP de 6 titres, on a un album de 19 titres, et du coup, il faudrait qu'on les finisse. Donc du coup, parce que moi j'ai, enfin comment s'appelle, l'idée de, vas-y on fait un truc créatif à la fin du goal et tout le bordel comme on fait là avec ces UFCC et tout le bordel, écoute vas-y ça me plaît, vas-y pourquoi pas, y a pas de souci. Donc du coup, si ça vous va,
on n'a qu'à dire que cet énorme package de 3 plus 6 plus 19 plus 1, puisque évidemment, si on fait ça, on rajoute une piste à l'album pour la chanson de la truite, bien évidemment. Comment ça s'appelle ? Est-ce que ça vous convient ? Si on se dit, bon bah écoute, à la fin du prochain sub-goal, et bah on se dit, bah vas-y, let's go, on finit toutes les zik que... Alors je vous ai pas tout fait écouter, genre celle-là par exemple, je suis sûr et certain que je vous l'avais pas fait écouter. Voilà, celle-là, je suis sûr que je vous l'avais pas fait écouter. Celle-là, dans mes souvenirs, vous la connaissez. Si, tu la connais, celle-là. Celle-ci, tu la connais, ça c'est sûr et certain. Celle-ci, tu la connais, sûr et certain. Grossièrement, en fait, il y en a plein de basses que je vous avais pas fait écouter tout le bordel, sûr, parce que il y en a certaines que je considère dans un état calamiteux en termes de rendu audio, parce qu'à l'époque on avait rien de mieux pour faire des maquettes et tout le bordel, sûr. Mais typiquement, si ça vous va, on n'a qu'à dire que le prochain sub goal, et ben c'est sub goal musique et on sort les 20 plus combien on a dit, t'es là, ça fait 29, c'est ça? 19 plus 1 plus 6 plus 3, ouais c'est ça, ouais ça fait 29. C'est, on fait ça ou on fait pas ça? Tu sais quoi, on va faire un vote, comme ça c'est fait, tac, Paul, tac, les zik en prochain sub-goal, tac, viens, on fait pas ça. Parce que là, en fait, ce que vous écoutez, enfin, ce que les deux extraits que je vous ai mis et tout, on va le mettre sur 4 minutes, on va le display en mode 3 minutes, vas-y. Comment ça s'appelle ? Tac, je vous ai mis le sondage et tout, je vous laisse voter. Comment ça s'appelle ? J'en étais où ? Putain. Là, en fait, ce que vous écoutez là, ça sort d'un putain d'iPad, en fait. C'était une époque où j'avais pas de matos pour faire quoi que ce soit et toutes ces conneries en termes de MAO, quoi. Donc du coup, je m'étais foutu toutes les idées que j'avais en tête et toutes ces conneries dans GarageBand sur iPad et tout le bordel. Et puis depuis maintenant, en soi, on a la capacité technique de pouvoir les finir et tout. Ça nous permettrait à Alfred, à Albatar et à moi-même de poser, les voix dessus. Mais donc du coup, si ça vous convient, ça fera 3 CD du coup. Enfin, CD, on s'est compris, quoi. Un maxi 3 titres, un EP de 6 titres et un album du coup de 19 plus une titre bonus, donc du coup plus un titre bonus, donc du coup on va dire que ça fait 20, quoi. C'est comment ça s'appelle, si ça vous convient, let's go. Crygam peut aider, non, Crygam doit déjà participer dessus. À l'époque j'avais demandé à plein de potes comment ça s'appelle, issus du YouTube Game, s'ils voulaient participer sur le truc et tout. Comment ça s'appelle, la plupart avaient répondu positivement et tout, comme c'était avant toutes les shitstorms et toutes ces conneries colportées par l'autre mythomane et tout le bordel de compète. Typiquement, je sais pas ce qu'il en est à l'heure actuelle, mais au pire je leur demanderai. Mais quand j'avais parlé avec Crygam de tout ça, en soi le mec était chaud et tout, donc du coup
Vas-y, let's go, hein, et bien on se regluonne. Donc du coup, en attendant que le truc il se termine, je vous propose d'en mettre une que je mets pas souvent. Elle fait combien, elle fait 3 minutes 8, vas-y, normalement ça devrait passer. Psycho participera ? Mais non, il faut avoir du talent. S'appelle, vous avez répondu, alors vous êtes 110 et il y en a que 33 qui votent, et ben les abstentionnistes faudra pas râler. Du coup, ça vous convient, on fout les 29 sons, comment ça s'appelle, en tant que nouveau sub goal et tout le bordel. Maintenant la seule question qui se pose, c'est on met le sub goal à combien? Le premier qui me dit 10, il se prend une tarte. 29, non mais attends, mais attendez, calmez-vous, c'est... quand est-ce qu'on aura les mots de bouffe? J'ai déjà répondu, Siap. Comment ça, 1609, 2050% du sub tabac? Ah non, calmez-vous. Si 1670, c'est un peu beaucoup quand même, on va pas se mentir. 12. Au pire, on fait plusieurs subgoals. Putain, j'aurais pu voter 5000. Et bien le bonsoir de Bakel. Attends. Et merci beaucoup, Bakel, pour ton abonnement. Ça me good. C'est... On le met à combien du coup? Vous savez quoi? Je vais aller choper les copains. Et ils m'aideront en plus. Tac. Oublie pas que tu as déjà 3 vidéos à sortir. Oui, je sais, c'est pour ça. 20 par son. Eh frère Attends. On va chercher les copains et toutes ces conneries. Tac. Et bien le bonsoir, et messieurs. Bien le bonsoir, noble chef. Bonsoir, Pierre, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Ah bah écoute, ça va fort bien. Bonsoir, Greg, comment vas-tu? Ça va.
t'es dans la merde. Il est dans la merde. Parce que le subgoal est tombé. Il vient de tomber. Le subgoal est tombé. Il va avoir du boulot. Ouais, parce que du coup maintenant on va falloir faire. Qui t'a fait ça? Shiva. J'avoue tout, c'est Shiva. C'est Shiva qui a foutu le coup fatal au subgoal. Hein. On va pas se mentir. 10 subs en tout, c'est un génie quand même. Il a laissé payer Nemeru jusque là. Il a attendu ça. Mais maman, il a mis le billet. Il va fâcher Nemeru. Je vois pas de quoi vous parlez. On a un historique et tout. Du coup, j'ai besoin d'aide. On le met à combien le subgoal pour les 29 musiques? Du coup, ça aussi, ça va prendre du temps. Hein. Attends, on était parti sur quoi? J'ai fait écouter à mon fils ce que tu faisais, il m'a dit que c'était vraiment pas mal. C'est très gentil. Moi, j'ai l'impression de faire de la soupe. Oui, mais c'est de la soupe, c'est de la bonne soupe. On était parti à combien sur lequel? Sur celui-là, là, sur celui qu'on était parti justement pour refaire les CUFCC et tout ça. On était parti de 1005. Et ça part beaucoup. C'est tombé un peu vite. Moi, franchement, on risque de me faire traiter pour un connard, là. Franchement, entre le temps et toutes ces conneries, tu sais, histoire de diluer le truc, je suis à deux doigts de dire 3000. C'est trop. Déjà que... Non, mais c'est surtout que déjà, avant que t'attaques ça, faut que tu fasses déjà le sub qui est là. Alors, oui, bien sûr. Déjà, prendre au moins quelques mois. Bien évidemment. Bien évidemment. Temps, même. Ouais, mais attention, hein, tu le fais. Hein. Ah bien sûr, il le fait. Attends, t'as cru quoi? T'as cru vendre des tasses ou quoi? Non, mais attends, frère. Désolé. Non, j'étais parti pour balancer un autre dérapage, si tu veux, mais je me dis deux dérapages. Vas-y, enchaîne, on s'en fout, enchaîne. Ah bah il est où ton deuxième drift? T'as du coup, on l'attend tous. On l'attend tous, on voit le deuxième. On voit le deuxième drift. Mais non, c'est comme dans un concert de rap, tu as pas envie de passer derrière Ayam. Non. Ah, je suis Ayam, putain. Ayam, bonsoir, Piscan. Fais pas comme Gineg qui n'arrive pas ses goals aux Ideven. Attendez, deux secondes. Le seul subgoal qu'on avait mis jusqu'à là. Sur les tasses. Le seul subgoal là qu'on avait mis, comment s'appelle, c'était Dot Wave. On est arrivé à zéro, on l'a fait. Hein. Comment s'appelle Chisel, les 29 morceaux représentent environ 4000 subs quand on convertit en euros le travail nécessaire à leur création. Bah, c'est surtout qu'en fait, il va falloir qu'on paye des billets d'avion en fait, pour certains membres. Parce que typiquement, notre noble guitariste que certains d'entre vous connaissent sur Twitter sous le pseudo de Capitaine Albatard, lui, rien que pour enregistrer les grattes et pour poser sa voix, en fait, il va falloir qu'on le fasse venir dans le sud, si tu veux. Donc du coup, en fait, la question... Ah, mais tu peux finir vraiment l'album sortir les musiques que t'as Non, on finit tout. On enregistre tout, on mixe tout, on paye un ingé, on pose les voix avec Alpha. Fred, moi après et Albatard. Et oui, on prend Krayam. Mais et le but, c'est de faire quoi? De faire un truc à télécharger ou de faire un vrai album? Non, mais le but. Non, mais, alors, physique, c'est compliqué. Physique, c'est très compliqué. Surtout en physique, ça risque d'être très compliqué. Quand je dis sortir l'album, ça veut dire finir les sons, les foutre sur les spots Deezer et consorts, le foutre sur YouTube en version gratuite, me connaissant, sûrement le uploader sur les réseaux peer-to-peer des torrents et tout le bordel, parce que je suis un connard, si tu veux, mais en physique, ça risque d'être très complexe, quoi. Ou alors on fait une édition physique, enfin on la fait aux enchères, j'en sais rien, tu vois. Comment ça s'appelle? Demande à Cro-Blanc, non, on va demander à des gens qui ont du talent pour de vrai. Oh putain, ouvre un Spotify. Normalement le spot on l'a déjà. C'est pas toi qui est censé nous surveiller, gros. Qui, moi? Ouais, excuse-moi, désolé. Désolé. Enregistrement en studio professionnel? Non, ce serait enregistrement en home studio, étant donné qu'on a tout le matos. Et ensuite, c'est prémix de ma part et envoyer tout à Krayam que j'espère qu'on rémunérera, quoi, en soi. Du coup, voilà. Tu as un spot sur le front? Un espoir. Ouais, là. Chef, j'ai une recommandation. C'est... Oui, dis-moi tout. Alors, home studio peut-être, mais est-ce que tes autres musiciens dans ton groupe disposent du matériel adéquat chez eux? Ben non, mais ils viennent chez moi. Ils viennent chez moi.
Non, parce qu'après, ils auraient pu faire le son d'un côté, te l'envoyer, et toi, t'aurais juste à les voir combiner le tout. Bah non, on a tout le matos pour enregistrer, en soi. On a tout, non, et on va sonoriser la nouvelle pièce de streaming. Donc en soi, si tu veux, le machin nous servira de salle d'enregistrement également, quoi. C'est... Stiab nous dit, alors rajoute 2000 subs, ça fait dans les 6000 subs. Ça fait beaucoup 6000 subs, non ? C'est énorme. Enfin, je trouverais ça. Bah après, si tu veux, si tu ramènes pécuniairement, allez, let's go, 2000 et on en parle plus. Attends, on augmente un peu quand même. Attends, si vous payez des billets d'avion. Faut qu'on calcule. Faut calculer, en fait. Comment ça s'appelle ? Vu le projet, ça peut vite chiffrer dans les 10-15K. Ça, je suis d'accord avec toi, Siap. Ça, je suis clairement d'accord avec toi, tu vois. C'est, donc, du coup, je saurais pas dire. 10-15, combien en subs, ça, 10, ça fait 5000 subs. 10, ça fait 5000 ? Je ne verrai pas demander je plus. Crois, oui, je crois que c'est ce que j'ai fait. Je ne verrai clairement pas demander plus, quoi. C'est 5000, je ne vais pas monter au-dessus, alors, quoi. Pour le moment, bloque pas tout de suite le nombre de subs. Ouais, bah on a qu'à faire comme la dernière fois. On compte en négatif et puis on l'appliquera au chiffre qu'on aura décidé, quoi. Oui, pour le moment, voilà, ouais. C'est surtout que ouais, bah, alors, faut calculer. C'est con, c'est froid ce que je vais dire. Mais faut calculer pour que. Alors, pas que ce soit rentable, mais au moins que. Bah, tu couvres les frais, quoi. Ouais, c'est simple. Faut faire venir les gars, les boulets. Bah, oui, c'est simple. Faut qu'ils bouffent. T'as compté, quoi. Ouais, enfin, okay. Faut aussi qu'il y vive entre temps, donc. Aussi. Non, mais quand je dis ça, c'est que vraiment, il y a tout à compter. Dans les 10-15K, ça fait bien 6000 subs. Bon. Donc, du coup, on s'est compris. À mon avis, ça va être légèrement. Attends tout de suite. Ça va légèrement être au-dessus, au-dessus des anciens sub goals et tout le bordel. Donc, du coup. Bah, c'est pas pour tout de suite. Déjà, c'est ce qu'on avait dit pour celui-là. Ah oui, non, mais clairement. clairement. Oui, non, mais tu sais, quand tu leur dis 1500 subs pour ces UFCC, tu te dis, ça va, on a le temps. J'ai le temps de rénover une baraque et tout. Mon cul, ouais. Pas du tout. Donc, du coup, vas-y, on part là-dessus. Et puis, on décidera d'un chiffre en comment ça s'appelle, en bac et tout, avec l'équipe. Et comment ça s'appelle, on vous le communiquera dès qu'on saura. En attendant, les subs seront quand même comptabilisés et tout, on comptera en négatif et tout. Et puis, comment ça s'appelle, on appliquera ce chiffre négatif au sub goal qu'on décidera et tout le bordel, tu veux. On vous tient rapidement au courant. Bref, du coup, c'est bon, on confirme ça. Au pire, 6000 et un goal pour sortir les démos plus bas en attendant. De quoi ? Je l'avais dit que le sub goal finirait avant la fin de l'année. Ouais, bah oui. T'avais pas menti. T'avais clairement pas menti. Bref. En tout cas, merci beaucoup pour le soutien et tout que vous nous apportez. Merci beaucoup. Du coup, on est let's go. Pour l'album, on est à moins 2. C'est exactement ça, Greg. Bah oui, écoute. Pour le moment, on est à moins 2. Mais moins 2, sûr. Par contre, je préviens, c'est le moment où on les fera, ce sera 3 salves différentes en soi. Il y a un moment, en fait, vous allez vous bouffer le maxi, ensuite vous mangerez l'EP, et ensuite vous mangerez l'album. Et avant qu'on me pose la question, la musique de la truite, elle sera à la toute fin de l'album. Donc du coup, quand on va sortir... Ouais, faut qu'on finisse de l'écrire. Quand on va sortir les deux premiers packages, ça servira à rien de nous dire « Oui, mais il n'y a pas la chanson de la truite !» Oui, on sait. Ça sera Peggy 18. Hein. Oh ouais, putain. Oh putain. Sinon, tu peux faire 3000 subs pour la partie 1 et 3000 subs pour la partie 2. J'en veux plus. Putain, j'ai pas la rêve. Ah, putain, je l'ai, moi, la rêve, ça me fait rien. Oh, MP. Mais quoi ? Mais comment ça, t'as pas la rêve ? Mais bien sûr que t'as la rêve. Mais non, bah là, non. Quoi ? T'es sérieux ? La partie 1, partie 2. Partie 1, partie 2, t'as pas la rêve. Oh, putain, oh, t'es énorme. Waouh, comment t'es parti loin. Ça va. La journée a été dure. Oh, putain, j'en peux plus. Oh, faudra la mettre en hidden track. Ouais, c'est ça, tu sais. Ce sera notre phase B à une seule piste, tu sais. Oh, hey, sérieux, faut l'appeler comme ça, c'est obligé. De quoi ? La partie 2. Oh, même l'album, tu peux l'appeler partie 2. Mais ils ont déjà des noms en plus.
putain, j'en veux plus. Bah oui, mais il est toujours bon de changer. C'est vrai, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais au pire, tu sais, quand on sort le deuxième album, on l'appelle juste Party Lodge. Ah putain, j'en peux plus. Ou alors, de toute façon, tu sais, 20 titres, ça rentre pas sur un seul disque. Donc du coup, il y a de force à parier que si on fait une édition physique de l'album, on soit obligé de mettre deux CD, tu vois. Donc du coup, voilà. Mais du coup, pour rebondir et tout, la distribution physique, je pense que pour le premier volume, si on peut appeler ça, c'est-à-dire maxi plus EP pour plus album, va pas falloir compter sur une distribution physique, hein. Ou alors on va tirer ça à, je sais pas moi, 150 exemplaires grand maximum, quoi. Ça risque d'être compliqué, comment ça s'appelle, de le faire avec nos moyens et à notre petite échelle, quoi. Surtout pour commencer, quoi, en soi. Tu peux appeler ton album Scroll ? Non, il s'appelle pas Scroll. Fin Lorenzo. Bah oui, non, mais c'est ça. On fait une seule édition et on dessine une teub dessus, on la met sur eBay. C'est pas de vinyle, mais ça va être compliqué. Tu feras une édition fumable. Ouais, bah quand on sera au cinquième album, pourquoi pas. Pour la pochette du support physique, je propose des boobs. Oh, mais non, mais qui achète des CD encore? Moi, j'achète des CD. Hein. Je veux le lac des signes en version techno-rap, mais je fais pas ça, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais t'avais pas... Vous aviez repris aussi des thèmes vachement... On avait repris des thèmes, ouais, mais ça, c'était sur la chaîne YouTube. Quoi. En soi, ça, c'est déjà en accès, si tu veux. Ça, on y retouche plus, quoi. C'était juste pour se donner un petit exercice rigolo et toutes ces conneries. Et moi, je faisais n'importe quoi en mode hey, « on peut tout caser en électro-swing dégueu. Vas-y, let's go !» Ouais, mais ça passait trop bien, en fait. Oh là là. Merci beaucoup. Est-ce que tu vas vendre un sextoy truite avec la chanson dedans? Non, faut pas... Non, mais c'est... Bonjour, on n'a pas les moyens de Lorenzo. Oui, oui. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un sextoy, mais moulé sur pierre. Je vous préviens, c'est une grande taille. Full story. J'en peux plus. Oh putain. Oh. C'est pour Greg quand t'as la forme. Là, je suis en forme, j'ai bien dormi aujourd'hui. Il rentrera pas dans la boîte aux lettres. Oh putain. J'en peux plus. En forçant, ça passe toujours. Bref, du coup, on va pouvoir passer au react de la soirée, je pense. C'était pas prévu que ce soit une capsule, mais à mon avis, on va en faire une capsule. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, couper l'algorithme, nous rejoindre sur Kick, hein, bien évidemment, surtout si tu regardes les lives depuis YouTube, qu'est-ce que tu fous, t'as pas accès au chat, ramène ta gueule sur Kick, bordel de merde, des bisous YouTube. Bisous YouTube. Comment je coupe cette merde? Putain. Bonjour chef. Merci bien, merci bien. Il est quelle heure? Il est 22h25. Du coup, comment ça s'appelle? Ce soir, du coup, comme je disais, et avant que vous goumiez le sub-goal, bien évidemment, comment ça s'appelle? On va se mater la trilogie de vidéos d'AstronoGeek sur les crop circles. Parce que j'adore ce mec. Oui, moi aussi. Je crois que je les ai pas vus. Et comme à chaque fois, on m'en parle et tout le bordel, et qu'on m'a vendu le truc comme étant une véritable dinguerie, je suis curieux, surtout qu'à la base, je voulais qu'on se mate une vidéo sur Raël, pour être honnête avec vous. Et du coup, le noble café a débarqué, enfin le noble Alfred, excusez-moi. Parce que le noble Alfred m'a dit si tu veux te mater ça et tout, vas-y, mate-toi la vidéo d'AstronoGeek avant, mate-toi la vidéo de Defecator avant, qui est un peu en lien avec Raël et en lien avec la vidéo d'AstronoGeek, et ensuite on se mate le documentaire de Raël. Et en soi, je trouvais ça plus complet et tout, si tu veux. Je lui ai dit, Alfred, tu as une bonne idée. Donc du coup, j'ai mis ma frustration de côté et tout, on se matera Raël une autre fois. Et donc du coup, ce soir, on va parler de Crop Circles, du coup. Oh putain! Alors. En plus, True Story. Oui. La super chaîne d'AstronoGeek. Avec la tête de raton. Ouais, mais oui, c'est pour ça. La chaîne d'AstronoGeek, cet homme a le bon goût de pouvoir faire passer les sponsors directement. Tu peux aller directement à la vidéo sans passer par. Oh, c'est gentil de sa part. C'est gentil de sa part. C'est génial. Mais les sponsors sont juste magiques. C'est la clique de vidéo que j'ai du mal, moi. Du coup, quand est-ce qu'on voit Pierre sur Chasel Porn? Quand on sera certifié. Mais il a déjà sa chaîne, en fait, mais non, mais alors déjà Pierre a déjà sa chaîne sur Chasel, sur YouPorn. Mais nous, on pourra faire participer Pierre à la branche Chasel Porn quand on sera certifié par Pornhub en tant que créateur. Donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous voulez voir Pierre, vous tapez Big White Cock. Oh mon dieu.
C'est pas grave. Oh, tu vas tuer Greg. Allez, on respire. On continue. Oh, putain. Ça va être compliqué la soirée, moi je te le dis. Oh, putain. Là, je suis en forme. C'est... Ah ouais, c'est bien. Désolé, je me. À l'avance, pardon. Oh putain, oh mon dieu, il y a vraiment une nouvelle boobs. Excuse ça. Il y a Kyo qui m'a envoyé une nouvelle boobs. Ah, faut la mettre, elle est méritée. Mais ouais, mais du coup, il faut que je supprime un. Comment s'appelle un bah, un enlève l'espèce de. C'est bien le bon soin, Draganchon. Voilà celui-là, c'est de bien. Quoi non, c'est... Il est rigolo, l'imo de Draganchon, on va pas la supprimer. Oui, je sais bien. C'est... C'est tac, 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 en plus, tac, je peux faire gueuler Draghi. Ah, il était là, il est drôle et il a des bonnes idées ce soir. Mais... Ça ne peut pas mettre ça en icône, quand même. Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. Oui, après, ça dépend si c'est très explicite ou pas. Oui, mais ça va atterrir sur YouTube et sur comment ça s'appelle, sur Twitter. C'est ça qui me fait flipper. Je sais que sa pile de pierre aura raison de... Oh, tu sais ce que c'est qu'un sexe à pile, hein, c'est un vibromasseur. Putain, mais c'est pas possible. À voir. Je me dis, je suis pas rassuré, moi, pour les modes boobs. On va réfléchir. Fais voir. Quoi, moi, tiens. Je pense que c'est une mauvaise idée, pour être très sincère avec vous. On voit rien. Ouais, ça va, c'est propre. Non, mais tu sais, des fois, Pierre, juste pour être honnête avec toi, juste un téton d'homme. C'est vrai, t'étais honnête avec moi. Ça, c'est cool. Mais là, c'est deux pastèques, alors c'est bon. Avec ma proposition, tu risques rien. Chazel, tu fais une emote d'un raton qui tient le mot boobs. Comme ça, tu seras pas ban. Ah, c'est pas con, ça. C'est pas con. T'inquiète, c'est des melons. On aurait dit des pastèques, nous, d'ici. Oui. C'est des pastèques. C'est. Enfin. Je suis un professionnel, c'est des pastèques. Je suis un professionnel. Alors attends, je les bannes des gens, mais alors du coup, il y avait Max, il y avait Chris Nero et... Mais Chris Nero, pourtant, de toute façon, c'est ça. Chazel aime qu'on lui lèche les tétons. Pardon, Néméo. Ouais, mais qu'en privé. Merci à mes adorables soutiens. Ouais, bah ouais, je vois ça. Je vois que t'as des partisans et tout. Regarde, à plus de partisans. Déjà t'enlèves Chris Nero, ça nettoie le chat. Oh putain, ouais, non, en plus il était content que vous soyez pas là au début du live, parce que du coup il a pu taquiner du Matrix 4, du SNK, et m'a envoyé des emotes Draganchon de partout, et vous appelez des modératons. Mais il y a tout le monde. Ouais, je sais, c'est à ce moment-là que je l'ai mis 5 minutes. Ouais, parce que depuis le téléphone portable, tu peux pas mettre moins de 5 minutes. Ah merde, triste alors. Plaît-il ? C'est 5 minutes ou 1 heure. Alors bon, je me suis dit, ouais, non, 1 heure, c'est un peu violent quand même. Oh putain. Ah, mais tu sais qu'à chaque fin de live, je peux venir parmi vous. Bah, si tu veux, on va se mater, comment ça s'appelle, la vidéo d'Astrono Geek. Donc, comme tu veux. T'as c'est une vidéo sur la VOD. T'es sûr que tu veux venir? Oui, mais attends. Une chaîne animée, Dragon, à un moment. Tu peux lui demander. Toi, tu tiens les sub-goals. Lui, il tient le nombre de minutes qu'il a été ban dans la soirée. Il arrive à te dire depuis le début de la semaine, j'ai pris 30 minutes de ban, il fait ses tournois et tout ça. Il s'éclate. Oh putain, j'en peux plus. Bien le bon soin de Draganchon, comme on aurait dû. Voilà. Bah, écoute, attends, attendez. Voilà. Mais il peut parler. Oh, bah, il peut pas parler. Non, il peut pas, apparemment. Et c'est pas moi. Mais normalement, il peut. Attends, là. Non, mais c'est moi, j'ai essayé de le démute. Putain, mais qu'est-ce que. Le mec, qui fait miaou depuis 5 minutes et toutes ces conneries, on le drag and drop avec nous, il est muet, mais c'est pas possible. Il putain, on dirait mon connard de chat. Il gratte à la fenêtre, quand j'ouvre la fenêtre, il se barre. Putain. Ah, j'ai envie de le frapper quand il fait ça, bande. On est d'accord, il cherche les coups, là. C'est quoi cette histoire? Oh putain, la modération en 49.3 pour Draghi, exactement. Ah, c'est moi où l'écran où il y a Chazel, il devient noir. De quoi? L'écran où il y a Chazel, il devient noir. C'est hyper foncé là où t'es, ma gueule. Ah bon? Sérieux? Il va falloir travailler sur ton éclairage. Faut que je rajoute de l'éclairage et tout. Incroyable. On en revient à la douce époque où j'étais dans une cave et pas éclairé. Remember? C'était incroyable. Je l'ai fait en 5 minutes avec mes problèmes aux mains. Alors je peux le refaire en mieux l'emote. Non mais t'inquiète, c'est juste... t'inquiète. Faut juste qu'on en discute. Vous m'entendez? Non, on t'entend pas, Draghi. C'est pour le baiser les mains, Akio. Pour le plus grand plaisir de pied. C'est d'un calme.
parle pas mal des chats STP. De quoi Jason, on cherche un ingé lumière. Ah, ça, c'est sûr, certain, je suis pas un ingé lumière. Ça, c'est vrai. Ingé lumière, qu'est-ce qui me manque? On voit presque pas ta tête. Bah, désolé, bah, je rajouterai de la lumière et tout. Vive l'opposition, Draghi. Chris, tu t'es rendu compte que on a fait venir Draghi? Ah, tiens, il est là. Ah, excusez-moi, j'ai eu un problème de casque. Ah, t'es technicien son, toi aussi, c'est ça? Non, je disais, je voyais déjà que ça commençait à me mute. Commencez pas, les gars. De quoi? Ça n'a jamais été drôle. Mais personne t'a mute. Ah non, tu vas pas commencer. Ah bah si on t'a mis mute, c'est parce qu'on croyait que c'était les autorisations du Discord qui te permettaient pas de le faire. Et donc la manière d'activer le micro, c'est de te mute sur tout le serveur et te réactiver. C'est l'espace de 3 secondes. C'est ah non, personne t'a mute. Justement, on cherchait à te rendre la parole. Si tu veux, la prochaine fois, on te laisse galérer. Hein. Il a l'air chaque enfant, ça va, Draghi? Il n'aime pas qu'on le mute, a raison. Chazel n'est pas une lumière non plus. C'est vrai, ça. Eh bien, bonsoir, imagine. Un éclairage, c'est pas un infographe. Oui, bah, ça va. Déjà, montrer au chat pour les teaser. Je vais montrer un truc. Bonsoir, noble dragonchon, comment vas-tu? Malade. Ah, mince alors. Quand j'ai vu que vous alliez parler des crop circles avec... Bien sûr. Avec Astronogeek, vu que j'adore cette vidéo, j'avais envie de... Bien sûr, bah viens donc. À quoi un sub goal live sur TikTok? Oh, j'ai besoin d'aide. Bonjour. Moi, en fait, quand vous voulez, en fait, si j'avais accès à ma clé stream pour la linker à mon OBS depuis mon compte TikTok, en fait, on serait déjà en live sur TikTok. Donc, si l'un d'entre vous sait comment on fait pour récupérer une clé stream de TikTok qui vienne dans mes MP, parce que toutes les techniques sur lesquelles je tombe, elles marchent outre-Atlantique, mais bizarrement, en fait, en France, elles ne fonctionnent pas. Donc du coup, si l'un d'entre vous sait comment on récupère une clé stream TikTok, il sera prié de venir me voir dans les MP, s'il vous plaît. En attendant, l'emote boobs en question, c'est celle-ci. Voilà. Vous l'avez vu 3 secondes, hein. Voilà. Je l'ai pas vu, excuse-moi. Ah bon, Là, dans le partage d'écran, il y a. C'est ça? Oui, tout à fait. Ah, comment je suis déçu. Mais quoi? Je m'attendais à un truc... Ah merde. C'est mignon, quoi. Ah non, mais tu voulais un truc plus explicite. Ça risque rien. Bon, d'accord. Ça risque rien de rien, là. Ok. Ah, ok. Bon, bah alors attendez, je vais la rajouter, du coup. Putain. Victoire. Putain. Il faut que je décide de laquelle je supprime, par contre. Tac, 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 tac. Supprime pas le dragon chaud, il est populaire. Non, supprime pas le dragon chaud. Il est populaire chez 3 personnes. Tac, tac. Vous êtes tous de mauvais espoir. Regarde. Peter Boule, Kaku et Chris Nero, ils sont 3. Ouais, j'ai vu aussi le Vyorsgar, j'ai vu aussi Yubaji. Le nuage, j'ai jamais vu personne l'utiliser, tu vois. Ouais, ça fait 5 personnes, on est 110. Ouais, d'accord. Non, parce que en fait, il faut que vous compreniez le chat que, en fait, on a déjà toutes les icônes de base qui sont assignées, comme vous pouvez le voir. Donc du coup, il faut en supprimer une, tu vois. Donc du coup, comment ça s'appelle T'es certifié qui, t'as pas le droit à plus. Non, par contre, du coup... Le raton faudrait... cupcake, il est pas... Alors raton cupcake, moi je l'aime bien, le raton cupcake, il est tout choupi. Bon, bah, eh bien, mon soin, Corrigan. Le raton diabolique, je trouve qu'il sert à rien. Lequel? Le raton diabolique. Celui-là? En violet, ouais. Ah, si Toto il était là, il l'utiliserait tout le temps, donc du coup c'est compliqué. Bah sinon t'as le pixel qui sert pas à grand chose non plus. Moi c'est vraiment le cloud que j'ai jamais vu en fait. J'ai l'impression que ils sont tellement bien. C'est celui-là. C'est... Première ligne en partant de la droite, c'est le 5e. Ouais, et vas-y. Attends, c'est lequel que je trouve qui est pas joli? C'est celui-là. Ah ouais, bah c'est celui que disait Greg d'ailleurs. C'était lequel, celui qui disait Greg? Avant-dernière ligne. C'est le pixel. Ah, le pixel. Ouais, c'est vrai qu'il est là, ouais. C'est vrai qu'il est pas ouf, le pixel. Pixel ou nuage, le chat? Ah, putain, ça y est, maintenant, ils utilisent le comment ça s'appelle? Ouais, bah vas-y, on supprime le pixel. Non, mais c'est bon, c'est moi. On s'en fout, sur Doc, c'est pas grave. Ok, vas-y. On voit le pixel. Sinon, il y a celui-là qui est pas terrible aussi. Tac. Tac, tac, tac. On enlève le pixel. On enlève le pixel. Et alors, du coup,
Tac, 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 on va rajouter le boobs, comme ça c'est fait. Tac, 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 enregistrer l'image sous. Oh, il est déjà en 500 par 500. Oh, trop bien. Trop bien. Alors, ZN, boobs. Ça va pas être galère, vu qu'il est dans un cadre blanc. C'est... Non, 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 il est en PNG. Attends, je vérifie, mais normalement, il est en PNG. Ouais, ouais, il est en PNG. C'est toi, okay. Le PNG. Tac, faudra c'est me faire... C'est vrai ça. Faudra me faire penser qu'un jour il faudra que je rajoute les mots de Draghi et les mots de boobs sur le Discord du coup. Chef, à propos, faut que je te fasse penser. Un jour, faudrait que tu rajoutes les mots de Draghi et les mots de boobs sur le Discord. Ah d'accord. Mais merci beaucoup. Ouais, faudrait que tu rajoutes les mots de boobs sur Discord. Alors RC boobs du coup. Tac, ajouter. Tac, Pierre, tac, pourquoi tac, tu me détestes ce poids? Je me suis posé la même question ce matin, j'ai toujours pas trouvé. Sinon, j'en peux plus. Ça te dirait de faire une soirée où tu ne dis pas des choses méchantes. Putain, alors... à ce moment-là, si il est pas là. C'est vrai, c'est quand je suis pas là. C'est bon, vous l'avez. Ah oui, bah je confirme, ça y est, long. Hein. Ouais, mais... Cette soirée, se... je retrouve. Exceptionnellement. C'est vrai que. Ah, vas-y, vas-y, Pierre, monnaie d'échange. Draghi propose un cessez-le-feu momentané ce soir, vu qu'il est malade, et il a même une monnaie d'échange qui va dire tout de suite. Bah, et en échange, je ne fais pas de blague. Oh, pas mal, pas mal. Vas-y, let's go. On tente. C'est bon, vous êtes content, vous avez votre emote boobs. Non, je le vois pas. Bah non, moi j'ai toujours le putain de pixel à la con. Comment ça ? Fais un refresh. Au cas où, fais un refresh. Mais je fais ce que je veux. J'ai quand j'ai envie, moi, monsieur. Non, mais dis donc, monsieur. T'as vu comment il t'impose des refresh ? Mais quoi ? Ouais, j'ai réussi, ouais. Non, tu n'es pas content. Mais sur Doc, t'es jamais content. C'est bon, vous l'avez, votre emote, vous êtes content. Ouais. On va pouvoir commencer du coup, formation du boobs, ça y est, j'en peux plus. On a dit qu'on s'en foutait de moi, mais qui a dit ça ? C'est moi qui ai dit ça. Il est vraiment très malade. Ah d'accord. Tu as fait une emote boobs, je suis loutré, c'est scandaleux de faire ça. Quelle image de la femme d'un tueur en résumant la poitrine et son accessoire ? Ça y est, je savais, ça allait commencer. Pour répondre à celui qui a demandé si j'étais très malade, la réponse est oui. Depuis ce matin, j'ai la gorge en feu et depuis cet après-midi... J'ai l'impression que je vais m'évanouir à tout moment. Ah merde. Ouais. Mais tu veux pas aller consulter un médecin au cas où ? Je pensais, j'ai pas pu aller le consulter aujourd'hui et les centres pour prendre rendez-vous chez les médecins en ce moment c'est hyper galère. Ouais bah ouais, c'est, j'ai l'impression que c'est pareil partout pareil quoi. Enfin, tac 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 tac. Bon, on est bon, on va pouvoir commencer la vidéo d'Astrono Geek. Je pense pas qu'on aura le temps d'en faire deux. Je crois qu'on va... déjà si on arrive à en faire une. C'est déjà pas mal. Ça y est, vous êtes parti dans la formation de l'SU Boobs. C'est pas possible. Il y avait pas un programme à la base. Oui, mais entre-temps, vous avez goumé le sub-goal. Ensuite, vous avez voulu une nouvelle emote. L'un d'entre vous a fait l'emote. D'ailleurs, remerciez Kyo Baron d'avoir fait l'emote Boobs et tout. Lui, il a pris les devants, tu vois. Il a vu le problème, il a fait « Tu vas voir, on va l'avoir, notre emote Boobs, si tu veux. » Il a envoyé un fichier directement en 500 par 500. De quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Emote boobs, prendre les choses par devant, c'est bien joué. C'est pas faux. C'est quoi cette histoire de raton boobs ? C'est grossièrement, un jour on parlait d'IA, puis un jour Nemeru, il a fait « Hey, tu connais cette vidéo faite par une IA, si tu veux, d'une DJ coréenne en train de mixer ?» Disons que le truc le plus animé de la DJ, c'était sa poitrine. Et donc du coup, le chat est parti en mode boobs, 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 boobs. En plus, ils sont malins, tu vois. Ils ont sorti la vieille excuse du « Non, mais c'est Octobre Rose et toutes ces conneries !» Et puis le lendemain, en fait, le truc qui a pas aidé, c'est que y a deux personnalités importantes du Chaisolistan qui ont décrété la révolue boobs. Et parmi ces dernières, on trouvait d'un côté le noble amiral Pierre, coucou Pierre, et de l'autre côté, il y avait ma daronne. Donc du coup, le chat, il s'est dit, bah, si sa daronne et que Pierre, en fait, ils sont pour la révolue boobs, quelque part, ce serait indécent de pas l'être nous, si tu veux. Et donc depuis, le chat a pété un plomb. Depuis, le chat ne parle que de boobs, nous réclame une emote boobs, et voilà, ça y est.
Voilà, je contrôle rien à chaque fois. Hein. C'est comme l'emote Draghi, hein, tu vois. C'était pas prévu. Draghi, il a débarqué, il m'a envoyé un truc. Il a instauré dans le chat l'idée du « Hey, faudrait une emote Draghi ». Et puis voilà. Et à la fin, moi, je me retrouve à devoir mettre des emotes et toutes ces conneries, tu vois. Alors, oh. Putain, j'en peux plus de vous. Bref, on est parti, là. Tu peux pas lutter contre ta maman raton et ton papa Pierre. Exactement, exactement. C'est compliqué. C'est l'autorité parentale, tu peux la défier, mais la vaincre, c'est compliqué, quoi. En vrai, c'est un raton avec une pastèque en main. C'est un raton avec deux pastèques. Il faut un emoji fesse maintenant. Ah non, tu vas pas commencer, David, hein, s'il te plaît. Merde, hein. L'emote Draghi, c'est parce que Draghi, il m'a chauffé pour la connerie. Donc tout est de sa faute. Oui, mais... C'est... Non, mais... à chaque fois, c'est la faute des autres et tout le bordel. Qu'est-ce que tu m'as envoyé, Greg? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi il m'envoie des bouges? Moi, j'ai ça comme emote. Non, on met pas ça, il Greg. Il est plus joli, le mien. Ouais, mais c'est vraiment des boobs. Oui. C'est pas... Ah, bah oui, attends. Bah oui, mais non, il est quand même... s'il vous plaît. C'est pas un emoji fesse, Claro. Attends, ma prochaine, c'est la prostate. C'est pas un emoji fesse, Claro. C'est un emoji cœur, tu disais, Draghi. J'ai une question, grand raton. Dis-moi tout. On commence. Je sais pas. Déjà, on était sur le point de commencer. Il a fallu qu'on aille chercher le chat qui grattait à la porte. Donc, plains-toi auprès du chat. Bref. Allez, on y va. Let's go. Allez. Vous est présenté par French Rocket. Cet épisode vous est présenté par French Rocket, boutique de vêtements. Aujourd'hui... Oh, il était tout jeune! On va parler d'un sujet qui m'a été énormément demandé. Un sujet qui soulève beaucoup... Beaucoup d'interrogations. Est-ce que vous aussi, vous comprenez pas pourquoi ce monsieur est cancel? Qu'il reste nimbé de mystère. Parce qu'il aime les armes à feu. Bien entendu, parler des crop circles. Vous savez, pour pouvoir trancher sur la véracité d'un phénomène et tirer des conclusions, il faut... Comment ça, un peu plus fort, STP? Mais on est au max. On entend pas. Oh putain. Bon, alors on va faire comme d'habitude. Comme d'habitude. On lâche son en action. Tac, 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 tac. On va le télécharger. Oui, bah on va télécharger, on va la passer dans VLC, hein, ce sera plus simple. Hein. En gros, Johan, alors, il y en a un. Comment ça? S'il vous plaît, mutez le roi des roues. Vas-y, tiens, bouge pas. De quoi? Qui a demandé à muter le roi des roues? Non, il n'y a pas de souci, bouge pas, bouge pas, bouge pas. À part une fois que c'est pas moi qui suis visé. On va télécharger les autres, comme ça c'est fait également. Tac, tac, tac. Tac. Pourquoi à chaque... En fait, à chaque fois qu'on se manque un truc sur YouTube, maintenant je prends l'habitude de télécharger les fichiers avant, quoi. Moi, je pars du principe que le mixage des copains, il est bien fait, tu vois, tu sais. Je me dis pas, oh mon ouais, dieu! Mais regarde, ça te permet de justifier ton abonnement YouTube Premium. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Vous êtes deux faux. En France. Oui, mais d'un côté, on aurait des pubs et tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tac, tac, voilà, je me suis mis les trois vidéos à télécharger. Comme ça, on attend, on va choper ça. En attendant, je vais leur couper le partage là parce que ça sert plus à rien et tout. Il faut qu'on passe par VLC du coup. Tac, 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 tac. Je vais me foutre ça là, comme ça. Je vais voir ça. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe, le chat? Il y a quelques jours, je me suis fait des M sur mon Twix, car je l'avais soutenu. De quoi? Sérieux? Mais pourquoi, en fait? Il y a des gens qui tombent dessus. Mais vous êtes ingénieur son? Exactement. En plus, c'est faux, je suis pas ingénieur son. Moi, je suis tech son, les frères. Hein. Je comprends pourquoi, mais la raison est ridicule. Ouais, techniquement, ouais, c'est à peu près le même avis en soi, le fielleux. Et Cancel, en vrai, il a balancé des bombes sur Twitter, ils ont pas supporté. Ouais, non, mais... fragile, quoi. Tac, tac... Sam, tac, 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 tac... Raton, il est juste ingénieur en doctorat de la connerie. Mais pas du tout, là, qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? Tac, pourquoi j'ai la conversation des modos qui s'emballent? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est rien. Non mais excusez-moi, je croyais qu'il y avait des trucs importants, tu sais. C'est important, ils envoient un MP direct, tu sais. Ah, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Dans 10 secondes, j'ai le premier fichier. Tac, tac. En plus, il aime les armes, donc c'est obligatoirement un facho. Ah ouais? Bien sûr. Putain. C'est un peu... Le son qui s'emballe, c'est pas un cadeau. Hein. C'est... Non mais c'est Légion sur Twix, quoi, en soi. C'est pas étonnant, quoi, en soi. Tac, 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 tac.
Il me l'a foutu où? Il me l'a foutu sur le bureau. Ah non. Tac, tac, tac. Une seconde. Bah oui, bah on attend, là, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce machin, là? On attend. Mais t'avais dit une seconde. Pourquoi tu relances un truc, là? Oh, le téléchargeur de vidéos YouTube, il se fout de ma gueule. Le vil sacripant. Ça y est, ils ont leur emote boobs. Vous allez faire des formations de l'essuie-boobs pendant combien de temps? Eh bien, le bon Swan, Nicolas. Sois content. Il y a des emotes boobs maintenant. Oh mon dieu, c'est pas possible. C'est... ah, c'est bon. On a le fichier. Tac, 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 tac. C'est 1 sur 3. L'épreuve. Vas-y, vas-y. Je m'ouvre ça. Cet épisode. Et toi, Arnaud? Tac. Tac. Bah non. Mais non, mais pas du tout. Mais quoi? Mais pas du tout. Moi, je veux ça. Voilà, ça, c'est bien. Et donc, du coup, il faut que je leur partage, parce que sinon, ils l'ont pas. Tac, 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 tac. Partage ton écran. Tac, tac. Messieurs, je vous laisse rejoindre le partage d'écran. Et normalement, on est bon. Tac, je mets à 130, comme ça, tout le monde entend. Et je récupère mon chat, qui envoie des boobs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Calmez-vous, là. Et maintenant, il y a des gens qui utilisent le raton nuage. Vous vous foutez de moi, c'est ça? Faudrait une emote téton pour aller avec l'emote boobs. Non mais ça va, au bout d'un moment, vous allez pas me casser les couilles toutes les 15 secondes avec vos histoires d'emote, là. Chef, je peux avoir un emote beat, s'il te plaît? Ils sont affamés, ton chat, hein, les gars. Mais c'est toi, là. Mais c'est toi, là, avec ta vidéo sur les furies, là, qui les a mis dans tous leurs états, là. Ils étaient calmes avant ça, hein. Ils étaient calmes, Draghi, avant ça. Et tu le sais qu'ils étaient calmes avant ça. Regarde ce qui s'est passé. Tu les as pervertis. Regarde, moi, après, je les récupère et ils me demandent des emotes de bits. Voilà, tu vois. Bravo, Draghi, hein. On ne te remercie pas, hein. Et ben voilà, ça va être encore de ma faute. Non, c'est déjà de ta faute. Channel, pour prouver que t'es pas misogyne, tu dois faire une emote tub. Attendez, quoi? Attendez, non, justement, chat noir, on va pas faire tous les faits, tous les kinks ou quoi que ce soit là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un émo de palmier pour Chazelle Pierre? Mais vous avez déjà une émo de pierre, de quoi vous me parlez? Vous avez un raton qui fait un câlin à une pierre? C'est parce qu'on va regarder. Ça, surtout un Leafan. C'est parce qu'on va regarder du Astrono Geek qu'on est 127. Qu'est-ce que vous foutez là? C'est d'habitude, on n'est pas autant. Qu'une idée. Johan, ta commune n'a jamais été calme. Je te remercie Blue Jean pour avoir bien écrit mon prénom. Mais je crois que depuis le drama d'il y a une semaine, tout le monde saura bien écrire mon prénom maintenant. Putain, vas-y, on est go. Vous est présenté par French Rocket, boutique de vêtements en ligne, et Opticounter Linden, magasin d'optique astronomique. On est bien d'accord que là, le son, ça va pour vous, hein. On est bien d'accord? Oui, très bien. Parfait. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été énormément demandé. Un sujet qui soulève beaucoup, beaucoup d'interrogations tant il reste nimbé de mystère. Je veux bien entendu parler des crop circles. Vous le savez, pour pouvoir trancher sur la véracité d'un phénomène et tirer des conclusions, il faut des preuves. Pour le sujet qu'on va évoquer maintenant, celles-ci font cruellement défaut. Sont-ce des créations d'origine humaine, ou bien est-ce l'œuvre d'êtres intelligents dont l'origine et le but nous échappent? Aujourd'hui, je vous livre les résultats de l'enquête que j'ai réalisée cet été. Mais ce que je vais vous dire maintenant ne va pas plaire à tout le monde. Aussi, j'invite tous ceux qui me soutiennent à exploser le compteur de pouces bleus et à partager cette vidéo sur les forums, les réseaux sociaux et tous les groupes de discussion qui évoquent le sujet des crop circles en général. D'ailleurs, en parlant de ça, vous avez liké le live YouTube ou pas? Attendez, bougez pas. Deux secondes. Vous avez liké le live ou pas, hein? Bande de sagouins. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tenez, je vous le mets en lien, là. Allez, goumez-moi l'algo, là, sur le live. Merci beaucoup. YouTube, like ton propre live, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? Bref, reprenons. Sachez aussi que cette vidéo a fait l'objet de demandes d'autorisation et de consultations d'avocats. La vidéo et ce que vous allez y voir est tout à fait légale et respecte toutes les règles de YouTube. Vous êtes prêts à déchirer le voile du mystère et à découvrir les preuves accablantes de l'origine des crop circles? Vous êtes prêts à cesser de croire pour commencer à savoir? Nous sachons. Bien. Alors c'est parti. Il vient de m'éclater les tympans. Jamais. T'as craché. Je m'appelle Arnaud et j'habite près de Sarrebourg en Moselle. Depuis une vingtaine d'années, des crop circles apparaissent dans la région avec une concentration et une régularité uniques en France.
Si on exclut l'Angleterre, qui est la championne toute catégorie, la région de Sarrebourg est celle qui présente la plus grande concentration de crop circles d'Europe. C'est vrai que ça fait beaucoup quand même, hein. Depuis que j'ai l'âge de m'y rendre, je vais les voir. J'ai toujours été épaté par la régularité et le gigantisme de ces dessins. Mais en même temps, une petite voix dans ma tête me disait que bon, c'est du boulot, mais avec un matériel rudimentaire et quelques gaillards motivés, ça devrait être réalisable en une nuit. La bonne nuit, Kao. Sauf que... peut-être pas, en fait. Au fil des années, j'ai rencontré, au hasard de mes visites de Crop Circle, de plus en plus de gens convaincus qu'ils ne sont pas d'origine humaine. Et il faut dire que ces gens ont des arguments plutôt convaincants. On sait tous que c'est Draghi qui les fait. Une fois mis bout à bout, tous ces petits détails permettent d'affirmer que non... Non, mais dis tout de suite que je suis responsable des diplômes d'Égypte, hein. Mais oui, oui, mais complètement. Les criquets, c'est toi, hein. Tu m'as montré ton élevage, je fais pas le genre l'innocent, bâtard. L'être humain ne peut pas faire ça. Au cœur des cercles de culture se cachent peut-être des phénomènes occultes. Oh putain, je te vois venir. De l'occulte dans les cultures. C'est bon, on a compris la blague, tu peux t'arrêter là. Il est temps maintenant de vous distiller un peu... Eh ben... Tac, tac. D'histoire. Ah. Et d'occulture. Les crop circles, aussi appelés cercles de culture ou encore agroglyphes, sont des formes géométriques qui apparaissent spontanément et sans raison apparente dans les champs de céréales. Le plus souvent, ils... Pourquoi vous comptez dans le chat ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah non, c'est pas... c'est moi, c'est tout. Ok, d'accord. Il s'agit de champs de blé. Bien qu'on en voit régulièrement dans l'orge, le colza ou encore le triticale. Discernables depuis le sol, ces formes révèlent néanmoins toute leur complexité quand elles sont vues depuis le ciel. Du coup, pour beaucoup, ces agroglyphes s'adressent à des gens qui regardent... de là-haut. Malgré cette croyance très répandue, le premier à qui l'on a attribué la création d'un crop circle viendrait plutôt d'en bas. Le diable lui-même est considéré comme le premier à avoir réalisé un crop circle dans le comté de Hartford, en Angleterre. Cette gravure datée de 1678 représenterait le malin en train de faucher... T'as dit quoi ? T'avais raison, c'était moi. Ouais, regarde, là, c'est bien toi, là. Je reconnais ta dentition, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Un cercle dans un champ. Ça y est, il compte. Si on lit le texte d'accompagnement, on découvre que le fermier, mécontent des prix exorbitants que lui demandait son faucheur pour s'occuper de ses champs, jura qu'il préférait voir le diable s'en charger. Dans la nuit, la moisson d'avoine sembla prise par les flammes. Et le lendemain, il découvrit l'avoine parfaitement fauchée, à tel point qu'on considéra qu'aucun homme n'aurait pu aussi bien faire. Cependant, dans cette histoire, l'avoine a été fauchée, et non pas couchée comme dans les cercles de culture. De plus, c'est l'intégralité du champ qui a été fauchée, et non pas juste un cercle qui est concerné, contrairement à ce que l'on pourrait penser avec la gravure. Difficile alors d'y voir un réel lien avec les crop circles comme on les voit aujourd'hui. Le 19 janvier 1966, George Peddles, un fermier australien, affirme avoir vu un aéronef décoller d'un marécage voisin. C'est très précis. Rendu sur place avec des amis, ils découvrent ce qu'ils qualifieront de nid de soucoupe, en fait un aplatissement en cercle de végétaux. D'autres seront découverts par la suite dans le voisinage. L'histoire de ces nids de soucoupe va inspirer Doug Bower, un fermier de la région d'Asbury. C'est vrai, ça, joli chasse. Avec un ami proche, Dave Shirley, il décide en 1978 de créer les leurs. Ils se lancent donc clandestinement dans la création d'une série de dessins dans les champs de leurs voisins, que l'on baptisera dès lors des Crop Circles. Aujourd'hui, plusieurs groupes artistiques dédiés à la création d'agroglyphes existent, dont le plus notable, le Circle Makers Art Collective, fondé au début des années 90. D'ailleurs, de nombreuses sociétés font appel au service de ces créateurs de Crop Circles pour leur com. Mais alors, si on sait qu'il y a des gars qui font ça, comment il y a des gens qui peuvent sincèrement croire que ça vient d'extraterrestres ? Je veux dire, visiblement, il y a des assos et tout, tu sais, enfin... C'est pas suffisant, c'est... ils se disent non, il y a les crop circles faits par les assos et il y a les crop circles faits par les aliens quand même, c'est ça? Je dirais selon la théorie des anciens astronautes. Et ils vont te dire qu'en fait, les crop circles faits par les aliens dégagent une énergie par rapport aux crop circles faits par les humains. D'accord, ok, très bien. Soit. C'est les aliens qui contrôlent les gens, c'est vrai que ça pourrait être un autre glitch. Par exemple, en 1990, Atlantic Records commande un crop circle pour le best-of de Led Zeppelin, ou encore plus récemment, le tabloïd The Sun a fait réaliser un gigantesque dessin, totalement clandestinement, de jour et sur le territoire français, pour faire la promotion des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Comment ça, totalement clandestinement, il y a bien un monsieur à qui il appartient le champ, et qui comptait sur ses cultures. D'accord,
Parce qu'on est bien d'accord qu'à chaque fois, en fait, pour faire ça, en fait, faut prendre le champ d'un pécor qui vide ses plantations, sûrement, et ses cultures, et faut lui niquer toute sa plantation. On est bien d'accord. C'est parti. Mais le phénomène dépasse le simple canular. Si on exclut l'histoire souvent citée du diable de l'Hertfordshire, aucun témoignage ne vient Saturnella, c'est un caméo d'occulture dans la vidéo d'AstronoGeek. Il y a la présence de Crop Circle dans les champs avant les années 60. D'abord discret, il faudra attendre les années 80 pour que le phénomène explose et qu'il devienne réellement mondial dans les années 90. D'abord de simples cercles, les crop circles deviennent des pictogrammes, puis des dessins géométriques à la complexité grandissante. Certains mesurent quelques dizaines de mètres, tandis que d'autres s'étalent sur des centaines. Certains sont abstraits, tandis que d'autres, bah... Outre le fait... C'est le fameux trou de serrure, c'est ça, hein, c'est un trou de serrure, bien évidemment. ...que ces dessins sont bien différents des simples cercles des... Émoticônes. Ouais, c'est ça. ...de fermiers farceurs d'Avebury, on y relève de plus en plus de phénomènes étranges. Il y en a qui existent en forme de raton. Des anomalies qui semblent, a priori, difficilement reproduites. S'ils n'existent pas, il faut qu'on le fasse, nous. ...tibles par des êtres humains. D'abord, ils sont parfaits. Ah, vas-y, dans le travail humain, on attend des bosses, des irrégularités, mais pas dans ces crop circles. Non, on le fait nous-mêmes, le champ. On se démerde, tu vois, tu sais. Vu du ciel, le tracé est nickel, sans aucun accroc. Et c'est d'autant plus impressionnant que certains dessins peuvent se révéler d'une grande complexité. Vous sauriez dessiner ça, vous ? Agnès nous prête un champ. Non, parce que moi, déjà, sur une feuille... T'as un champ, Agnès ? Vas-y, let's go, on fait ça ! J'y arrive pas. Alors, dans un champ, ça colle pas trop avec l'hypothèse de chômeur insomniaque ou d'artiste trop zélé qui décide de faire du land art. Mais surtout, ces dessins sont tous empreints de ce que l'on appellera une beauté mathématique. Rapport de taille, d'angle, tout est harmonieux. On peut même y retrouver le nombre d'or, pi, ou encore la suite de Fibonacci. Certains semblent même être porteurs d'un message caché dans la géométrie. Oui, comme une sorte de QR code. Et puis, pour faire un cercle parfait, il faut un compas. Pour un créateur de crop circle bien humain, ce compas consiste en une ficelle reliée à un piquet planté dans le sol. Dès lors, ce piquet fait justement un trou que l'on retrouve dans les créations bien humaines. Mais pas dans celle-là. Plus étrange encore, quand on utilise une planche de bois pour écraser le blé, on écrase tout. Or, dans ces crop circles, on retrouve souvent des tiges restées debout au milieu des autres, ou encore partiellement couchées. Difficile de faire ça juste avec une ficelle et une planche. Encore mieux, dans certains cercles, seules les tiges d'une certaine longueur semblent être touchées par le phénomène. Les tiges un peu plus courtes, comme celles que l'on retrouve dans les sillons des tracteurs, ne semblent pas être touchées et restent bien debout. On retrouve aussi ça et là, au centre du cercle, des grandes tiges restées debout, ou encore une poignée de tiges tressées entre elles. Mais il y a encore plus dingue. Quand on écrase une tige, bah on l'écrase. Or, dans ces crop circles, les tiges ne semblent pas écrasées, mais tordues au niveau de l'un des nœuds de la plante. Un phénomène a priori inexpliqué semble alors agir sur les cultures elles-mêmes, les forçant à se plier sans se casser. Plus étrange encore, dans les crop circles qui ne semblent pas d'origine humaine... Ouais, mais si c'est fait à la zeub, en soi on peut avoir ce genre de résultat, non ? Enfin... On pourrait retrouver des insectes morts collés au blé. Oui, collés. Et par un phénomène qui laisse d'ailleurs les scientifiques sans réponse. C'est ma truc et si vous revenez ça. Dans les parages la nuit et que vous décidez de faire une photo... Mais comment ça coller ? Genre avec de la glu et tout ? Vous non, pourriez... mais en fait, dans la vidéo 2, il donne une explication, mais c'est vraiment le truc pété, mon préféré, le truc où tu te dis, mais les gars, vous êtes vraiment trop cons, quoi. Ok, no spoil. Assister à un phénomène très bizarre. Alors que vos yeux vous diront que vous êtes seul, votre appareil photo pourrait révéler dans l'air qui vous entoure une multitude d'orbes lumineuses qui sembleront flotter autour de vous. Oui. Et pour enfoncer le clou du cercueil de l'hypothèse humaine, on retrouverait dans ces cercles de culture un niveau d'énergie radiesthésique plusieurs milliers de fois supérieur à celle des environs. Oh, attends. De l'énergie radiesthésique ? Ouais. Enfin, moi je dis ça, c'est toi qui m'as envoyé le script. Ça te fait rien si je fais quelques recherches sur le sujet ? La radiesthésie n'est pas encore très, n'est pas scientifique. D'ailleurs, il y a certains radiesthésistes qui ont peut-être peur du ridicule et qui disent, vous savez, c'est scientifique. Non, je crois que nous, d'ailleurs, à l'association des sociétés et des géobiologues, dont je fais partie, on parle plutôt de ressenti. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vous voyez, vous avez un petit cadran. T'as utilisé un terme qui a une connotation scientifique pour parler de ressenti ? Mais t'es un putain de génie. Donc, alors,
C'est un peu ce que vous avez sur votre voiture, hein, quand vous conduisez, vous avez le cadran, et puis vous avez une aiguille. Voilà, voici voici l'aiguille. Donc c'est rien d'autre, hein, le petit pendule, vous voyez, c'est rien d'autre qu'une aiguille. Qu'est-ce qu'il fait avec... Mais qu'est-ce qu'il fait avec son bitonio, lui ? Bah, il lui faut aussi un moteur, et donc quelque chose qui fait bouger, qui meut, comme on dit, hein, bah, c'est le corps humain. C'est-à-dire le corps humain qui est une... Bien l'Antoine Elmine. Lui est une antenne. Donc je mets un petit peu en syntonie, comme on dit. En syntonie ? De quoi qu'est-ce qu'il dit ? Hein, par rapport au... Et pourquoi il se secoue l'aiguillon, là, depuis tout à l'heure, hein ? Au lieu, et vous allez voir que le pendule... Bon, le pendule, lui, il va osciller, mais en fait, il oscille pas de lui-même. C'est-à-dire que c'est effectivement moi qui ressens l'énergie et qui donne le... Arrête de faire ça, là. Arrête de faire ça avec ton bassin, là, quand tu veux nous donner de l'énergie, là. L'impulsion. Oui, bien sûr. De l'énergie radiesthésique plusieurs milliers de fois supérieure aux environs. Bon, déjà... Quelques définitions. La radiesthésie, ça veut dire la sensibilité à des rayonnements. Quel rayonnement ? Merci, ça fait plaisir d'avoir une définition. Des rayonnements hypothétiques qui seraient dégagés par différents objets, comme par exemple le fer ou l'eau, mais qui... Le plâtre. Ne seraient pas détectables par des techniques conventionnelles. Du coup, d'après les radiesthésistes... Donc ce seraient des radiations qu'on détecte pas avec tous nos outils de mesure de radiation, c'est ça ? C'est des radiations imaginaires de Terre 2, c'est ça ? On peut faire pas mal de choses. Moi, par exemple, je suis tellement charismatique que je dégage des radiations et personne ne les ressent. Non, ça, c'est l'uranium que t'as dans ton cul, frère, mais je t'en ai déjà parlé. Par exemple, on peut chercher des trucs, toutes sortes de trucs. Ça peut être de l'eau, du métal, un sarcophage, un Rubik's Cube, un cadavre, un slip. Enfin bref, à peu près ce que vous voulez. Stylé. Bref, vous allez dans la nature, vous sortez votre pendule, et celui-ci devrait se mettre à tournoyer selon ce que vous avez sous vos pieds. Quoi aussi... Mais non, mais pas du tout. Enfin, attends, quoi ? Si utiliser des baguettes, là on parle plutôt de rhabdomancie. Ça c'est plutôt les sourciers. Mais c'est pas le sujet du jour et on en a déjà parlé. Tu es un sourcier, Chahizal. C'est vrai. On place le pendule au-dessus d'une carte. Vous pensez fort à ce que vous cherchez, et votre pendule se mettra à tournoyer plus ou moins intensément selon l'endroit où vous allez passer sur la carte. Ou alors on peut poser des questions, du moment qu'on peut y répondre par oui ou par non. Mais, une chose très importante à préciser, on parle ici du ressenti subjectif du radiesthésiste. Ça vaut rien. Donc du coup, que je récapitule, il a une espèce de bitonio relié à un câble fait juste en corde tressée, il le secoue dans les sens qu'il veut et il l'interprète comme il veut avec son ressenti de lui du moment présent, c'est ça ? Ça sert à rien. Enfin, c'est comme si je vous disais bonjour, je vous présente mon nouvel outil de mesure, c'est mon porte-sopalin. Quand je le bouge, il se mouve. Incroyable. Et voilà. Ah, il vient de me dire que Draghi était un con. Tu vois. Typiquement, c'est un outil de mesure. Mais attends, attends, si tu veux, je lui demande pour moi. Attends, je lui demande pour moi. Est-ce que je suis un abruti ? Ah oui, mais bien plus que toi. Hein. Attends, je te bats à plat de couture. Hein. Tu disais ? Non, rien. Vu que tu t'es auto-vanné, ma phrase n'a plus de sens. Tu fais quoi avec ce sopalin ? En fait, je suis sur la table à manger. C'est pas pratique. C'est pas là. Mais non, mais bande de connards. À ce train-là, va falloir m'expliquer pourquoi j'ai une grenade, une pomme et. T'as une grenade parce que t'es afghan. Enfin. Mais non, une grenade, le fruit. C'est facile. Mais c'est pas un fapalin. Mais vous êtes dégueulasse. Je vais pas faire ça dans la véranda où on bouffe. Oh, un peu de tenue, bordel de merde! Vous êtes incroyable! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh merde! C'est là où je bouffe avec ma mère et ma sœur, un minimum de respect quand même! Mais non, mais tu même. Fais ce que tu veux, t'as pas justifié! Oh, j'ai des images qui me viennent à la tête! Ah non, attends, ta gueule! Qui sort? Ah merde! J'avais mangé chez Chazel. Écoute, hein, on juge pas Chazel. L'exib est un fétiche quand même. Mais putain, mais je suis à 7, ça allait lâcher, bordel! C'est donc ça la sauce algérienne! Mais on est à. C'est la tomate oignon, chef! Pas de tomate. Oh putain! Ah, merde. Mais je vous déteste! Le pire, c'est que je visualise, c'est une catastrophe! Putain, mais j'aurais dû prendre un autre truc! J'aurais dû prendre le balai! Voilà, tu sais quoi? Comme ça, il n'y a aucune connotation ou quoi que ce soit! Ah, ce kink avec le balai! C'est pas le balai! Non, pas bon objet! Mais c'est l'aspirateur!
Ah oui pareil. Moi surtout pas, putain, mais tu fais exprès ou quoi, Johan? Everything is a yo, réfléchis, bordel. Je peux rien. Laisse-moi ce respirateur. Mais quoi? Qu'est-ce qui passe? Est-ce que l'aspiration est assez forte? Je dis que je me dérange pas quand je nettoie ma chambre. Oh mon dieu, j'ai mal à la tête. J'ai l'image sur la tête, putain, c'est horrible. On va d'abord. Putain, la queue rayée. Mais vous êtes complètement con. Vous allez faire ça avec. Le live ever. Vous allez faire ça avec chaque objet que je prends, genre si je prends le slime. Ah bah, ça dépend. Bah, si je prends le slime pour nettoyer les claviers là, vous allez aussi faire. Ouais, il y a moyen qu'on trouve un truc. Ah non, vous êtes sérieux, vous êtes dégueulasse. T'as bien fait cela sur ma terrasse avec moi et Alfred qui filmait, c'est faux. Tant que ça ligue pas, c'est faux. Oh putain. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce slime? Nettoyer des claviers. C'est incroyable, ça marche trop bien cette merde. Bref, on est reparti là où on saoule ma gueule en sous-entendant que je fais des trucs dégueulasses dans ma salle à manger là. Greg, il en peut plus, bordel. Putain, mais ça colle ce slime, c'est dégueulasse. Ah, tiens, oui, bah oui. bah oui, mais à force de faire ce que tu fais avec. Mais quoi, mais merde. Oh la vache. Emma, nettoyez bien la table avant de manger. Reprenons. Les lubrifiants, vous êtes dégueulasse. C'est un slime pour nettoyer les cas. Ah, dégueulasse. On ne parle pas d'une valeur objective d'énergie. Lorsqu'il quantifie verbalement une énergie radiesthésique que lui seul ressent, comment savoir que celle-ci est des milliers de fois supérieure à celle qu'il y a aux environs? Le problème également, c'est la polysémie du mot énergie. Le terme énergie dans ce contexte est un peu flou, un peu fourre-tout et assez vague. Et comme dirait Étienne Klein, si on dit mal les choses, on risque de mal les penser. Ressentir de l'énergie subjectivement, oui, effectivement, c'est une chose qu'on peut tous expérimenter, parfois selon le contexte dans lequel on se trouve. On peut appeler ça de l'énergie, on peut appeler ça de l'excitation, enfin, chacun aura sa propre définition du terme. Mais de quelle énergie parle-t-on? Quelle est sa nature? Comment pourrait-on la quantifier objectivement? Donc, si je comprends bien, un radiesthésiste, c'est quelqu'un qui ressent un truc invérifiable, immesurable, parce qu'il est le seul à le ressentir, et qui décide lui-même, enfin selon son ressenti, ce qu'il doit trouver et où il doit le trouver. C'est génial. Ouais, en gros, c'est ça. On a parfois dans la famille un tonton très sympa qui vous prédit avec son pendule que oui, effectivement, vous allez devenir un virtuose du piano quand vous aurez 35 ans. Sur moi, ça n'a pas trop marché, en fait. Ouais, mais attends. C'est pas suffisant pour les traiter de charlatans, hein. Pour moi, tu peux me donner les justifications que tu veux, tant que ça marche, ça me va. Ah mais c'est loin d'être des charlatans, simplement des personnes persuadées de leur talent. Sauf que ça marche pas. Enfin, pour être plus précis, ça marche pas mieux que le hasard. Si l'on met de côté les témoignages sincères de sympathiques radiesthésistes et de leur entourage qui leur attribue moult succès, que l'on met en place un protocole expérimental assez carré pour checker si ces personnes sont capables de détecter de l'eau ou du métal, bah ça se gâte un peu. Et des expériences dans ce genre, il en a eu. Beaucoup. On en a parlé dans la vidéo sur les sourciers, mais je vais reprendre le petit exemple. 10 tuyaux sont enterrés côte à côte, on laissera l'eau circuler dans un seul des tuyaux. Le sourcier se place au-dessus avec son pendule ou sa baguette pour essayer de déterminer dans lequel des 10 tuyaux l'eau circule. Mmh. Et d'après l'ensemble de ces expériences, les sourciers ou radiesthésistes n'ont pas fait mieux que le hasard. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi le pendule tourne quand même quand le radiesthésiste croit avoir détecté quelque chose alors qu'il n'y a rien de particulier? Mais parce qu'il tourne juste au gré d'un mouvement de poignet. Titre, vous allez encore en partir en couille dans le chat, je sais. L'explication qui semble être la plus simple, la moins coûteuse en hypothèse, merci Occam, c'est l'effet idéomoteur. En gros, vous donnez inconsciemment des mouvements à votre pendule. Si vous avez par exemple des indices un petit peu subtils sur la présence d'un objet enterré aux alentours, vous allez, en toute bonne foi et sans même vous en rendre compte, donner un mouvement inconscient à votre pendule. Je vous laisse maintenant imaginer le level d'autosuggestion du mec qui va débarquer au milieu d'un cercle de blé couché de 20 mètres de diamètre. S'il est lui-même persuadé qu'il y a une forme d'énergie sur place, comment peut-on être certain qu'il ne réalise pas lui-même inconsciemment le mouvement du pendule? Ne les condamnons pas tout de suite. À vrai dire, je demande à voir. Après tout, qu'est-ce qui me prouve qu'un radiesthésiste n'est pas capable de ressentir un truc dans un crop circle? Mais avant d'aller plus loin pour analyser tout ce qu'on va nous dire, je pense qu'on va avoir besoin d'une boîte à outils. Une boîte à outils critique. J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, mais le concept d'argument irréfutable va nous être très utile pour la suite. Donc j'aimerais revenir dessus un instant. Pour ça, faisons appel au talent de conteur de Christophe. Ouais, voici un exemple. Imaginons,
Vous rentrez chez vous avec du retard, votre conjoint vous accuse de le tromper. Pour ce cas, là, imaginons que ce soit... C'est pas moi, j'ai un alibi, j'étais au cinéma. Bon. Si la personne a déjà décidé que c'est le cas, et qu'elle est dans un mode de pensée irréfutable, alors qu'est-ce que vous pouvez lui répondre pour lui montrer que non ? Si vous répondez « Non, ma chérie, je ne te trompe pas », elle pourra vous dire « Ça, c'est exactement ce que tu me dirais si tu me trompais. » Tous les infidèles disent exactement ça. Et c'est vrai. Vous pouvez alors brandir le reçu du restaurant dans lequel vous vous êtes attardé avec les collègues. C'est une preuve matérielle de votre innocence. Mais elle pourra vous dire « Si tu me trompais, tu chercherais forcément une couverture, donc tu demanderais à tes collègues de te donner un reçu de restaurant. » Non mais là, on a perdu dans tous les sens, là. Pour justifier ton retard. En fait, ce reçu-là, c'est même une preuve que c'était prémédité. C'est encore pire. Ça, c'est ce qu'on appelle un argument irréfutable. Cet argument prouve votre culpabilité en toutes circonstances, même si vous êtes innocent. Si on veut avoir la bonne méthode, il nous faut refuser les arguments irréfutables. La méthode scientifique, c'est « voici les faits, quelles conclusions pouvons-nous en tirer ?» Mais bien souvent, on raisonne à l'envers, et on se dit « voici ma conclusion, il me trompe, quels faits pouvons-nous trouver pour rendre ça crédible ?» Ah, mais comme un certain newser qui vient d'Europe de l'Est. Si une méthode arrive toujours à la même conclusion, quel que soit ce qu'on lui présente, drift. C'est un problème. Le temps que tu dises drift, j'étais déjà parti sur l'autre départemental. Ajoutons encore un outil qui nous servira par la suite. Une affirmation extraordinaire qui est avancée sans preuve peut être rejetée sans preuve. Allez vous faire enculer pour avril. Tout simplement parce que si je vous dis qu'hier j'ai vu une licorne, vous allez avoir du mal à me croire sur parole. Nous vivons dans un monde rempli de menteurs et de gens qui veulent vous blouser. Vous allez vouloir des preuves, une photo, une touffe de poils dorés, un truc, quoi. Sinon, vous ne me croirez pas. Bah, c'est normal. Non mais les gars, je suis venu voir une vidéo sur les crop circles, et là vous me servez tout un tas d'arguments philosophiques qui n'ont rien à voir. C'est vrai. Mais c'était un passage obligé avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc commençons. Il était trop bien le caméo de Fred. Juste avant m'a fait réagir. Celui des orbes lumineuses que l'on voit apparaître dans les crop circles. Dans la vie, je suis photographe, et j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que les photos d'orbes sont toujours, toujours faites au flash. Quand on fait une photo et qu'un élément lumineux et ponctuel se trouve en dehors du plan focal, c'est-à-dire la zone de mise au point, il dessine ce que l'on appelle un disque de défocalisation. C'est un effet très recherché si on veut ajouter un peu de poésie à sa composition, et là, en l'occurrence, c'est la rosée qui brille au lever du jour. Curieusement, ces orbes sont exactement ce qui arriverait si je prenais une photo au flash dans une atmosphère poussiéreuse. Alors, faisons l'expérience. Je choisis un hipster, et je le prends en photo, avec des flashs. Et rien ne se passe. Mais si je passe un coup de balai en prenant soin de soulever un maximum de poussière dans la pièce, et que je refais la même photo, eh ben voilà ce qui arrive. La poussière est éclairée par la lumière violente du flash et se met à briller. Plus elle est éloignée de mon plan focal, plus elle crée des disques de défocalisation de grande taille. Notez aussi que là où Sylvain, c'est le nom du hipster, fait de l'ombre, la poussière n'est pas éclairée et donc on ne voit pas d'orbe. Ces orbes sont rondes à cause de la forme de l'objectif. Mais si on met un pochoir juste devant, on peut changer leur forme. Et si votre objectif est sale ou de mauvaise qualité, vous allez voir des motifs à l'intérieur des orbes. Ceci me paraît être une explication toute simple au phénomène des orbes lumineuses. Ça expliquerait aussi pourquoi les gens disent rentrer dans une pièce, faire une photo où il n'y a pas d'orbe, refaire la même photo 10 minutes plus tard et en voir partout. Ça voudrait juste dire qu'ils ont soulevé de la poussière en marchant. Mais cette explication n'est pas une preuve de quoi que ce soit. C'est juste une hypothèse. Et dans les crop circles, il y a encore tout un tas d'autres phénomènes étranges. Par exemple, les blés coudés. Difficile pour un homme de faire ça. Alors, si je peux me permettre, c'est difficile pour un homme, mais pas pour une plante. Qu'est-ce que tu veux dire ? Quand vous posez une plante en pot près d'une fenêtre, elle va doucement mais sûrement se mettre à pencher vers ladite fenêtre. Tout simplement pour chercher la lumière. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'héliotropisme. Quand une tige de blé est couchée par terre alors qu'elle est encore vivante, elle va naturellement chercher à se redresser. Pour ce faire, elle va même se tordre à l'un de ses nœuds pour prendre cet aspect étrange. Ouais mais attends, cette explication permet de dire que les plantes peuvent se redresser, mais elle ne prouve pas que dans le cas des crop circles, ce n'est pas une œuvre volontaire réalisée par exemple avec des micro-ondes. C'est vrai, d'un côté on a l'hypothèse de l'héliotropisme et de l'autre l'hypothèse des micro-ondes. Et on n'a aucun moyen de prouver que l'une des deux est fausse. Peut-être que si. Peut-être que j'ai un moyen. Peut-être qu'il existe un moyen de vérifier toutes ces affirmations en une seule fois. Mais pour ça, il faut qu'on réalise une expérience en aveugle. Comment bien redresser sa tige ? Tu voudrais pas me... Bien.
pierre, explique-nous. Non, c'est con. Vous expliquez ce que c'est une expérience en aveugle. Imaginez que c'est l'entraînement. Un nouveau médicament contenant une molécule qui soignerait les maux de tête. Vous avez envie de démontrer à la communauté qu'il est efficace. Et vous décidez de le tester sur des gens qui ont des maux de tête, des malades donc. Et vous leur dites que votre médicament, il est très prometteur et qu'il va les soulager. Vos résultats sont donc encourageants. Plusieurs malades ont moins mal à la tête et d'autres n'ont plus mal du tout. Est-ce que ça veut dire que votre médicament est efficace? Eh bien, non. En fait, il existe un effet qu'on appelle effet placebo ou effet contextuel, qui fait que le simple fait de voir un médecin ou d'être pris en charge peut suffire à diminuer les symptômes ou à vous soigner totalement. C'est pour ça que bien souvent, vous vous sentez mieux en sortant de la consultation chez votre médecin ou que le médicament fait effet dès que vous l'avalez alors qu'il n'est censé marcher qu'au bout de quelques heures. Donc, vous ne pouvez pas affirmer que votre médicament a une efficacité propre ou même que le mal de tête ne se serait pas guéri tout seul parce que vous n'avez personne à qui comparer votre groupe. Alors, vous allez former deux groupes de malades qui ont le même mal de tête. Au premier groupe, vous donnez votre cachet bleu avec le médicament dedans et vous leur dites qu'il va les soulager. Au deuxième, vous donnez un verre d'eau sucrée en leur précisant qu'il n'y a aucune molécule active dedans. Et là, en comparant vos deux groupes, vous constatez que les gens se sentent mieux dans le groupe médicament que dans le groupe contrôle. Avez-vous démontré l'efficacité du médicament? Eh bien, toujours pas, parce que le contexte de l'expérience a influencé les patients. Ils savent s'ils ont pris le produit testé ou pas, et en plus, les deux produits ne sont pas comparables. Eau sucrée et cachet, ce n'est pas pareil. L'expérimentateur lui-même peut être influencé par les données de l'expérience. Il attendra des résultats positifs du premier groupe et moins du deuxième groupe. Son jugement est altéré. Ainsi, afin de proposer une expérience qui soit exploitable, il faut proposer une étude en aveugle. On prend deux groupes de malades. Ces deux groupes doivent être comparables. Vous mettez donc les patients au hasard d'un côté ou de l'autre. Le premier groupe reçoit le médicament avec la molécule que l'on teste. Le deuxième groupe reçoit un médicament qui ressemble en tout point au vrai. Couleur, texture, donné au même moment par le même mec, mais qui ne contient aucune molécule active. Et aucun des patients ne sait dans quel groupe il se trouve. C'est ce qu'on appelle une étude en aveugle. Et si l'expérimentateur qui donne le traitement ne sait pas non plus le groupe dans lequel se situe son patient, il aura moins tendance à influencer les résultats. On parle alors de double aveugle. Et c'est seulement là, si les résultats du premier groupe sont meilleurs que ceux du deuxième, qu'on pourra dire que la molécule est efficace. Mais alors Arnaud, c'est quoi ce test en aveugle que tu veux faire? C'est tout simple. Pour savoir une bonne fois pour toutes si les phénomènes observés dans les crop circles sont d'origine humaine, naturelle ou extraterrestre, eh ben le plus simple, c'est d'en faire un. Si on réalise un crop circle, on connaît donc son origine. Elle est vérifiable. Il suffit ensuite de ne rien dire à personne, de laisser l'info fuiter dans la presse et d'observer la réaction des gens. Ça, c'est le test en aveugle. On pourra ainsi déterminer si les radiesthésistes ressentent réellement quelque chose dans les crop circles ou si c'est un simple phénomène d'autosuggestion. Et puisqu'on aura sous la main un beau crop circle d'origine humaine, on pourra constater l'apparition ou non de phénomènes habituellement qualifiés d'extraordinaires comme les blés coudés, les insectes morts ou les tiges restées debout. Ah ouais? Non mais attends, t'as vu la quantité de boulot que ça représente ça? Non mais oh! Vous savez quoi? Je vais le faire. La première étape, c'est de faire un dessin. On va commencer par un peu de lecture sur le sujet. Si j'en crois les rapports des ufologues qui ont analysé les crop circles apparus dans la région, ils ont toujours les mêmes caractéristiques. C'est toujours une série de cercles alignés et c'est toujours des cercles de la même taille, 5, 10, 15, 20, 30 ou 40 mètres. Parfois, on y trouve des croissants de lune, des lunules, c'est comme ça que ça s'appelle, qui sont faites de deux cercles non concentriques. Et les centres de ces cercles se trouvent eux aussi sur l'axe principal. Alors allons-y. J'aimerais bien faire une sorte de fractal. Je vais commencer... Mais du coup, le nôtre, il faut qu'on le fasse en Suisse, c'est ça, Agnès ? C'est par un cercle de 40 mètres. Dedans, je vais mettre un cercle de 20 mètres et deux de 10. En ajoutant deux cercles de 30 mètres, j'obtiens deux lunules. Dans ce cercle de 20 mètres, on va faire la même chose. Mais dans l'autre sens, tiens, ça sera plus joli. Je vais faire un cercle de 10 mètres et deux de 5. Avec deux cercles de 15 mètres, j'ai à nouveau mes deux lunules. Bon, c'est bien, mais... C'est un peu trop simple. Ça va être difficile de continuer la fractale en plus grand ou en plus petit, sinon on va se retrouver avec des dimensions gigantesques ou minuscules. Alors on va rajouter quelques fioritures. Là, je rajouterai bien une autre lunule pour casser la symétrie, tiens. Ah, mais du coup j'ai un problème. Le centre de ces cercles-là se trouve à un endroit où le blé n'est pas écrasé. Ça va être difficile d'y accéder pour mettre le centre de mon cercle une fois dans le champ, sans laisser un chemin de blé écrasé qui trahira mon passage. Bon, en fait la solution est toute simple, il suffit de rajouter quelques cercles. On va aussi en rajouter de l'autre côté, juste pour le fun.
Ce dessin ne représente absolument rien. Tiens, on dirait un gros A. Et il ressemble à ce qui se fait d'habitude dans la région. Et c'est fait exprès. Quand je regarde la plupart des crop circles, je ressemble au bonhomme du Monopoly. De quoi ? Bah, regarde le dessin. La moustache, à la rigueur, oui. Ah oui. Monopoly ou Pringles ? Pour le fun. C'est ce pas dessin le même. Ne représente. Je crois que. Non, il y en a un, il a un chapeau, je crois. C'est... Absolument rien. Et il ressemble à ce qui se fait d'habitude dans la région. Et c'est fait exprès. Quand je regarde la plupart des crop circles, j'y vois des dessins abstraits juste pour la beauté du graphisme. Moi, je vois des boules asymétriques. Alors, on va faire exactement la même chose. En plus, ce dessin, il est facile à faire. C'est ça, c'est Mono Pringles. Une fois qu'on sera au milieu d'un champ la nuit. On va faire ce dessin en deux phases. Il va... Personne n'a encore sorti le B-word. Mais c'est quoi le B-word ? Il va falloir commencer par une série de cercles. De quoi ? Le B-word se bouge. Ah oui. La lignée. Une fois ces cercles achevés, ça ne devrait pas être trop compliqué de rajouter les lunules. Je fais donc deux plans côtés, un pour chaque phase de la création. Ce dessin fait donc 40 mètres de large et un peu moins de 70 mètres de long et couvre une surface d'environ 12 ars. Bon, clairement, j'arriverai pas à faire ça tout seul. Il va donc me falloir de l'aide et pour ça, je vais faire appel à quelques spécialistes du paranormal, des fakes et des idées reçues. Il y a Christophe, d'hygiène mentale, Pierre-Antoine, d'un Mondrian, le défécator, dont vous ne verrez pas le visage, Patrice, qui a pour habitude d'enquêter sur les crop circles en France. Le soir de la création, il a voulu rester anonyme, mais il a changé d'avis entre-temps, donc vous verrez sa tête plus tard. Et pour finir, il y a Thomas, de la tronche en biais. Une fois ma Dream Team réunie, je leur explique les détails de mon projet et on discute de la meilleure manière de le mener à bien. Comme ça, on va pouvoir naviguer tranquillement, on va pouvoir se déplacer dedans sans problème. Et ensuite, on pourra faire les lunules qui sont là, qui sont beaucoup plus, enfin, beaucoup plus chiantes à faire. À mon avis, elles vont être sacrément plus chiantes que juste des ronds. On va se servir de ça pour les mesures de distance. Celui-là fait 60 mètres, j'en ai deux de 30, j'en ai un de 10. Et puis, bah, vos planches, elles sont là, elles sont prêtes. Je pense entre 2 et 3 heures. Voilà. 3 heures quand même. Je pense. Parti. 15 personnes, on fait ça l'année prochaine. 9 heures d'affilée, l'année 3 fois ça, ça, moi j'aurais vu. Monsieur Monopoly, on va manger. Oui, on va bien. Une fois la nuit tombée, nous nous rendons dans le champ. J'habite à la Cambrousse, autant dire que j'ai plein de voisins agriculteurs. Le premier à qui j'ai demandé si je pouvais faire un crop circle chez lui n'avait pas de champ assez grand. Mais le deuxième était le bon. Jean-Claude a deux champs. L'un est à moitié couché à cause des orages récents, et l'autre est en bon état. On choisit donc le champ en bon état. Il se trouve le long d'un chemin agricole où personne ne circule la nuit et il n'est pas visible de la route. On va donc pouvoir travailler tranquillement, d'autant plus tranquillement que pour les besoins du tournage, il va nous falloir beaucoup de lumière. Si on avait réalisé ce crop circle sans tourner de vidéo, la seule lumière de nos petites et discrètes lampes frontales nous aurait suffi. Mais si on n'avait pas filmé la création du crop circle, on nous aurait accusé d'être des affabulateurs et de ne pas vraiment en être les auteurs. On a donc décidé de voir les choses en grand et de faire venir une équipe de tournage armée d'une caméra haute sensibilité et d'un drone. Parce que ouais, même avec autant d'éclairage, il fallait bien un Alpha 7S 2 pour y voir quelque chose. Première constatation une fois sur place. L'endroit est désert. C'est très, très calme. On se rend très vite compte qu'on n'a absolument pas besoin d'être discret parce qu'il n'y a personne à 1 km à la ronde. Si quelqu'un voit des lumières à l'horizon, la belle affaire, c'est juste des lumières à l'horizon. Le seul qui pourrait s'en inquiéter et venir jeter un œil, c'est Jean-Claude, le propriétaire de la parcelle. Mais il est dans le coup, donc c'est assez peu probable que ça pose un problème. Une fois dans le champ, on commence par dessiner un cercle de 5 mètres où on va pouvoir déposer toutes nos affaires et placer le premier projecteur. On enchaîne avec Christophe qui tire une corde de 50 mètres de long pour qu'on ait un axe sur lequel aligner les cercles qu'on va faire. Une fois la corde tirée, on installe un projecteur à l'autre extrémité du crop circle. Et c'est parti! On place quelqu'un au centre du cercle pour tenir la corde pendant qu'un autre utilise sa planche et se déplace le long de la corde tendue pour réaliser le contour du cercle. Quand je dis corde, en fait je veux dire qu'on utilise des rubans métrés sur enrouleur afin d'avoir des mesures précises. Les planches sont juste des morceaux de bois d'un mètre sur lequel on a fixé une corde pour pouvoir les tenir. La tâche se révèle plus facile que prévu. Écraser du blé, ça va vite. Bah oui. En outre, avec quelques mesures, on arrive à faire un travail précis. Là, on voit la jonction des deux premiers cercles. Une fois le contour tracé, PA et défécator se chargent d'en faire l'intérieur. Comme des enfants à qui on demande de faire un coloriage sans dépasser les bords. Défécator, il devait rien y voir. Hein. Dire que Astro est cancel par la majorité de ce groupe maintenant, sérieux ? Et on enchaîne comme ça. Pendant qu'une partie de l'équipe remplit un cercle, une autre partie de l'équipe trace le contour suivant. On peut avoir quelqu'un pour aplatir ce cercle-là ?
On vérifie constamment le plan et nos mesures, parce que si on se gourre, on peut pas revenir en arrière. En fait, c'est nul en zone. Donc 3 mètres, 4 mètres, 4,50. Allez, toi, plein. On y va. Alors, comment ça se passe, monsieur Thierry? Regardez-moi. Parlez-moi un petit peu. C'est... Ça tourne pas mal, hein? C'est... Ça tourne. Si, j'ai vite fait entendu parler des dramas, mais de là à se faire cancel par cette bande-là, si tu veux, je m'y attendais pas, quoi. Non, mais en vrai, c'est physique comme une rando en petite montagne. Ça va. Enfin, la plupart des gens qu'il a cités poussent à la réflexion, si tu veux, et comment ça s'appelle, à pas partir au quart de tour sur les sujets qu'ils abordent. Donc du coup, je me dis naïvement, tu vois... que dans le cas du cancel d'Arnaud, les gars, ils se seraient dit « Non, c'est bullshit et toutes ces conneries, c'est le cancel, tu vois. » Après, peut-être que je m'avance un peu trop, tu vois. C'est ouais, parfaitement gérable. Sur le moment, puis qu'il repartit après. Ouais, c'est ça. Ok, donc là, on a 10 mètres. Ouais, il y a quelqu'un qui peut commencer à aplatir celui-là? Un nouveau 2,50. PA, t'es bon? Ok, donc là, on a fait 10, 10, 5, 10, c'est ça, hein? Ok, ils sont en train d'applaudir celui-là. Donc là, on va faire 2,50 et derrière, tu vas me prendre 2. D'accord ? J'espère que c'est pas des OGM. 2, hein, pas 2,50. Oui. Tu sais que j'ai nous là. Ah oui. Attends, oui, on est à 2. Ouais, tu prends là, vas-y. Ok, on est parti. Alors 2. Ouais. J'ai fait avant un plan de DT14. C'est les traces de tracteur. Parce que ça fait des trous puis des paretrous. Exactement. Il faut faire gaffe de où on passe pour pas que ça rebique de trop, mais un petit peu quand même. Parce que quand ça rebique, il paraît que c'est de bonnes factures extraterrestres. Je dis comme on me l'a dit, moi. Il y a un copyright sur mes pompes. Hein. Je sais pas si tu vas bien droit aussi, tu vois. On va commencer un nouveau cercle. Donc je me mets au bord comme ça pour que les deux se rejoignent. Ça va essayer de rester droit, à peu près. Alors attends, lâche, donne-moi un peu de mou. Ok, là je suis bon. Je suis au bord. Tu tends. Voilà. Ok, là on fait le nouveau cercle. En fait, c'est genre super facile quoi. T'es toujours derrière moi? Alors, essaie de filmer quand on passe les sillons de tracteur pour voir ce que ça donne. Ouais, ah, je vais bien sentir. Oh putain, ouais, c'est la merde. C'est de la merde. Ça accroche. Putain. Il est pas bien plat. Ah oui, là c'est moins visible. T'as vu comme ça rebique là? Mais ça prend, on passe dessus? Là oui. Oui, on repasse dessus, mais de toute façon ça. Le boulot progresse régulièrement et sans grande difficulté. On a prévu de bosser toute la nuit, mais contre toute attente, on avance beaucoup, beaucoup plus vite que prévu, et avec une facilité déconcertante. Ok, alors putain, là on vient de tirer quoi? 50 mètres? Ouais. On a fait plusieurs cercles de différentes tailles, là on tombe pile. Regarde ça. 50 mètres pile. On tombe pile sur le repère. Et là, attends, on a commencé, on a installé les lights, tout ça. On a pris un temps de fou pour régler la lumière. On a commencé il y a 20 minutes. On a déjà fait toute la structure centrale. Franchement, les mecs, moi je dis on est bon là. En même temps, c'est de la géométrie basique. Ça aurait été un scandale que ce soit pas le cas. Tout à fait. Non, regarde ça. Si ça c'est pas de la précision, franchement les deux cercles ils tombent comme ça, c'est de la géométrie niveau CP quoi. Mais en grand format. Sur le moment, on se dit qu'on aurait pu prévoir une figure beaucoup plus complexe. Mais bon, ça sera pour la prochaine fois. Ok, Tom, Thomas, viens-moi. On a besoin de toi. Bien. On va attaquer les lunules. Ah oui, non, attends, ouais. Voilà. Donc maintenant on va attaquer les deux grandes là. Après le reste ça va être bidon. Alors là il va falloir déjà là, ouais. Le cercle de 40 mètres, celui-là il va prendre carrément plus de temps. Hein. Ouais. Là celui-là il fait 30, il va être je pense plus long aussi. Et il faut juste pas se gourer sur les centres. Hmm. Donc là il y a le centre de 40, ça c'est obvious. C'est ça. Et là il y a le cercle de 15 et il tombe. Alors attends, j'ai les repères là. Il tombe là. Si il tombe au bord. Voilà, c'est ça, au bord des deux. Ouais, c'est ça. Ok. Que si ça orbite, c'est parce que ben le truc qui écrase, il prend pas tout. Si un jour on fait ça, c'est Siap qui fait le plan. Il est bon en calcul. Ouais. Genre ça c'est plus court parce que ça a pas les mêmes vibrations, alors ça se couche pas. Alors qu'en fait, bah tu vois, ça orbite un peu partout. Oui, mais ça orbite parce que là, du coup, on est passé dans le coup. Forcément, ça orbite. Bah oui.
Mais là, c'est en le faisant que tu le constates, quoi. On peut les repousser, hein. Ouais, mais je confirme, c'est pas une question de vibration. Moi, j'ai dû dessouder. Voilà, il y avait un trou. 50 de là à là. Non, de là, 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 non, de là. Ça, c'est de là à là. Donc, non, là, il y a 15, d'accord, ouais, là, y a 15. Mais si toi, tu dois le tirer depuis l'extérieur, il faut que tu rajoutes 50 cm si tu le tiens au milieu de la planche, okay. Et moi, ça va être 19,50, ouais, là-bas. C'est ça. Ok, tire le centre du cercle, en fait. Ok. Bon, on s'y mettra à deux, Siap, t'inquiète. Bon, attends, si tu le fais. Ah oui, mais il est où le deuxième de 30 mètres, là? Thomas? Ouais, 9,50. De toute façon, c'est pas compliqué, tu vas te mettre au milieu et moi je vais tirer jusqu'au bout et il faut que ça tombe, quoi. Il est là. Donc voilà, là on a une phase critique hein, qui consiste à faire les lunes nulles. Éclaire tes mains juste avec la lampe. Ah, attends une seconde. Sérieux? Enfin, c'était à peu près bon là, enfin pas besoin de peut-être. Voilà. Donc voilà, il faut bien tendre la chose pour que les lunes nulles soient le plus claires possible. Donc je sers de point de départ et je vous garantis que c'est une fierté qu'on a une fois dans sa vie. 19,50, ok. Alors, ça correspond à ça. Tu prends ça, là, ça c'est le repère, tu bouges pas de là où t'es parce que moi je vais te tourner autour. Hein. On est là, à là, c'est ça, hein. De là, à là. Ils font les choses bien, les salauds. Tu peux lâcher. Le dessin du contour des lunules est un poil plus technique. C'est la parce que pour ne pas se bourrer, notamment lors de l'utilisation des pointes, on va devoir réaliser les deux arcs de cercle en même temps. Il faut donc deux personnes pour tenir les cordes au centre des cercles et deux personnes qui écrasent le blé de front. J'aime autant vous dire qu'on a vérifié deux fois que chacun était à la bonne place et tenait la bonne corde. Ok. Donc là maintenant on va attaquer la pointe de la lunule en fait. Hein. Donc juste la largeur des pieds hein, pour le moment. Ok, je me mets dans ta trace. Là par contre, les cercles sont beaucoup plus longs. Donc faut bien faire gaffe à tendre les trucs là parce que sinon on va pas s'en sortir. Tendez hein. Bien surtout. Ouais, ouais vérifiez, hey, vérifiez que ça reste bien tendu hein, tout le temps. Ok. Pierre il connaît ça. Non, je vais me baisser, vas-y passe. Tu vas forcément te décaler par rapport à toi. Pardon. C'est normal que tu ailles décaler, ça fait pas ça. Ouais. Vas-y, continue, suis-moi. Ouais, bon, voilà, mais moi j'ai même l'impression que ça commence déjà. Mais ça devrait, là, de toute façon c'est normal. Hein. Voilà. Mais suis pas spécialement ma trace, hein. Vas-y, fais la tienne. Fais la mienne. Voilà. Dès que Christophe et moi sommes séparés par une assez grande distance, on enchaîne la suite avec les planches. Le reste se fait comme un cercle normal. Les grands cercles présentent une légère difficulté en plus. Il faut constamment s'assurer que les cordes restent bien tendues pour faire un arrondi correct. Et sous leur poids, les rubans ont tendance à tomber ou se coincer dans le blé. Donc celui qui tient le rôle du piqué garde un œil dessus. En dehors de ça, un cercle plus grand, c'est plus de temps de réalisation, mais aucune difficulté supplémentaire. Sur un eau. Mais c'est pas là encore, les c'est pas ça les paroles. La figure tombe juste. Eh mais ça tombe pile poil. Ça va ça un peu comme on est bon. On va couper ça pile en deux. Non, tu peux larguer le câble aussi là, en fait tu peux rembobiner quoi. Dans la foulée, Patrice et Defecator commencent à aplatir l'intérieur. Pendant ce temps, nous, on enchaîne sur la deuxième lunule. C'est toi la lunule. Donc PA, toi t'étais là avant. Moi, celui-là, donc c'est celui-ci en fait. Donc c'est de l'autre côté. C'est celui qui a 5 mètres là. Ouais, voilà. C'est okay. Ça. 19 et 20. Ok, donc tu prends là et on bouge plus. C'est toi la lunule, Sherdog. Il y a des trous. Les lunules représentent une surface nettement plus grande que les cercles qu'on a fait jusque-là et demandent donc un peu plus de temps à être écrasés. Le temps qu'ils aient terminé la première, le contour de la seconde est tracé, ils peuvent donc enchaîner direct, pendant qu'une autre partie de l'équipe commence les petites lunules à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu viens écraser avec moi? Voilà. On fait les lunules? Non, moi j'ai peur de pas t'assez précis. Bon, alors je vais prendre quelqu'un d'autre. Tu l'as? Ah oui, on a oublié de vous dire, au total, on est 7 pour réaliser ce dessin. Christophe, Defecator, PA, Thomas, Patrice, sa femme et moi-même. Plus 3 cadreurs. On est donc 10 dans le champ. Attends, où est-ce que je me suis gouré? Non, en fait, Francine, toi, il faut que tu sois au centre du cercle. Je dis de la merde. Ah, voilà. Donc vas-y, tu rembobines jusqu'à 10 mètres. Non, elle s'avance jusqu'au centre. On doit aller... Live avec Astro, pour parler Astro et OVNI, ce serait trop bien. Ce serait trop bien, mais à l'époque où on avait tenté de le contacter durant la période drama, on n'avait jamais réussi à l'avoir.
Donc du coup, je suis pas sûr que maintenant, d'autant plus qu'en soi, on a été cancel et tout le bordel, je suis pas sûr que là, le mec serait chaud, quoi. Non, 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 c'est elle qu'il faut qu'elle se décale jusqu'à 10 mètres. Elle, elle doit avoir 10 mètres. Oui, bah oui. Ah oui. Pendant certaines phases de la création, il n'y a pas de boulot pour tout le monde, donc bah, on se repose. Et parce que tout le monde a envie de s'amuser, même les cadreurs y vont de leur petite participation par moment. Doucement mais sûrement, la figure prend forme. Évidemment, vous mettez autant de youtubeurs au même endroit, le niveau de sérieux baisse rapidement. Et ça, si tu m'invites là-dedans, je ferais tellement le con. C'est tout. Ok. Passionnant. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, rien, c'est parfait. T'as quelque chose contre moi ? Tout contre toi. Après avoir terminé les 4 lunules principales, on enchaîne avec la dernière, celle qui casse la symétrie globale de la figure. Peut-être. À voir. Toi, tu peux, dès que t'es dans l'axe, t'arrêtes, hein. Tu vas pas plus loin, hein. Ouais, ça fait sortir les bestioles, en fait. Ouais, mais je crois qu'il commence à piquer dans le pantalon, là. Bah, c'est-à-dire que... on leur enlève leur habitat, donc ils sont plutôt agressifs, quoi. Je suis même pas sûr, Doc. Ensuite, on termine avec les petits cercles des extrémités. Et c'est fini. Ok, on ramasse tout le matos, on laisse juste les projos pour le moment, histoire de faire le plan au drone. Oui, à fond. Après, je vais couper le timelapse qui, à mon avis, va être dégueulasse, mais à la limite, c'est pas grave. Et puis après, bah, on pourra remballer et c'est fini. Attends, il est quelle heure? Tu tournes encore? Ouais. Ça tourne pas, ouais, mais éteins un moment ta lumière, là, c'est pas possible. Non, pardon. Ok, donc là, il est 1h30. Donc on a mis 1h15 pour faire ce truc qui fait 70 mètres de long par 40 mètres de large et qui fait 12 arts de surface. 1200 mètres carrés. 1h15. En filmant avec le drone et tout. Ouais, en se cassant le cul à filmer et machin et truc. Donc t'imagines si on s'était pas fait chier à filmer? Quand le but c'est uniquement de faire le truc et pas faire un spectacle, c'est plus rapide. Ben carrément, attends, je suis sûr il y aurait moyen d'économiser une demi-heure sur le temps qu'on a passé. Donc en une heure, c'est fait. Eh ben écoute, toi tu vas... Alors ouais, Madri, tu vas peut-être juste le filmer lui pendant qu'il disperse ça. C'est ta petite clé pied, ça. C'est bien si ça arbique comme ça, parce que bon, on n'arrête pas de nous dire que ça arbique, donc ça peut pas être fait par l'homme, mais en fait, là, on voit que quand on écrase, bah, y a des endroits, bah, ça arbique, quoi. Donc c'est... J'arrive pas à comprendre en quoi ce serait un argument, en fait. Ça arbique, donc ça a pas été fait par l'homme. Le travail mal fait, ça existe, enfin... Parce que dans la tête des gourous, si jamais ça avait été fait par l'homme... Vu que la planche écrase toute parcelle, les plantes devraient être toutes écrasées. Ouais, non, mais c'est, non, 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 ça c'est une réflexion de citadin qui a jamais foutu un pied dans une plantation ou dans c'est, qui a jamais fait de jardinage, quoi. Mais à aucun moment c'est un vrai argument, ça. Ah non, mais je suis d'accord, mais dis-toi que la plupart de ceux qui y croient ne connaissent rien de comment ça fonctionne à champ, hein, même de ce que fonctionne à un lieu rural, hein. Ils habitent dans le 9-3, c'est ça? Ah, c'est nickel, c'est ce à quoi on s'attendait en fait. C'est trop parfait pour ne pas être humain. C'est ça. Mon objectif, c'est de choisir un truc complètement random, de mettre un indice, ça va être une sorte de poudre rouge que j'ai acheté à 1,50€ à Babou, et puis de voir si jamais les gens le voient ou pas, s'ils le voient pas, c'est pas grave, et si jamais ils l'interprètent ou pas. Peut-être qu'ils vont prendre un échantillon, l'amener dans un laboratoire pour essayer de voir si jamais ça peut être d'origine terrestre ou pas. Voilà. C'est une sorte de truc jeté en l'air comme ça, et puis advienne que pourra, peut-être qu'ils le remarqueront même pas. Mais c'est pas grave. Alors, je vais en mettre un petit peu autour de chacun des cercles. Ouais, du coup. Hein, pas sûr que ça se voit beaucoup. Hein. J'espère que vous avez remarqué les touffes de blé qu'on a laissées au centre de certains cercles. On y reviendra. Ce qui serait rigolo, c'est que le sable il a été importé d'un pays, mais vraiment le truc loin, quoi. Mais probablement, il trouve l'origine, mais c'est impossible que ça vienne. Ça vient du sel, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Du Maroc. C'est les Chinois qui font les crosses. Ensuite, bah, il reste qu'à remballer et à aller dormir.
Le lendemain matin, on retourne sur place pour constater que notre crop circle ressemble en tout point à un vrai. Le blé rubique effectivement, la géométrie est parfaite. Bon, par contre, les blés sont pas coudés. Pas encore. Bah oui, il faut un peu de temps pour que l'héliotropisme apparaisse. C'est des plantes quand même. Mais citons encore l'absence de trous de piqué, grâce à Thomas qui ne laisse pas d'empreinte dans le sol. Le caillou dans la chaussure, c'est pas possible. Je veux bien tout, hein, tout dans la vie, alors ça, non. Ça, en plus, regarde, il est énorme. Mais, monsieur Durand, vous êtes un citadin, le pauvre. Tu me forces à marcher dans la nature avec des cailloux comme ça? Je suis pas armé pour, moi, monsieur. Ça me termine qu'il soit venu en cosplay comme défécateur. C'est bon ou pas? Ah bah... Ouais. Alors Christophe, dis-moi, tu vois quelque chose? Bah c'est tout écrasé, si y a personne qui voit qu'on est passé par là, je comprends pas. C'est impossible de faire un cercle aussi parfait. Ou alors, c'est impossible que ce soit une création humaine parce que on n'a pas vu de traces de pas de gens parce que ça aurait écrasé les blés. Ils ont même pas cherché. C'est une idée qu'ils ont, mais ils ont même pas regardé s'il y avait des traces de blés. Ou parce que c'est trop grand. Ou parce que c'est trop grand. L'idée de foutre un piqué au milieu et d'avancer en tirant une corde. Vous rendez compte de faire un cercle de 50 mètres de diamètre? Ce n'est pas humainement possible. C'est pas possible. La figure fait 70 mètres, mais il faut qu'il soit 15, qu'il soit 30. Ça se voit. Et pour Nazca, c'est pareil. Alors qu'à 3. Vu qu'il ne pouvait pas voir la figure d'en haut sur Anaska par exemple. Exactement. Bah du coup c'est pas possible que ce soit une création humaine. Alors est-ce que quelqu'un peut composer le code? Parce qu'en fait je peux pas. Je peux pas déverrouiller. Par contre je vais pas donner mon code à la caméra. Chacun des participants tourne des plans pour sa propre vidéo. Vous pourrez donc voir des compléments à mon enquête sur les chaînes Un Monde Riant, La Tronche en Biais, Le Défécator et Hygiène Mentale. Je vous mets les liens en description de la vidéo. On profite du fait que personne n'est encore au courant de l'existence du crop circle, mais ça va pas durer. Un habitant du village voisin passe en autogire au-dessus du champ. On apprendra rapidement qu'il a fait des photos et les a postées sur Facebook. Et voilà, l'info circule. En quelques heures, elle passera de Facebook au journal local, puis les radios, et rapidement, France 3. Non, mais vous foutez de ma gueule. On raconte que c'est des sortes de gros... On dirait le truc de 1000 grammes, j'ai 1000 grammes sur le troisième confinement, là. ...qui viennent en quelques secondes et qui dessinent le coup. Qui avait fini sur TF1 et tout, en moins de je sais pas combien d'heures, enfin, n'importe quoi. Mais écoute, les interviewer, c'est goldé. Vas-y. Je pense pas que ça soit des humains. Quoi? Parce que moi, je sais discerner quand même, avec un petit peu d'expérience... Un lieu non énergétisé, mais un lieu énergétisé. Ah ouais. Le crop, c'est le crop circle, ou cercle de culture. Un motif géométrique qui apparaît toujours soudainement dans un champ de céréales. La plupart d'entre nous y voient dans l'art, une sorte de graffiti version champêtre. Mais ces cercles attirent beaucoup d'amateurs de phénomènes paranormaux. Je vois mal comment on peut arriver à faire quelque chose aussi parfait vu du dessus. avec le pouvoir des maths, Sandrine, c'est quoi cette question? Quand on regarde du sol, quoi. Putain, Sandrine, elle a arrêté les maths en cinquième, elle est comme ça en mode « Ah, comment ils ont fait et tout, ils ont utilisé un compas, meuf !» Moi, je veux croire que c'est autre chose. Eh ben non, c'est des youtubeurs, putain. Certains sont venus de loin pour observer le phénomène et... Ah, il a ramené son bitonio, lui aussi. ...chercher des énergies. Regarde, quand je le laisse pendouiller, il pendouille. Ah, c'est bien la preuve que c'est extraterrestre, non? 720 km et 8 heures de route. Quoi? Attends, quoi? Non, tu fous le mec. T'as pas fait ça? Voilà. 720 km et 8 heures de route. Mais frérot, même pour un concert, je fais pas ça. Moi, c'est limite un déménagement, là, ce que t'es en train de me présenter, là. Et pourquoi? Pourquoi? Pour venir voir ce crop circle, parce que... Mais... Moi, je suis un passionné, je viens le voir de mes propres yeux. Mais fais-en un toi-même, du coup. Dieu, puisqu'il est en France, celui-là. Ça n'est pas la première fois qu'un cercle de culture apparaît en Moselle-Est. À Saraltrof déjà, un motif similaire avait fait son apparition il y a 10 ans. Le propriétaire du champ, lui, ne voit rien de mystérieux dans tout cela. C'est comme les autres qui sont un peu apparus dans la région. Voilà, pour moi, c'est toujours quelqu'un qui les a réalisés, quoi. Donc,
c'est pareil, maintenant c'est en plus tombé sur moi, voilà. Il est dans la combine, quoi. C'est comme ça. Le cercle de culture restera en l'état encore quelques semaines avant de disparaître pendant les moissons. Voilà. Maintenant que tout le monde est au courant, il ne nous reste plus qu'à faire notre test en aveugle. Est-ce que les gens vont penser que c'est l'œuvre d'un phénomène paranormal, ou bien verront-ils immédiatement que nous sommes les orchestrateurs de la supercherie? Nous verrons. Il est quelle heure? Il est 47. Ouais, vas-y. Si on met la vidéo en légèrement accéléré, normalement, on peut se taper la deuxième vidéo. Tac, ouais, tac. Surtout qu'en plus, il y a l'analyse d'un vrai spécialiste. Et alors là, c'est... Dans nous avons vu que créer un crop circle est d'une fête. Attends, tac, tac. Lecture, on va la mettre en 1,20. Voilà, tac, 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 tac. On est bon. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que créer un crop circle est d'une facilité déconcertante. On n'a pas galéré toute une nuit à 50, on a mis environ 1h30 à 7 avec une impressionnante... C'est un peu rapide, ouais. C'est un peu rapide. On va baisser à 1,10. Voilà. L'information a rapidement fuité et en moins de 24 heures, les médias se sont emparés de l'affaire. C'est mieux là, Pierre. On est bien d'accord. Ouais. Reprenons. La bonne nuit, Gluon. Des curieux et des spécialistes vont maintenant arriver et la suite de l'expérience va être de constater si oui ou non, les gens que l'on va rencontrer sont capables de déterminer l'origine bien humaine de notre création. Oh, il me flingue le... Avant de poursuivre, je vais redire la même chose que dans le précédent épisode. Cette vidéo va pas plaire à tout le monde, aussi j'invite ceux qui me soutiennent à exploser le compteur de pouces bleus et à partager la vidéo en masse. Sachez aussi qu'avant de tourner les caméras cachées, c'est un peu ce qu'on fait maintenant. J'ai consulté une avocate qui m'a rencardé sur ce qu'il faut et ne faut pas faire dans ce genre de cas. Donc ce que vous allez voir est tout à fait légal et la vidéo respecte les règles de YouTube. Les personnes que vous allez voir sont de bonne foi et ignorent juste ce qu'elles ont devant les yeux. Elle cherche simplement à étudier le phénomène avec les connaissances et les outils limités dont elle dispose. La bonne nuit à ceux qui vont dormir. Et on va mettre en évidence leur biais méthodologique pour que vous compreniez pourquoi elles se trompent et que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Donc attention, cette vidéo n'a pas pour but de se moquer. Je sais très bien que nous sommes sur internet et que l'espace commentaire va être un champ de bataille. Il peut quand même. Mais j'insiste sur un truc. Parmi les gens que vous allez voir, certains font partie de mes abonnés. Personne, je dis bien personne, n'est à l'abri de se faire avoir à cause d'une croyance infondée. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de montrer que ça peut arriver à tout le monde. Donc toutes les personnes que j'ai interviewées en caméra cachée seront anonymées et leurs voix modifiées. Les seuls visages que vous verrez sont ceux de personnes dont j'ai l'accord pour montrer leur image. Je vais même flouter ceux qui ont publié ou dit des choses publiquement sur internet ou dans la presse. Parce qu'encore une fois, peu importe qui ils sont, c'est ce qu'ils disent qui est important. Le but de cette vidéo est de démontrer, grâce à une expérience en aveugle, que tout le monde peut tomber dans le panneau quand on ne sait pas et qu'il ne faut jamais, jamais croire quelqu'un sur parole quand il vous affirme quelque chose d'extraordinaire. Vérifiez toujours ce qu'on vous dit. Je vais maintenant montrer beaucoup, beaucoup de témoignages. Donc cette vidéo va être longue. Mais il est important qu'on couvre complètement titre dans le sujet. Parce que si c'est pas le cas, je sais très bien ce qui va se passer. Les tenants de la thèse extraterrestre vont attaquer notre démarche en disant qu'on a volontairement omis certains arguments qui prouvent qu'ils ont quand même raison. Non, mais clairement, ce gars, hein, il fait les choses bien. Hein. Non, ça fait tout un épisode que tu nous putes à clic. Tu voudrais pas finir par nous montrer quelque chose, là ? Oui, ça vient. Mais une dernière chose avant de commencer. Gardez à l'esprit notre boîte à outils sceptique de l'épisode précédent. À savoir, un argument irréfutable n'est pas recevable, ce qui est avancé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Mais c'est pas mal ça, moi je l'aime bien cette phrase-là. Et une expérience qui n'est pas réalisée selon une certaine rigueur méthodologique est très probablement biaisée. Revoyons aussi notre liste d'arguments qui prouvent que les crop circles sont des vrais. Par le simple fait d'avoir réussi à créer notre propre crop circle rapidement, de nuit, sans accroc et sans se faire voir, on a démontré que certains d'entre eux ne sont tout simplement pas recevables. C'est pas parce que le tracé est parfait ou qu'il n'y a pas de trou de piqué que c'est pas humain. Et le blé écrasé, bah ça rebique un peu, c'est normal. Ces arguments ne sont pas valables pour dire qu'un crop circle est un vrai ou un faux. Ah, et quand je dis qu'il y a des vrais et des faux crop circles, par essence, tous les crop circles sont vrais, puisqu'ils sont là, ils existent. Mais les gens que vous allez voir dans ces témoignages font la distinction entre les vrais et les faux, dans le sens où les vrais sont des créations extraterrestres et les faux des créations humaines. Après l'apparition des premiers articles dans la presse, je suis resté une semaine entière sur les lieux afin de recueillir un maximum de témoignages. On va commencer par celui dont l'analyse nous a fait le plus mal. Gilles Munch est arrivé très vite après la divulgation du crop circle dans la presse. Il est enquêteur pour le GEPAN, l'organisme français qui étudie et répertorie les cas d'apparition de phénomènes aériens non expliqués. Le GEPAN ne se préoccupe pas des crop circles, parce que ce ne sont pas des phénomènes aériens. Mais Gilles Munch a décidé de son propre chef de les étudier de manière personnelle, dans la mesure où il pourrait avoir un lien. Depuis 25 ans, il les étudie de manière indépendante. En 1995, il publie un rapport faisant la synthèse de ses découvertes. Il s'agit du rapport VK, disponible gratuitement sur internet et que vous retrouverez en description de la vidéo. Il est nul le crop circles de comment s'appelle de sa couverture. C'est décevant. Il est mauvais, c'est mauvais.
Ce rapport ne dit pas que tous les crop circles sont d'origine humaine. Ce qu'il dit en revanche, c'est que si certains crop circles sont d'origine humaine, les créateurs ont laissé certaines traces derrière eux, et que c'est ça qu'il faut trouver pour prouver son origine. De même, les créateurs sont mus par leur orgueil d'artiste, et ça a certaines conséquences sur leurs œuvres. En résumé, voici quelques principes du rapport VK que je vous invite à aller lire. Le principe d'économie ou du moindre effort. Un crop circle est fait de nuit, de manière clandestine, et demande un effort physique. Les créateurs vont donc le faire le plus souvent en bord de champ, près d'une route carrossable pour pouvoir filer rapidement une fois leur forfait accompli, et avec un endroit discret où garer leur véhicule en attendant. Le principe de limitation. L'homme est, par essence, limité. Il ne peut pas tout faire. La première des choses qu'il ne peut pas faire, c'est voyager à sa guise. Les crop circles sont donc souvent concentrés à un endroit, près de là où vivent les créateurs. À ce propos, j'en profite pour adresser un petit message aux créateurs des crop circles de ma région. Je sais que vous êtes du coin, et je sais que vous regardez cette vidéo. Et je suis aussi à peu près sûr que vous êtes venu voir notre crop circle et qu'on s'y est croisé. J'aimerais beaucoup m'entretenir avec vous, mais je comprends que vous ne vouliez pas révéler votre identité. Donc je vais créer sur mon site internet un formulaire de contact anonyme où vous pourrez m'écrire. Je veux pas savoir qui vous êtes. J'aimerais juste discuter un peu avec vous. Bon, ça c'est fait. Reprenons. Le principe de limitation nous dit aussi que les dessins ne peuvent pas représenter n'importe quoi. On peut faire des droites, on peut faire des cercles, des arcs de cercle. J'ai jamais vu d'ellipse, j'ai jamais vu de parabole. Non, c'est pas trop compliqué à faire. Alors si vous voulez faire des sinusoïdes ou des choses comme ça, ou des courbes de lissage ou n'importe quoi, là vous allez vous amuser. C'est pas faisable arbres comme ça facilement. Donc on n'en trouve pas. Il y a des esprits forts qui sont capables de faire des choses compliquées. Dans un champ tout seul, même s'ils sont docteurs et sciences, ils sont démunis pour faire une sinusoïde dans un champ. Le principe suivant est le principe de naïveté. Par choix ou par négligence, les créateurs négligent certains détails. Il est donc possible de retrouver les traces de leur passage sur le crop circle. On va y revenir. Ensuite, nous avons le principe de faillibilité. Tout le monde commet des erreurs. Surtout la nuit, dans un champ où on ne voit pas les trous et les irrégularités dans le sol. On trouve donc des anomalies dans le couchage des blés ou des défauts de géométrie, même minimes. Avec des blés comme ça, qui sont une matière un peu hétérogène, à faible, à dimension serrée, c'est hétérogène. Ouais. Dès que vous arrivez à ce que la dimension de la figure rentre dans l'ordre de grandeur des adhérents, des personnes, ça devient compliqué. Pour moi, c'est une personne qui est partie de là, qui a fait un avancé. Là, c'est pas trop bon le cercle. On voit qu'il y a un plat. Là, on voit que c'est pas. Il faut de. Le principe suivant, c'est le principe de feedback. En Angleterre, on voyait que les articles décrivaient les articles de journaux, décrivaient les caractéristiques des crop circles, ils tournent dans le sens des aiguilles de montre, tous dans le sens des aiguilles de montre, jusqu'au jour où il y en a eu un dans le sens contraire. C'est quelqu'un qui avait lu le journal. Et puis chaque fois que les journaux donnaient les caractéristiques récurrentes des crop circles, les semaines qui suivaient, c'était contredit. Donc, fatalement, soit les extraterrestres ou je ne sais pas qui lisaient les journaux, qu'est-ce qu'ils lisent les journaux ? C'est des hommes. Avec, notamment, ces quelques principes... On a fait un sondage sur Facebook et tout, et puis depuis, on s'est barré sur Aldébaran. Type de base, Gilles va analyser notre super circle. Intéressant. À ce moment-là, il ne sait pas que c'est nous qui l'avons fait, ni comment. Mais ça ne va pas l'empêcher de plier l'affaire en 5 minutes. Là, il mériterait un trou avec une corde, là, s'il n'y a pas beaucoup de personnes. Il n'y a pas de trou, il n'a pas été rebouché. Donc, probablement une corde, mais pas tout de suite. Vous mettez comme ça, la corde, ouais. On est... Une chose importante à regarder, c'est ce qu'on appelle les recouvrements, c'est-à-dire les couches successives d'épis qui viennent se recouvrir les uns les autres et qui redonnent la chronologie. On voit que les épis qui sont en provenance de cette forme qu'on peut appeler une virgule viennent recouvrir les épis qui ont été couchés par le cercle. Ça prouve l'antériorité du cercle à la virgule. Ceux-là sont couchés là, ceux-là partent d'ici. Là, il n'y a pas une chronologie obligatoire. Il est probablement, je dirais, 3 chances sur 4 qu'il ait été fait après ça. C'est artificiel, il n'y a pas de trou. Mais c'est pas un pliage. Oui, t'inquiète, Chaz, ils avaient l'autorisation de l'agriculteur. On voit bien que c'est des entrelacements mécaniques. Là, il n'y a pas le couvrement qu'on voit là-bas. Moi, je dirais que cela a été fait aussi après le cercle. Donc pour moi, les virgules ont été faites après les cercles. Les petites sont dans le sens contraire des grosses pour conserver le sens antitrigo. Tout est antitrigo et c'est uniquement pour ça que qu'elles sont en sens inverse. Là, il y est, là c'est net. Tu as le faisceau qui est tout à fait dans l'axe du crop circle. Il est chaud le monsieur. Et qui n'est pas du tout. Ah non, mais. Dans l'axe de couchant des épis circulaires. Il est recouvert en plus par ces épis. Bonsoir, madame Gouenardel. Donc ça, c'est typique d'un sentier caché. Et en plus, alors, dans quel sens ? Dans le sens là. Mm-hmm. Le sentier a été fait par là.
Donc les gens sont partis de là-bas, on fait le sentier central, on fait le repérage de tous les sens, puis on couchait les cercles, puis on fait les virgules. Puis éventuellement on terminait par les petits cercles. Ou si c'était nombreux, ils sont répartis là-dedans, certains faisaient des virgules, les autres faisaient les petits cercles. Tout dépend combien il y avait de personnes. Donc voilà ici. Donc, là, donc ça c'est depuis, ça a été découvert fin 90. J'attends depuis 94. Qui est un groupe circle qui met complètement à défaut les principes des cas. Et je suis étonné que personne ne l'ait pris la peine de le faire. Et voilà, notre supercherie est révélée. Elle n'a pas tenu 5 minutes devant un spécialiste, devant un vrai spécialiste. Ceci constitue donc une preuve que les méthodes d'analyse mises au point par Gilles Munch sont efficaces pour déterminer si un crop circle est une humaine. Bon, ok, les spécialistes... Elle est pas tcholin, le jour où on fait notre crop circle, il faut qu'on pense à tout ça, là, hein. Il y en a un, il sera délégué de tous les principes et tout, là, qu'il vient d'énoncer et tout le bordel, et il fera l'inspecteur des travaux finis. Ce sera le maître tac à faire, tu vois. C'est pour reprendre des anciennes formulations, tu vois. Et puis ce tac à faire-là, on l'écoutera. Ils sont pas dupes. Voyons maintenant ce que pensent les gens qui ont visité notre... Ah bah oui, attends, oui, bah, on a encore 3 minutes. On a encore 3 minutes pour souhaiter, pour la 50e fois de la journée, pour ma part, un bon anniversaire à Dame Goenardel. Il y a des ratons cupcakes pour les annives et tout. Floudez-moi ce chat. Let's go, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Joyeux anniversaire, Goenardel. Voilà, là. Là, c'est beau, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends. Attends, c'est les ratons cupcakes, là ou... Ah non, c'est les ratons... Ah, oh, mais il y a un raton annive. J'avais pas vu. J'avais oublié. Vas-y, let's go! Putain, j'ai pas mon fil. Merde. Voilà. Agroglyphes et qui, eux, fondent leur analyse sur leur ressenti ou ce qu'ils ont pu lire quelque part au hasard de leur pérégrination sur Internet. Moi, c'est pas un phénomène humain, c'est logique. Ça a changé de chez L+. Maintenant, on doit aider, écouter les techs à faire. Attends, c'est pire que ça, c'est que là, on va déléguer un le taf à un tech à faire. Oui. L'énergie que je ressens, pour moi, il est pas fait par les gens. Ah ouais? Oui, c'est surnaturel, hein. Ah ça ouais? Ça se voit. À quoi? Ça se voit? Ah ouais, 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 ouais. Tu l'as vu sur Google Maps, toi aussi? Tu peux pas faire un arrondi avec une planche. Ouais, bah ouais. Ce qui est bien, c'est quelque chose de pas... Le pain au chocolat, il rentre dans la boîte aux lettres et tout, on connaît la suite. Ouais. Ça veut dire, bon, ils seraient plusieurs, ils ont empiété, ils auraient saccagé également. Ça va, il était beau. Tu dis des croque-makers, il y en a qui en font des faux, alors? Oui. Mais après, tu le reconnais. C'est pas couché pareil. Mais faites ça, vous, avec des planches ronds comme ça. Et oh non, ça, moi, je crois pas. Il y a un crop circle en Angleterre qui fait 400 mètres de diamètre. Oui, j'ai vu. Avec 2 mm d'erreur sur le cercle. 2 mm, 2 mm. Mais comment tu fais pour avoir 2 mm d'erreur alors que c'est plus que l'espace qu'il y a entre les tiges de blé? C'est ce qui a été calculé. Mais ça veut rien dire, ce qu'il vient de dire. Une planche, ta planche, a fait une certaine longueur, quoi. Comment tu veux arriver à un moment donné à... Essaye de te mettre à la place de quelqu'un qui a une corde, qui tient son dessin, et comment t'arrives à... Non mais alors, dans les faux, on trouve pas ce genre de truc, alors, non plus. Y en a, ils sont forts. Donc. Tu peux pas faire ça avec la différence. Mais il y en a qui sont forts. Vous savez, je suis nul en dessin. Mais c'est pas parce que je suis nul qu'il n'existe pas des gens capables de faire ça. Alors, si à 7 en une heure et sans expérience, on a réussi à faire ça, un dessin plus élaboré ne me paraît pas impossible à faire par des mecs 3 fois plus nombreux et qui font ça depuis 20 ans. Les premiers faux qui ont été découverts, soi-disant par les deux Anglais anciens de l'armée qui ont été payés pour faire des faux crop circles, pour décrédibiliser le truc. Des gens de l'armée qui seraient payés pour faire des crop circles, mais tous ces gens, ils ont une vision des institutions et tout qui me dépasse. C'est fabuleux. Donc, du coup, Jean-Michel, là, explique-nous à quoi ça sert que l'armée, elle paye des gens pour faire des crop circles. S'il te plaît, je veux la raison. Il va y avoir un truc beau plus tard dans la vidéo. Ah merde, d'accord, ok. Il plantait les piquets et t'avais un trou au milieu. Ouais, mais moi, si tu me donnes un piquet, je vais te le tenir à la surface, comme ça, à bout de bras. Et non seulement j'écraserai pas, et non... Je vais voir que c'est pas possible. Oui, oui. La SNCF, c'est possible. Pourquoi on trouve jamais ceux qui l'ont fait? Ça n'a jamais été trouvé. Ouais, mais pourquoi? Bah, on dit toujours que c'est fait la nuit. Mais si tu viens ici la nuit, est-ce que tu crois que quelqu'un va te voir? C'est qui, Mizou? C'est qui, Mizou?
Parce que moi, je veux bien dire bon anniversaire à quelqu'un, mais c'est qui Mizou? Si tu veux des petits projecteurs, des énormes projecteurs style stade de foot. Quand ils ont pas fait ça le samedi, samedi. Pourquoi tu veux d'énormes projecteurs alors que tu peux juste prendre une lampe frontale? Eh ben, amusez-vous bien. Nous avons utilisé deux projecteurs de 1000 watts. C'est pas non plus un éclairage de stade de foot. Et c'était uniquement pour les besoins du tournage. Si vous sortez la nuit et que vous vous laissez le temps de vous habituer à l'obscurité, vous vous rendrez compte tout seul qu'il est parfaitement possible de voir où on marche et qu'une simple lampe frontale, et encore une lampe inactinique, hein, c'est-à-dire les petites lampes rouges qui n'éblouissent pas, sont largement suffisantes pour voir un plan, prendre une mesure sur un mètre ruban et vérifier qu'il est bien tendu. Mais si vous excluez l'hypothèse des planches au prétexte que c'est pas possible, sans même avoir essayé, vous vous retrouvez à devoir trouver une explication beaucoup plus compliquée. Et bah la bonne année va Mizou aussi du coup. Et qui fonctionne beaucoup moins bien. Et bah, ça fait des lignes là sur le sol, quand le sol est humide. Mmh. Regardez. Tu m'excuseras Yao, je préfère poser la question parce que la dernière fois que t'as dit bon anniv à quelqu'un, c'était bon anniv à un perso de Genshin Impact. Donc du coup, maintenant je préfère vérifier. Hein. Nouveau, espèce de grain rouge là-bas, il y en a plein. Mmh. Si, moi, de faire pareil en marquant avec la botte, ça marque pas comme ça. Hein. Mmh. On dirait qu'il y a une pression, c'est clair. Là, il faut un rouleau. Il faut un rouleau pour faire ça. Tu prends un rouleau et puis un tracteur et roule ma poule. Mais après, il faut faire les angles. Ok, d'accord. Vous voyez, le monsieur se rend compte lui-même que ça marche pas. Mais parce qu'il a exclu trop vite l'hypothèse la plus simple. Et vous savez ce qu'on dit de l'explication la plus simple. C'est bien souvent la meilleure. On va avoir une décharge d'énergie qui imprime au sol un concept intellectuel. C'était avec une fleurie en tournant, et voilà exactement le diamètre. Ah, ça, ça se trouvait. Ça fait 3 mètres de diamètre. Ça fait un peu plus, non? 3 mètres. Qu'est-ce que tu crois qu'il existe comme machine qui peut arriver à faire ça sans rien casser? Ça, moi, j'arrive pas à comprendre. J'ai une planche de bois, 4 pégus et une corde. Et c'est clair que c'est fait à distance. Hein. C'est clair. D'ailleurs, tu disais, c'est peut-être par satellite. Oh, il a son bitonio qui pendouille. Bon, mais il n'y a pas que des allégations gratuites. Il y a des gens qui ont des preuves que ce crop circle est extraterrestre. Les fameuses preuves dont on a déjà parlé. Moi, ça, c'est la preuve. Ça, c'est pas un épi normal. Ça, c'est analysé. On trouve effectivement que ça a chauffé et ça l'a emmené à très haute température. Mm-hmm. C'est des preuves irréfutables. Après, le reste, c'est que de la spéculation personnelle. Ou des blés modifiés, c'est pareil. On s'en sort plus avec les scientifiques qui nous disent que c'est normal. Analyse. Il n'est pas coudé vers le haut, il est coudé vers le bas. À l'instant, c'est ce que j'avais dit. Parce qu'en fait, bon, moi, ici, je ne vois pas trop. Je vous dis, il a déjà été pour moi. Bah, regardez, on a un exemple là. Il est coudé vers le haut. Oui, parce que c'est... Non, mais ce que je veux dire, quand vous regardez l'ensemble, vous avez l'impression d'une espèce de... Bon, là, il a été énormément piétiné, déjà. Hein. Mm-hmm. C'est pour ça que je veux venir... Je vous dis pas, hier matin, j'étais à Cahors. Là, ici, là, si vous mesurez, c'est l'angle, là, c'est ça. Ouais. Gardez bien une chose en tête en voyant cet épi de blé. Il est plié de manière impressionnante. Ok, mais peu importe. Puisqu'on sait qui a fait ce crop circle. Peu... Oh. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est des citadins qui découvrent des épis de blé, quoi, c'est incroyable. N'importe, pourquoi il est plié comme ça et pas autrement? Tout ce qui compte, c'est qu'on sait que c'est une action humaine qui a provoqué ça. C'est un mot incroyable. Même indirectement. Donc un blé coudé n'est pas une preuve de l'origine paranormale d'un crop circle. Un bon exemple que c'est un phénomène normal, c'est que sur le chemin que les gens ont emprunté pour entrer dans le champ, ils ont écrasé du blé. Blé qui s'est coudé lui aussi, alors qu'il est même pas dans le crop circle. Mais chacun y va de son explication étrange et infondée pour justifier ce qui n'est qu'un phénomène naturel qu'ils constatent sans y prêter attention sur leur plante d'intérieur. Le blé est de travers. Ouais. Et il explique qu'en fait, les molécules d'ADN qui sont là-dedans se cassent, se brisent et se transforment. Donc ce serait uniquement au niveau voilà. Et que ça, c'est prouvé scientifiquement. Il y aurait une distorsion. Attends, vous en avez quelque chose à foutre, vous, de la science? Attends, mais alors du coup, c'est... Ça change tout mon paradigme de comment je vous vois, en fait, ça change tout. C'est une forme de micro-ondes qui n'est pas de... De quoi? Comment ça, les micro-ondes? C'est pour chauffer un peu. Ouais, non, d'accord, donc du coup, on a passé un champ au micro-ondes et ça a fait un crop circle. Et c'est scientifiquement prouvé, bien évidemment. Hein. C'est con, parce qu'ils auraient mis du chocolat, ça faisait des chocs à pic. Vas-y, let's go. Chef, pour le cercle de culture, il va nous falloir un décapeur thermique et des céréales de blé éclatées pour les flouer. Vas-y, let's go, on met un peu de popcorn et tout, c'est comme ça on dit que la température était vraiment très élevée. J'ai entendu une foultitude d'arguments étranges et ça serait trop fastidieux de tous les énumérer ici. Mais on va quand même en parler dans leur globalité.
Ces arguments n'ont pas été avancés par des gens qui cherchaient à me mentir. La particularité de toutes ces allégations, c'est qu'elles ne venaient jamais d'eux-mêmes. Ce sont des choses qu'ils ont entendues sur Internet et dont ils n'ont pas vérifié la véracité. J'ai vu ça sur Internet. Mais elles vont toutes dans le même sens. Il existe dans notre monde des complots ourdis par les gouvernements et des phénomènes étranges cachés au grand public qui prouvent l'existence des extraterrestres. Alors qu'on sait tous que si vous voulez avoir la vérité, faut venir sur Chazel Plus. Ou pas. Quand vous lisez quelque chose qui va dans le sens de vos convictions, vous avez tôt fait de ne pas vérifier si c'est vrai ou pas. Et c'est la principale raison pour laquelle des fake news circulent. Mais rigolez pas. Vous avez tous un jour partagé une info fausse simplement parce que vous n'avez pas vérifié d'abord qu'elle était vraie. Et moi aussi. Mais dès qu'on commence à faire une recherche sérieuse sur les sujets qu'on m'a avancés dans le Crop Circle, on se rend compte que ça tient pas la route. Un qui m'a été souvent cité, c'est l'argument de la géométrie sacrée. Une géométrie cachée qui révèle des proportions divines dans les Crop Circles. Un théorème est découvert grâce à Crop Circle. On a la vérité, Sire, car beaucoup de monde la cherche. Elle est à droite. Alors, me remerciez pas. Non, vas-y. Mais ça sert à rien, elle est ailleurs. Non, elle est à droite. On l'a découvert la dernière fois. Tu disais Draghi. J'ai une question par rapport à leurs mathématiques sacrées et au nombre d'or. Est-ce que eux, au moins, ils font la division par 6 ? Parce que je ne connais pas Grimaud, la division par 6. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. La question se pose. Faudrait qu'on les appelle. À Thalès, Pythagore, et il y a mathématiciens et physiciens se sont penchés et ont trouvé un nouveau théorème. T'as des tangentes, t'as des trucs qui se regroupent, quoi. Et par rapport à ça... Elle est loin à droite, mais tu prends à droite. Quand tu seras arrivé, tu le sauras. Tranquille. Il a déduit un nouveau théorème. Sauf que... Faisons quelques recherches sur ce fameux théorème. En 1996, Gerald Hawkins publie une découverte qu'il intitule « Les 5 théorèmes », qui prouverait le lien entre certaines figures géométriques simples. Ces découvertes, il les devrait à l'étude de Crop Circle qui lui aurait permis d'établir ce théorème, jusqu'alors inconnu. Sauf qu'en fait... Les figures qui illustrent ce théorème représentent les cercles exinscrits d'un triangle équilatéral. Ça, c'était déjà étudié par Apollonius de Perge, 200 ans avant notre ère. Le pentagramme était le symbole des pythagoriciens, et ses propriétés géométriques et son rapport avec le nombre d'or étaient déjà connus des Grecs. Contrairement à ce qui est avancé, Euclide avait déjà connaissance de ses propriétés. Les figures utilisant des colliers de cercles tangents les uns aux autres ont été étudiées par Pappus d'Alexandrie dès le 3e siècle, et s'appliquent dans le cadre de la géométrie projective qui est née au 17e siècle avec Girard des Argues. On retrouve aussi ça dans les chaînes de Steiner le siècle suivant. Donc rien à voir avec une découverte récente qu'on doit... Ouais, clairement, quoi. Si vous êtes un tantinet bon... C'est récent, on l'a découvert il y a 2 millénaires, de quoi tu me parles. C'est pas le Crop Circle, date d'il y a 2 millénaires, voilà. Voilà, c'est bon, c'est échec et mat. Vous connaissez ces propriétés, c'est pas Drucker, vous êtes donc maternelle. Tout à fait à même de les intégrer à un dessin. Pas besoin d'être un extraterrestre pour ça. Rappelez-vous, ce qui est avancé sans preuve peut être rejeté sans preuve, donc je vous mets en description de la vidéo une série d'articles sur le sujet. On a envoyé dans l'espace, nous les scientifiques, des cartes dures avec toutes nos caractéristiques d'humains. Attends, des quoi? Des cartes dures? Des quoi? De quoi? Vous avez vu ça, hein? Et ben, 15 ans après, ils ont eu une réponse dans le champ avec un visage extraterrestre plus une carte de là-haut. On a effectivement envoyé des plaques dans l'espace dessinées par Frank Drake et Carl Sagan. Oh mon dieu, il y a une tub, on va être banni. Elles ont été embarquées dans les sondes Pioneer 10 et 11 dans les années 70. Seulement, ces sondes... Rappelez-vous, Assier, il en avait parlé dans l'exoconférence. ...sont toujours en train de voyager et n'ont pas été récupérées par des extraterrestres. Donc comment pourrait-il être au courant de l'existence de ces plaques et nous fournir une réponse? Parce qu'ils les ont vues, ils ont fait « c'est de la merde » et ils l'ont renvoyé. Peut-être parce qu'ils font partie de l'espèce qui savent que ces plaques existent, les humains. D'ailleurs, le message accompagnant cette réponse, codé en langage ASCII, un langage... C'est Kyo. C'est un QR code, ça. C'est Kyo qui m'envoie de la ski. Je suis désolé, c'est Kyo qui a fait ça. L'âge bien humain et des lourds de sens. À vous, noble baron, à vous que c'est toi qui l'a fait. Dis-leur, dis-leur. Méfiez-vous des promesses des faux prophètes. Bon, et si on repartait un petit peu sur nos arguments en faveur des crop circles extraterrestres? C'est une onde vibratoire qui les fait tourner. C'est fait en quelques secondes, hein. Crop circle de... Mais putain, mais non. Ah putain, ne pas être médisant, ne pas être condescendant. Ils sont complètement cons. Ils sont complètement cons, ma parole, c'est pas possible. De l'année dernière, 2017, qui a été fait à Stonehenge. Je vois pas de quoi tu parles. Non mieux, Kyo, non mieux. Il y a des pilotes d'un bus d'aérodrome qui passent tous les quarts d'heure avec des touristes. Ils emmènent des... ils font visiter le tour, hop, et donc ils ont leur boucle. Ils passent au-dessus de Stonehenge et dans les champs environnants. Quart d'heure, il passe, il voit rien, il fait son tour, ouais, 15 minutes plus tard, ouais, clac, il était là. Il y a Kyo qui vient de m'envoyer de la ski en MP.
Il m'a envoyé quoi? Il m'a envoyé un alien en ASCII, ce con. Donc déjà, il a plus créé qu'en 15 minutes maximum. À quelle vitesse se forme un agroglyphe? En quelques secondes seulement? Je veux dire, est-il vraiment indispensable que la figure soit réalisée très rapidement? Généralement, entre le moment où on sait qu'il n'y a rien et le lendemain où on observe l'apparition de cette dernière, il s'écoule au moins une nuit, qui dure au moins quelques heures, comme à peu près toutes les nuits sur Terre. Lorsqu'on se penche sur le phénomène des crop circles, un témoignage revient régulièrement. Il y en aurait un qui se serait formé en seulement 15 minutes près du site de Stonehenge. Vous êtes des génies, là il y a Shiva qui vient de m'envoyer un gif d'un mec qui fait du ski. Et en dessous il y a écrit « J'ai bon ». Le problème, c'est qu'il existe une multitude de versions à cette histoire. En fait, il existe autant de versions que d'experts qui se sont exprimés à ce sujet. Dans ces conditions, difficile de démêler le vrai du faux et ainsi reconstituer le bon déroulement des événements. Dans les grandes lignes, le 7 juillet 1996, près du site mégalithique, a été découvert un crop circle qui fut baptisé The Julia 7. L'histoire souvent associée, c'est qu'un pilote d'avion serait passé une première fois au-dessus du champ sans rien voir, et 15 minutes plus tard, lors d'un second passage, la figure était présente. Sans revenir sur le fait qu'un avion ne vole pas sur le dos et qu'il est donc très compliqué de voir sous l'appareil, on fait quand même face à un gros problème. Impossible de mettre la main sur la version du pilote. Un grand nombre de témoins rapportent qu'on leur a raconté cette histoire, mais dans chacune d'entre elles, l'identité du pilote, sa profession ou la raison pour laquelle il était présent change. Et le pilote en lui-même, pas moyen de mettre la main dessus. D'ailleurs, fait surprenant, parmi tous ces témoignages, on peut lire énormément d'erreurs concernant la taille réelle de la figure ou bien le nombre de cercles qui la composent. Alors qu'il suffit de compter, hein. Et le plus triste, c'est que la figure, analysée par des ufologues sur place, ne résiste pas au principe du rapport VK. Alors voilà, hein, c'est un ensemble de témoignages, même pas tous concordants, ce n'est pas une preuve. Alors rappelez-vous, ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Si vous souhaitez tout savoir sur le Julia 7, vous trouverez en description de cette vidéo... Du coup, il y a Gabrand qui vient... Du coup, il y a Gabrand qui m'a envoyé des boobs en ASCII. Tu disais, Pierre ? Je disais qu'on avait un retour chez Draghi. Ah bah bravo Draghi. C'est pas plutôt chez Zell, parce que des fois je le vois chez Zell faire... Ah merde, autant pour moi, désolé. Une étude très complète sur ce crop circle. Un document très intéressant qui recoupe l'ensemble des témoignages et des allégations faites sur cette figure. Et vous verrez à quel point il est consternant qu'il s'agit très probablement d'une réalisation humaine et qu'il a fallu bien plus d'un quart d'heure pour la faire. Prouver scientifiquement que l'homme ne peut pas le reproduire. Or ça c'est une chose. Et eux, c'est fait en quelques secondes. Il y en a qui a même pu s'arriver en filmer. Hein. Ça, c'est un argument qu'on m'a aussi cité très souvent. Mais sérieux, ça se voit de tellement loin que c'est un fake que j'ai même pas envie de m'y attarder. Le truciste a utilisé ce qu'on appelle un masquage. Regardez, on voit pas les blés se coucher, on voit juste une image de champ qui s'efface progressivement pour laisser apparaître une image de crop circle. C'est flagrant au milieu. Les bords de la figure ne sont visibles qu'au dernier moment, quand le masque passe dessus. Alors que sur les cercles du bord, le masque passe directement sur les limites du crop circle, alors on les voit. Et surtout, c'est impossible de remonter à la source de cette vidéo pour voir l'original. Il n'existe que des versions floues sur fond de musique qui fait peur. Une musique qui fait peur n'est pas, et ne sera jamais, un argument. Le problème, durant toute mon enquête, a été la désinformation. Toute la semaine, on m'a prétendu des trucs plus ou moins grossièrement faux. C'est chez moi ? Vous allez me dire, ouais mais Arnaud, cette vidéo, c'était une vraie quand même, qui sait ? Attends, bouge pas. Je vais me baisser ma sensibilité de micro. Tac, 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 tac. Alors. Bla, 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 bla. Tac. Normalement, ça devrait plus le faire. Oui. Mais on peut pas faire confiance à quelqu'un qui vous raconte une histoire juste parce qu'elle sert à vous convaincre. Et j'ai un parfait exemple pour illustrer ça. C'est bon, ça l'a pas fait. Mais surtout, répondez pas, bande de connards. Pardon, non, ça l'a pas fait. Non, j'avais coupé mon micro, justement, mais okay, non, ça l'a pas fait. Ok, parfait. Le mardi, un hélicoptère est passé. C'était une gazelle, un appareil militaire. La bonne nuit, bien. Bah s'il y avait le moindre doute là, il est passé. Ah celui-là il est goldé. On l'entend pas à la vidéo, mais le jeune homme assis par terre a dit « Si l'armée s'en mêle, c'est que ça doit être du lourd ».
Sauf que ce qu'il ignorait, c'est qu'à peine plus loin se trouve le premier régiment d'hélicoptères de combat. Et on sait que l'armée n'est pas impliquée là-dedans. On le sait avec certitude, puisque c'est nous qui l'avons fait. Mais quand on est pilote, même à l'armée, on n'est qu'un simple être humain. Et s'il y a un crop circle dans le champ d'à côté, vu que c'est fait pour être vu du ciel, bah, on va le voir. Plus tard, le soir, un deuxième hélico est passé. Cette fois, c'était un tigre. Je vous laisse la vidéo en entier pour que vous puissiez vous rendre bien compte que c'est juste un mec qui est venu voir notre crop circle avant de partir en manœuvre. Voilà, il tourne un peu autour pour regarder et il s'en va. Rien d'extraordinaire. J'étais là toute la journée jusqu'au départ du dernier des curieux. Aucun autre hélico n'est passé. Et voilà ce qu'on m'a raconté le lendemain. Ils sont filmés, donc je les enlève, on regarde la vidéo, mais on voit pas grand-chose. 20 minutes, un hélicoptère de l'armée au-dessus, hier. 20 minutes. Expliquez-moi ce que fout, alors qu'ils passent leur temps à dire... Oh, le mais bien sûr, il me terrifie, t'es. Bon, genre, vous êtes débiles. Oui, les gens qui se complètent dans leurs croyances, hein, mon Dieu. Celle qui dit 20 minutes, tu pipotes pas un peu? Ouais, oui. Moi, je m'interroge. À un moment donné, il était dit aussi que c'était une technologie de l'armée. Vous avez eu une déco? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Pourquoi vous avez eu une déconnexion? Non, mais dis donc. Avec un hélico, ils sont restés au-dessus. Juste pour dire, de toute façon, les militaires, ils sont bien au courant de... Des plus de choses que... Ils placent aussi leur radar, leurs gros appareils. Leur gros radar. Sur les centres énergétiques. Je suis désolé de le dire, mais il y a un menteur dans l'histoire. C'est soit la dame Alima... Si ça a planté, faites un refresh, noble patcholin. Et si vous êtes sur YouTube, ramenez-vous sur Kick. Vous êtes combien, là, sur YouTube? Tous les coups, vous êtes plus de 10, hein? Les sagouins, là, hein? On vous voit, là, dans votre petit confort et tout, avec... Vous êtes 10, ramenez-vous sur Kick. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? Et sur Twitter, tu dois être 2. Viens avec nous. Soit la personne qui lui a raconté ça en lui refilant une vidéo où on voit rien, comme vous l'avez très bien entendu. Après avoir vu ça, comment voulez-vous vous rendre dans un crop circle et faire confiance à quelqu'un qui vous dit qu'il a entendu quelqu'un dire, qu'il a entendu quelqu'un raconter, qu'il a vu un ovni, un extraterrestre ou un complot de l'armée? Comment voulez-vous croire quelqu'un qui vous dit qu'un crop circle est apparu en 15 minutes alors qu'il mélange complètement les dates, les lieux, les personnes impliquées et jusqu'à la taille de la figure? Alors qu'on peut vérifier les infos et qu'on se rend compte que c'est pas du tout ça. C'est le jeu du téléphone arabe. Et ceux qui veulent vous convaincre de l'existence des extraterrestres pipent le jeu en rajoutant des foutaises en cours de route. Et quand un sceptique est là pour vérifier qu'on n'est pas en train de se foutre de sa gueule, on l'accuse d'être un empêcheur de tourner en rond. Mais les gens, un sceptique, c'est pas quelqu'un qui ne croit jamais rien. C'est juste quelqu'un qui vérifie que vous n'êtes pas en train de lui mentir ou de lui raconter une histoire que vous croyez sincèrement vraie, mais qui est en fait fausse. Parce que oui, on peut se tromper de bonne foi. On remet absolument pas ça en doute. Mais si ça vous énerve, c'est que vous savez que ce que vous êtes en train de dire est faux ou bancal. Parce que si ce que vous dites est vrai, le sceptique, bah, il vous croit. Mais si pour vous convaincre que vous êtes dans le vrai, vous êtes prêt à accepter des rumeurs infondées et des mensonges manifestes, eh ben vous allez continuer à croire aux extraterrestres. Ah ouais, t'es fatigué, on se garde, Draghi, t'as contaminé. Intéressant qu'ils font des crop circles. Le problème, c'est que parmi les gens présents dans le crop circle, la plupart souhaitaient croire à l'existence des extraterrestres. Ils étaient donc disposés à accepter des arguments ou des récits sans demander de... Mais justement, si t'es prompt à vouloir croire ce genre de truc, normalement, le Graal pour toi, c'est pas une preuve irréfutable? Un truc qui met en PLS tout le monde, si tu veux? Parce que, enfin, si ton désir, c'est de vouloir croire qu'il y a des petits gris ou des reptiliens ou je sais pas quoi, si tu veux, tu sais, enfin... Et que tu te bases sur le moindre argument démontable en 15 secondes, quelque part, t'as pas envie d'y croire. T'as juste envie de te... T'es juste convaincu et tu te cherches des excuses. Mais si demain, t'as envie absolument de croire dans un truc, normalement, le Graal des Graals, c'est la preuve irréfutable que ce machin tient. Je comprends pas, en fait. Preuve. Simplement parce que ces histoires permettaient d'étayer leur opinion. C'est parce qu'ils résonnent à l'envers. Et cette histoire d'hélicoptère... Ils résonnent pas en mode « je vois des faits, quelles conclusions je peux en tirer ?» Ils résonnent en mode « je crois en ça, qu'est-ce qui peut me donner raison ?» Même mais du coup, moi quand on me dit que les gars ils ont absolument envie d'y croire, je trouve ça un peu hypocrite du coup. Alors peut-être c'est juste dû à leur méthodologie, comme tu dis, hein, je suis d'accord avec toi. Mais je sais pas... Voilà comme ceux qui font des couples fictifs dans leur fiction préférée. Voilà comme des gens qui se disent « je suis trop fan de ce couple », qui peut me dire dans la fiction que ces deux personnages sont effectivement en couple. Oh, les Reylo et tout le bordel, merde. C'est mignon, il y a Chazel qui cherche encore à comprendre. Ben ouais, enfin je sais pas, faites pas ça vous. On est l'exemple parfait.
Ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Putain, mais je vais tellement prendre cet extrait, frère. Revenons à notre crop circle. Au départ, on avait prévu de laisser une touffe tressée au centre de chaque cercle. Mais dans le feu de l'action, on a oublié. Donc on en a fait que trois. Parce qu'on est autour d'un vortex, là. Quand ils font des petits kikis comme ça... Quand ils font des petits kikis comme ça, parce que t'es autour d'un vortex, eh bien le bon soin de The Bloody Wolf, ça va fort bien, toi. Je trouve qu'il est magnifique, celui-là, d'ailleurs. Ils se sont vraiment appliqués. Parce que la manière dont ce truc a été tressé... C'est un nœud, quoi. Ouais, mais vous avez vu comment il était fait, ce nœud ? Bah, c'est un nœud. Ben moi j'aurais aimé pas voir. Vu le type de nœud, moi j'aurais aimé voir comment un humain il peut s'amuser à faire ça, même de nuit avec une lampe frontale. Enfin mais travailler, oui ça. Mettre à la vidéo 1 du coup si t'es curieuse. Mais ça représente quelque chose, hein. Ça représente quelque chose. Mais vous êtes. Et vous faites chier vous dans votre vie, c'est ça? Et on dit que c'est caractéristique justement d'un vrai crop circle. Alors après, forcément, les crop makers, s'ils viennent faire un faux crop circle, ils savent ce détail-là, ils vont peut-être essayer de laisser cet épi au milieu. Ouais. Mais à la base. mais alors du coup, ta logique, elle est complètement fucked up. Tu t'entends parler. C'était le signe distinctif qui prouvait que c'était vraiment une énergie qui tournait et il laissait là. Parce que l'énergie, elle monte en spirale. Oui, bien sûr, elle monte en spirale et tout. Et donc du coup, il y a juste une tub en plein milieu, si tu veux, torsadée. Bah oui, c'est la preuve. Et elle laisse, le truc au milieu. Oui, mais non, hein, c'est pas juste des nœuds. Ici, les nœuds en question ont été étudiés par le BLT. Il ne s'agit pas du très célèbre sandwich du même nom, Bacon, Laitue, Tomate, mais de l'association de trois personnes, Burke, Levengood et Talbot, qui se sont mis en tête d'étudier très sérieusement les crop circles. Alors ils font tout un tas de prélèvements dans les crop circles et en dehors des crop circles, puis ils comparent, ils analysent, et leur hypothèse, c'est qu'ils sont issus de vortex de plasma, d'origine inconnue. Enfin, leurs analyses sont... Comment tu sais que c'est un vortex de plasma si tu sais même pas l'origine du... Oh merde. Plus ou moins sérieuse. En 2015, Andrew Scolling, l'un des membres des équipes du BLT, a eu quelques doutes sur les recherches de Levengood. Il a voulu tester les méthodes de Levengood, alors il a fait comme vous. Il a fabriqué avec son équipe leur propre crop circle, puis ils ont fait des prélèvements à l'intérieur et en dehors, ils ont tout envoyé au BLT, et paf, ça fait des chocs à pic. Le BLT a trouvé tout un tas de résultats extraordinaires. Y a pas à dire les gars, vous avez une belle tête de vortex de plasma. Dans le même style, vous vous souvenez du sable rouge que Christophe a acheté dans une boutique New Age et qu'il a dispersé au centre des cercles? Oui, mais alors il paraîtrait que ça vient des pesticides. C'est la 5G. Bah oui, c'était ça, non? Il y avait des pesticides, parce que j'en ai vu. Oui. Ouais, mais pourquoi juste au centre des cercles? Juste au centre des cercles? Juste au centre des cercles? Attends, j'en ai vu tout à l'heure, moi. J'ai vu ça, mais c'était au centre? Il paraîtrait que ça serait un enrobage de pesticides autour du blé. Il paraîtrait, mais non. C'est du sable coloré. Il n'existe pas d'enrobage de pesticides rouges pour le blé. Vérifiez toujours ce qu'on vous raconte. Ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. C'est ma little pony, je vais encore vous le répéter. Hein. Bon, des arguments chelous, il y en a un dont je m'étais dit qu'on n'arriverait pas à le démonter. C'est celui des insectes morts. Les partisans des théories extraterrestres affirment que c'est mon préféré, insectes morts dans le crop circle et pas ailleurs. Et comme j'avais pas la... Mais attendez, qu'est-ce que vous appelez des insectes morts? C'est juste des insectes morts, c'est ça? Vous avez jamais fait de jardinage? Ça se passe comment? C'est genre, les mecs te disent que c'est des insectes collés aux épis de blé. Mais tu vas voir l'explication et comment eux, ils ont déterminé que c'était une preuve. Tu vas éclater de rire. C'est mon préféré, celui-là. Mais c'est-à-dire collé au truc, si tu veux, enfin, ouais. Ça a fusionné ou il y a juste, je sais pas moi, une sauterelle sur un épi? Genre, imagine une mouche qu'on a foutu de la glu dessus et qu'on a collé à l'épi. Mais du coup, tu... Oh merde, vas-y. Moindre idée de ce qui pouvait causer ce phénomène, j'ignorais si on allait voir ça aussi. Sauf que... Les bras qui sont raccrochés, les mouches sont restées figées sur le bras. Ah, je veux bien voir ça. Ouais. Ouais, ça peut faire des belles photos, ça. Alors, voilà comment un tenant de la thèse extraterrestre analyse le phénomène. On jette un coup d'œil au bord du champ, et si on voit pas de mouche morte, c'est qu'il y en a que dans le crop circle. Attends, quoi?
C'est, non, mais c'est des citadins. Non, mais c'est des citadins. C'est des putains de Parisiens, là. C'est pas possible. C'est ce que c'est que cette histoire. Mais ta gueule. Mais attends. Et en plus, genre, il y avait juste une mouche dans un épi. Tu sais, c'est... Moi, je m'imaginais, vu comment Draghi me l'avait décrit, que c'était, tu sais, genre, l'ambre de Jurassic Park et tout, tu sais, coincé dans de la sève et tout le bordel, une énorme bubule et tout. Non, que dalle. Il y a une mouche dans un épi et l'autre, il est comme ça, en mode, c'est une preuve. Mais... Mais... La mouche a voulu nous protéger. Mais non, ta gueule. Aucun moment. Tu veux savoir le pire? L'explication de Plisken est moins conne que ce qu'ils vont dire. Mais Stéphane, tu sais... Oh merde, vas-y, on reprend. Tu vois? Mais il y en a... Plus loin, il y en a pas mal. Mais putain de citadin. Alors là, peut-être un an est vivant. Donc c'est bien le... C'est bien le phénomène du crop circle. Mais c'est ta connerie qui est un phénomène du crop circle. Franchement, tu vois, c'est scientifique, ça, tu récupères et t'analyses. Oui, pour voir qu'est-ce qui se passe. Pour voir ce qui se passe au niveau moléculaire. Au niveau moléculaire, mais ta gueule. Le champ, il fait 8 hectares, le champ. Vous pourriez aller jeter un petit coup d'œil un peu plus loin, quand même. C'est ce que j'ai fait, et des mouches mortes, j'en ai trouvé plein. Bah oui, enfin, merde. Et j'en ai même trouvé la cause. J'ai fait cette photo dans un champ de seigle au coucher du soleil. J'avais que mon téléphone, donc c'est pas ouf, mais on voit quand même que ça, c'est une toile d'épère. Et tous les trucs blancs cotonneux que vous voyez là et qui brillent au soleil couchant... C'est des toiles d'araignées. Jean, c'en est aussi. Les épères, ce sont de petites araignées trapues qui aiment se loger au sommet des herbes pour guetter leur proie. Du coup, quand je suis retourné dans le crop circle, je savais quoi chercher. Et devinez ce que j'ai trouvé. Partout dans le champ, on trouve des mouches mortes. Et quand vous regardez de près, vous constatez qu'elles collent effectivement au blé. Parce qu'elles sont dans la soie. C'est des citadins. Donc oui. C'est normal de trouver des mouches mortes dans un champ, et on peut même dire que l'explication est extrêmement simple. Mais forcément pour ça, il faut chercher un peu plus que dans les trois brins au bord du champ. Une recherche qui consiste à jeter un simple coup d'œil par-dessus le bord du champ ne prouve absolument rien. Bon, ok, les preuves matérielles s'effritent doucement. Mais nos fameux radiesthésistes alors? Si ces gens sentent des énergies et des vibrations, ils vont être en mesure de nous dire si ce crop circle est d'origine humaine ou pas, non? Vibratoire moyen sur l'ensemble du crop circle. Ah oui, c'est chaud quand même, il y a quand même autre. Non mais attends, enfin c'est pas possible, c'est... Bonjour, je vais prendre mon stylo, et si mon stylo, il bouge, eh ben, ça veut dire qu'il y a une entité sous la table. Oui, c'est ça, exactement. Voyez bien qu'il bouge, hein. Pierre, sort de dessous la table de Scheisel. Voyez bien qu'il bouge, non. C'est incroyable, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Minute 28, ouais, vas-y, excuse-moi, on reprend. Tac. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est ça. Ouais, voilà, c'est bon. Il y a au-dessus de 100 000 même en moyen. Là, je suis à... là où je suis sur le croisement à 1 250 000. Évidemment, il y a une CCT aussi. C'est quoi une CCT? Cheminée cosmotellurique. Une cheminée cosmotellurique de quoi? Une énergie qui descend de genre 120 mètres sous le sol, 150 sans l'air et ainsi de suite, qui tourbillonne. Donc, je suis en ionisation... je sais plus combien de milliers ou de je sais pas quoi de ions par ça. Ah ouais, ça c'est précis. Centimètres cubes d'air. Après, je vais en rester à des choses concrètes. Oui, parce que c'est ce que je disais, si moi j'ai perdu mon chien et je demande à un radiesthésiste de me le retrouver et qu'il y en a 10 qui me disent endroits différents, je vais tomber en général, non, ça marche bien, on arrive à bien retrouver. La difficulté, c'est pas de la neutralité. Voilà, la difficulté, c'est la neutralité. Et à partir du moment où il y a plein de personnes qui recherchent, on recherche pas. Parce que les personnes, quand il y a beaucoup de personnes vont se mettre à rechercher, ils vont émettre ce qu'on appelle une onde de forme. Ils vont émettre une onde de forme? Je la recherche, il est là. Mais ta connerie, elle émet combien de tachyons? Pourquoi il y a de Romain Michel du pied dans le chou? Je sais pas, frère, ils sont là pour ressentir l'énergie et tout, tu sais, avec leurs cornes de pied et leur... Oh putain. Ça, c'est dans la partie 3 et c'est la partie qui va énerver. Nous avons là un magnifique cas d'argument irréfutable. Ok. Si le radiesthésiste... On se la garde pour samedi prochain, la partie 3. Mon chien perdu, c'est que c'est un bon radiesthésiste. Quoi? De quoi? S'il ne le trouve pas, c'est parce que d'autres le cherchent aussi. De quoi? C'est quand même un bon radiesthésiste. Mais c'est un sketch des inconnus, ça. Mais dites-moi, à quoi me sert un mec qui peut pas trouver mon chien uniquement parce que quelqu'un d'autre le cherche? Mais il y aura forcément quelqu'un d'autre en train de le chercher. Moi, par exemple. Bien dit, c'est un truc, ces énergies-là sont des énergies subtiles. On peut pas les mesurer avec des appareils. Bon anniversaire à toi, Mizu. C'est bien le bon soin à toi. Installe-toi, donc. Physique. Eh ben, c'est bien dommage. Ça veut dire qu'on est obligé de vous croire sur parole. Et c'est d'autant plus dommage que vous n'êtes pas d'accord entre vous. Oui, mais alors du coup, est-ce que deux radiesthésistes qui viennent au même endroit, ils vont avoir la même mesure?
Pas forcément la même lieu, mais elle s'approche. Forcément. Sinon, il y a rien qui est tout fou. Alors, on a mesuré. Bon, il y avait un taux de 190 000. 1,5 million. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, là, avec son bitonio, là, putain de merde. Ah bah, attends, non, mais je veux dire, c'est un pendule, c'est un poids au bout d'une corde, c'est le truc qui vibre le plus facilement du monde. À quel moment, en fait, c'est un outil de mesure, cette merde? C'est comme attends, si je disais, oh regarde, je secoue mon câble et mon câble bouge. C'est bien la preuve qu'il y a des Atlantes sous ma maison. Arrête avec tes kinks, Ubisoft. Ah, mais putain, Jason, est-ce que t'as entendu ce qu'ils ont dit juste avant? Les gars, ils te disent, oui, ce sera pas forcément les mêmes chiffres, mais les mesures seront très proches. D'accord, ok. 190 000, 1 500 000. c'est une petite fourchette, tranquille, ça passe. C'est un râteau, ça, 33 en qualité biotique. On est sur du très haut lieu. Du très haut lieu. Ça arrive ici, ça fait un coup de massue. On va dire des énergies là, je resterai pas toute la journée dessus. Ah ouais. Même les unités de mesure, ils sont pas d'accord entre eux. On est plus capable de mesurer parce qu'ils tournent grand vite, tournent une vitesse. Ah ouais. Moi je mesure enfin l'énergie en unité bovis. Hein. Y a les bovis qui rentrent là-dedans? Oui. Y a les bovis et tout? On avait réussi à échapper aux bovis, les frères et les frérots et les sœurettes. C'est fini. On est en plein dedans. Bienvenue dans le monde des bovis. Ouais, moi je vois, c'est plus valable. Vous savez ce qui est bien avec la science, la vraie, c'est que les unités de mesure, bah, elles sont toujours valables. Un mètre mesurera toujours un mètre, même si vous décidez de mesurer en pied ou en coudée. Mais mesurer des énergies, c'est juste un début. En soi, ça sert pas à grand chose. La vraie question, c'est, s'il y a de hauts niveaux d'énergie, qu'est-ce que ça change ou à quoi ça sert? Les crop circles sont en général faits pour régénérer des amplificateurs de puissance. Ils vont redonner de l'énergie à un lieu. Je sens que les centres d'énergie sont nettoyés et apaisés. Les quoi? Attends, elle a senti quoi, Martine? Elle a sorti... Ils sont nettoyés et apaisés? Mais Martine, ferme ta gueule et retourne au PMU! Moi je connais des gens, en Suisse, il y a une personne qui travaille justement en géobiologie, radiesthésie, etc. Ils sont capables... Pourquoi t'es pieds nus? ...de reconstruire maintenant un lieu celte, c'est-à-dire avec ce qu'un lieu celte avait de dynamique et d'activer un vortex. Tu veux qu'on coupe? Putain de... Ah, faut que j'arrête juste de gueuler. On peut finir la vidéo? Ouais, désolé, mais c'est Martine, elle est trop conne, merde. Ouais, mais t'aurais vu le QI de Martine, t'aurais pété un plomb, toi aussi. C'est... Bah, change de nom, c'est ma mère. Désolé. Ah, merde, on va changer de nom. on va l'appeler Josiane, du coup. Lucette. Et ta mère, elle... Non, ta mère, je diminue le volume, autant pour moi. Désolé, mère. Bonne nuit, mère. Greg, ta mère, elle a comme kink de se faire nettoyer les centres d'énergie. Ah, je sais pas, c'est 4 comme elle en vie. Bonne nuit, tu sortiras. Oui, je sortirai du G2, t'inquiète. Ah merde, désolé. Des bisous. La bonne nuit. Demain. Genre de vortex. Bah les vortex, c'est comme ça. Oui d'accord, mais qu'est-ce que vous entendez par l'activer? Ah bah voilà. Ça, ils le disent pas. Hein. Ah bah s'ils le disent pas, je le crois pas. Ce qui est affirmé sans preuve... Là, moi, je suis bien, là. J'ai les mains qui vibrent. Mais c'est vraiment... Greg, il y a Ansgar qui dit qu'il partage que vous partagez le nom de votre mère et de votre père. S'il faut, c'est un frère caché. J'ai les mains qui vivent. Non, c'est ton sexe d'œil. Faut que tu creuses. Bah, écoute, je suis pas dans la merde. Je partage pas l'héritage. C'est trop tard. Ouais, à un moment donné, il faut rien faire. Il est passé, je sais plus où, quelque part, il y avait des larmes qui coulaient tout seul, quoi. Suffoqué, alors les gens disent « Ouais, mais c'est l'énergie que ça dégage et tout, ouais, mais en même temps, il y a les 35 degrés, donc... » En même temps, il y a les 35 degrés. Attends, quoi? Elle te dit ça comme si c'était l'eau mouille, tu vois. Vous voyez l'intérêt de faire un test en aveugle? Ces gens ne savent pas qu'on leur a refilé un placebo, mais ils en ressentent les effets quand même. Si on avait réalisé ce crop circle au grand jour, ils nous auraient tous dit que c'est un faux. Parce que, on ressent pas les énergies, hein. Exactement comme les malades à qui on a dit qu'on leur a refilé de l'eau sucrée et qui du coup continuent à avoir mal à la tête. Et le fait que les radiesthésistes et les énergéticiens de tous bords ressentent dans notre crop circle exactement les mêmes énergies que dans les autres, ne prouve pas que les autres crop circles sont des œuvres humaines. En revanche, ça prouve que si les autres crop circles sont des œuvres humaines, ces gens-là ne sont pas compétents pour en déterminer l'origine. Attention, je reviens sur un truc super important. À aucun moment, je ne dis que ce sont des charlatans ou des arnaqueurs. Je considère qu'ils sont de bonne foi. Mais tout en étant de bonne foi, ils se trompent lourdement, parce qu'ils croient ressentir des énergies,
mais ce ressenti n'est malheureusement pour eux que de l'autosuggestion. Bon, maintenant qu'on sait que ce crop circle est un vrai, bourré d'énergie et qu'il est là pour soigner la Terre, on peut se poser une question. Pourquoi ce dessin et pas un autre ? Évidemment, je vous rappelle que le but de ce dessin était justement de ne rien représenter du tout. L'alignement lune-soleil dans la nébuleuse du taureau. C'est un biscuit. L'alignement lune-soleil dans la quoi ? Attends, quoi ? Je vous rappelle que le but de ce dessin était justement de ne rien représenter du tout. L'alignement lune-soleil dans la nébuleuse du taureau. Dans la nébuleuse du taureau. Ah. C'est un biscuit ou une forme. Pour moi, c'est pas un triskel parce qu'il y en aurait trois. Le triskel étant une forme celtique, hein. Là, on en a que deux. Donc ça pourrait ressembler aussi. Donc c'est un dueskel, c'est ça ? Qui a ce qu'on appelle le yin et le yang. Ces sortes de virgules sont très piquantes dans cette formation, comme des griffes. Il se trouve que le blason de la commune Saralcroft représente un lion debout sortant ses griffes, qui fait allusion par son crop circle au blason de Saralcroft, qui suggère, je pense, le Christ. Dont le lion est parfois un symbole chez ses adeptes. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui ? Saralcroft comporte les trois premières lettres SAR, abréviation. En gros, il dit que les virgules. Non, j'ai compris tout ce qu'il a dit, mais j'ai envie de le tarter. Voilà. Pas super compliqué, c'est que des cercles. Extrêmement complexe en réalité. Principes mathématiques d'organisation de la géométrie au sol, ils sont. Ah. Ils dépassent l'entendement parce que c'est des rapports harmoniques. Oh non, mais va te faire foutre en fait. Tu commençais bien pourtant. Entre les cercles et les plus petits, les plus grands. Non mais c'est un carreleur le mec, ça se voit, t'as vu son. Non mais c'est pas possible en fait, c'est que des ex-secpa en fait, j'ai l'impression. C'est des gars qui ont rien suivi au cours de maths, si tu veux. Qui ont rien suivi à rien du tout, si tu veux, et les gars ils font leur théorie en fait. Là, il fait 18, ce cercle là, il fait 36, celui-là il fait 6, celui-là fait 3. Résultat, là tu as 18, c'est quoi en numérique ? C'est 1 plus 8, ça fait 9. 18 en numérique, c'est 1 plus 8, ça fait 9. C'est qui ? C'est le cousin Van Damme là qu'on écoute ? Ça se passe comment ? C'est la numéro 36. C'est 36, ouais. C'est 3 et 6, ça fait 9. C'est 6 et 3. Désolé Chaz, c'était une manière de parler. Ça fait 9. Mais la vraie taille, c'est quoi ? Non, j'en ai aucune idée. Ah bah c'est moche. Parce que sinon, tu saurais que le plus petit des cercles fait 1 mètre. Donc, comme tu lui as donné une valeur de 3 et que tous les nombres entiers sont des multiples de 1. Tout ce que tu vas trouver ensuite sera forcément un multiple de 3. Non, mais je suis désolé pour la blague sur les SECPA, excusez-moi, on s'est compris. Donc là, sur ce dessin-là, c'est que du 9. Il faudrait mesurer en fait tous les diamètres. C'est sûr que ça correspond à ça. Si on a, nous, la chance d'avoir le Mont Saint-Odile, qui est un des plus hauts lieux vibratoires d'Europe. Mais quelle est cette symbolique ? C'est vrai que c'est une région qui a souffert, je sais, de la Première Guerre mondiale. Bon, si j'ai choisi cette parcelle, c'est pas pour une situation particulière, ou des énergies ou quoi. C'est juste que je connais le mec et il a deux parcelles. Une moche et celle-là. Après, ça va dépendre de l'évolution de chacun, de ce qu'il est, comment il perçoit la vie. Et moi, je pense que c'est juste des symboles d'amour et de vie pour tout le monde. Quoi ? De quoi ? Il n'a rien à se poser comme question, c'est sûr. Moi, j'ai aussi envie d'en connaître le message. Mais je crois que chacun de nous, on sait à l'intérieur de nous le message. Le problème, quand on met un sens sur quelque chose qui n'en a aucun, c'est qu'on est sûr de se tromper. Je voudrais juste vous rappeler qu'il est écrit dans les textes saints qu'il faut aider son prochain. Mais ça n'a pas empêché certains d'y lire qu'il devait aller se faire péter. Mais non, si elle vient de ton cœur, elle peut pas être mauvaise. Parce qu'elle peut être mauvaise pour ton voisin, mais oui, mais elle est bonne pour toi. 9h30 à Camichli, un véhicule piégé vient d'exploser, tout près d'un réservoir de gaz. C'est exactement ce que je voulais dire. Et vous savez quelle est la conséquence des interprétations sorties de nulle part ? C'est que vous pouvez vous mettre à croire à peu près n'importe quoi. Nous demandons l'activation de l'alchimie du cœur, du soleil du jardin. Je bénis dans mon cœur l'union des cœurs sacrés faux. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Mon coupé de vie. Pourquoi elle a ramené des cristaux ? Nous activons le 5 à l'esphore. Josiane, réponds-moi. Mon coupé de vie. C'est pour le chantier ionique, enfin. Mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer, là ? Il y a de la pyramide et tout. Et quand je pense que les gens, ils voient d'un mauvais œil les gars qui fument juste des pétards, mais on n'est pas aussi perché, hein. Putain. C'est incroyable. Hey, yo. Vas-y. T'es tellement pas prêt pour la suite, bordel. Ouais, ce sera la semaine d'après. De paix, de la taille, ils sont là. Même là, hein. Non. T'es sanoui. Attends, tu vas voir. Mais qu'est-ce qu'elle veut, mec ? Vas-y, laisse, continue. Qu'est-ce qu'elle veut ? De vie. Achante, vas-y, écoute. Telle l'énergie de paix, de la femme, bison blanc. T'es sanoui. Oh, ya, t'allé. Imawani na o t
taninian mawanie. On voit mon souffle monter et je marche vers cette nation du bison, cette chose rouge. Qu'est-ce qu'elle a dit? Sacré, c'est pour elle que je marche. Un truc avec bison futur. Regardez, il y a un cadavre. Pourquoi elle fait la danse de la truite là? C'est quoi ton tambour là? Tambour chamanique. Comment tu t'en sers? Oui, mais je veux dire, mais pourquoi? Pour remercier. Pour remercier. Remerciement ou pour faire des rituels. D'accord. Un service et remerciement. Okay. Et pour régénérer tout ce qui est détruit par l'homme qui vient à moi. Il y a énormément d'extraterrestres qui sont sur Terre. Les gens ne savent pas. De toute façon, ils font tout pour cacher la vérité. Mais des sandales. Ils font que nous. On a que des mensonges et on est manipulés sur tous les points. Mais des putains de sandales. Beaucoup de choses sont fausses. Même tout ce qu'on apprend à l'école. Pourquoi pas? Ah ouais, tout ce qu'on apprend à l'école carrément. Genre on t'a appris à lire à l'école par exemple, tu vois. Ça voudrait dire que lire c'est un complot mondial, tu vois. Pourquoi pas? On me dit régulièrement, mais pourquoi tu les laisses pas croire si ça leur fait plaisir? Mais vous savez... Et parce que c'est dangereux, intellectuellement parlant, d'un point de vue société. Si j'ai trouvé rien contre les croyances de chacun... Je pense que c'est dans la troisième partie, s'il va parler de ce que je pense qu'il va parler, ça va être énervant. Ok. En revanche, un gros problème avec le prosélytisme. Vous avez déjà claqué la porte au nez d'un témoin de Jéhovah. Le prosélytisme, c'est essayer de vous convaincre de manière agressive ou déguisée que vous devez croire à quelque chose. Et les croyants présents dans le crop circle ont pour certains passé leur temps à expliquer aux curieux qu'ils devaient les rejoindre. Et ça me dérange. On rentre dans, je dirais, tout ce qui est holistique. Ça ouvre des portes sur... Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette bande de hippies, là, putain? Plein de choses, hein. Fait qu'essayer de vous transmettre mon amour que j'ai pour les crocs. Voilà. Le moment qui est encore prédominant ce mental, c'est normal. Mais au fur et à mesure que tu vas rencontrer des personnes qui sont communes, par le cœur, tu vois, par une passion, et plus ta passion à toi, à ce qui toi fait que tu es actuellement sur Terre, va se réveiller, se réveiller. Sa vie, c'est toute une vie de sagesse et d'engagement et de conscience. Toi, tu vas bénéficier de ça si tu peux discuter avec lui. Même sans parler, il va se passer un truc entre vous qui fait que ton système électromagnétique va enregistrer les infos qui portent en lui et tu sentiras que waouh, il me donne la pêche, quoi. Lisez ça. C'est pas des conneries, vous laissez ça, vous saurez. Ouais. Non, sérieux, Gabonte? Il y a un site sur internet. Ouais. Raël.org. Oh mon dieu, il y a Raël qui rentre dans l'équation. Ouais. Ah, vous lisez ça. D'accord. On pourrait se dire que ça ne regarde qu'eux et les gens qui décident de les croire. Mais le problème que j'ai, c'est qu'on a tous, dans nos proches ou nos amis, quelqu'un d'influençable. Quelqu'un qui a peut-être... Genre moi, j'ai moi. ...traversé un moment de sa vie où il a pu être fragile, ou simplement quelqu'un qui croit tout ce qu'on lui dit. Maintenant, imaginez que l'un de vos proches, un être cher à qui vous tenez, mais qui est un peu influençable, développe un cancer. Il entame une chimio très difficile et au fil du temps, commence à perdre sa combativité. Et un jour, au détour du rayon bio au supermarché, il tombe sur une dame habillée comme une hippie, à la voix douce, et qui, remarquant son état, entame spontanément la conversation, en lui disant qu'elle lui souhaite beaucoup de courage dans son combat. La conversation démarre, et elle enchaîne sur ça. Vous pouvez vous reconnecter à votre ADN, c'est des vrais soins. Et ça a été très important. Qui ont campé la nuit en Angleterre, et une femme qui était vraiment en mode cancer et tout, qui a guéri. En mode cancer et tout, ah, je vais péter du plâtre. Le jour où on soignera, moi j'étais infirmière depuis un temps, je ne suis plus du tout, parce que je suis complètement hors de cette médecine. Oh, incroyable, qui marche sur la tête. 15 ans sans médicaments. Alors si tout le monde se met à travailler comme ça, vous imaginez bien quel labo... Il fait un bêta sur la porte, hein. Pardon. Je rajeunis pas, hein. J'ai plus de mutuelle. Ouais. T'as plus de mutuelle. Et à partir du moment où vous avez des énergies qui coincent, vous créez... Et ta baraque, elle est assurée ou... Une maladie. Donc si vous donnez de la chimie à outrance... Ah oui, c'est vrai. ...à des personnes, ça fait tout l'effet contraire. Si vous avez mal, c'est parce que c'est quelque chose. Maladie. C'est un signe d'alarme. Mm-hmm. Le cancer, pour moi, c'est une maladie de l'âme. À partir du moment où on ne croit pas l'âme, il se passe plus rien. À partir du moment où on conçoit qu'il y a une âme dans notre corps et que la maladie de l'âme, c'est toutes les multitudes de cancers qu'on a, alors je dis pas que ça vient peut-être des éléments X. Va baiser un platane. D'ailleurs, du type, je sais pas, mais quand vous êtes super en bonne santé, il n'y a rien qui fait que vous êtes malade. Des problèmes de thyroïde, hier j'ai eu un résultat qui n'était pas bon du tout. Et mon ami m'a dit hier, tu vas pas bien, on va voir le crop. Tu vas pas bien, on va voir le crop.
du chemin, j'étais pas bien. Mais c'est pas une potion et tout guérison dans Pokémon, qu'est-ce qu'il y a? J'avais cette gêne, et je suis arrivé là, j'ai fait 3-4 mesures, je suis reparti, j'avais plus mal. C'est pas à nous d'imprimer un mouvement. Ils veulent placer dans un asile, mesdames et messieurs. C'est la personne qui se guérit. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dire au guérisseur intérieur, bon allez, vas-y, mets-toi en route. Il fait ce qu'il y a à faire. Si on intervient et on la guérit sans que l'âme soit OK avec ça, on l'empêche de faire son processus d'incarnation tel qu'elle avait prévu de le faire. Je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui a découvert qu'il avait un cancer du pancréas. Cancer d'habitude de très mauvais pronostic. C'était une forme pas très agressive, donc il a décidé d'ignorer les conseils de ses médecins et de suivre à la place les recommandations de ses thérapeutes New Age. Il s'est soigné avec de l'acupuncture et un régime végétarien. 9 mois plus tard, alors que ça n'allait pas mieux, ses proches l'ont convaincu de passer quelques examens. Le cancer avait métastasé. Les traitements qui ont suivi n'ont pas réussi à le sauver. Ce monsieur, c'était Steve Jobs. En décembre 2017, Mary Lopez, une youtubeuse américaine, a décidé de soigner son cancer avec un régime vegan. Elle s'est finalement rendue compte que ça ne fonctionnait absolument pas. Elle a décidé. Mais à quel moment en fait ça fonctionnerait en fait ? L'idée de reprendre une alimentation normale et de se soigner. Mais son cancer avait déjà migré un peu partout dans son organisme et ça n'a pas empêché de mourir un mois plus tard. Aujourd'hui, sa nièce est discrète sur les réseaux sociaux. Mais plusieurs mois après la mort de Mary, elle soutenait toujours qu'elle était morte parce qu'elle n'était pas allée au bout de sa démarche et qu'elle avait accepté les traitements des méchants labos pharmaceutiques. Wow. Ce discours, il est dangereux. C'est pas dangereux pour vous ou moi, c'est dangereux pour celui de vos proches, un peu crédules ou fragiles, qui un jour, peut-être, et je ne vous le souhaite absolument pas, tombera gravement malade. Et qui, à la place d'un traitement efficace, choisira la voie de ces gens-là, qui l'auront convaincu par des beaux discours. Quelqu'un qui prétend avoir un traitement pour le cancer facile et sans conséquences, c'est soit quelqu'un qui vous ment, soit quelqu'un qui n'y connaît rien, soit quelqu'un qui a quelque chose à vous vendre. Et parfois, les trois en même temps. Ce qu'on voit qui se développe en médecine quantique, c'est ça maintenant. C'est vraiment... Oh mon dieu, il y a le mot quantique qui a été droppé. La conscience de l'utilisateur. Parce qu'avec toutes les recherches qu'on a vues, on sait que c'est la façon dont l'observateur observe qui va donner le résultat. Qu'est-ce qu'elle dit, putain? Mais tu utilises des termes que t'as découvert hier soir en scrollant dans ton groupe Facebook dégénéré, là. Et quand vous connaissez la physique quantique, c'est l'observateur qui fait que... Alors bien sûr, si vous regardez les crop circles et vous vous dites... vous faites en sorte que vous ressentez rien, parce que... Ah, parce qu'on se met dans une condition psychologique pour pas être réceptif à vos conneries et toutes ces conneries. Très bien. C'est comme si je te disais, l'eau de cette baignoire, elle va te dissoudre la peau, mais si t'y crois pas, elle va rien faire. La mort, c'est une construction d'esprit. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, c'est en fond. De toute façon, le cancer, tout le monde sait que c'est un problème social à la base. En fond de comment nous, on appréhende les choses qu'on peut. Voilà. La physique quantique est souvent récupérée par les ésotériques de tous bords. Justement parce qu'elle est obscure et semble faire appel à des concepts surnaturels. On comprend rien, les mots sont compliqués, c'est contre-intuitif, alors c'est parfait pour balancer des concepts étranges. Et comme c'est compliqué, personne n'ira vérifier si ce que vous dites est vrai ou pas. Vous me croyez pas? Vous pensez que les gens qui racontent des histoires de médecine quantique savent de quoi ils parlent? Alors demandez-leur ce qu'est un quantum. C'est dans le nom, hein. Ils devraient savoir. Demandez-leur s'ils savent ce qu'est le principe d'incertitude d'Heisenberg. Ils savent pas? Dommage pour quelqu'un qui a la prétention de soigner les gens avec la physique quantique. D'autant plus que, subrepticement, le message véhiculé par les tenants de la thèse extraterrestre, c'est qu'il ne faut pas réfléchir. Ne pas se poser de questions. Les partisans. Abandonner tout esprit critique. C'est pas moi qui le dis. Il l'a sorti. Par exemple, en jaune. Juste à côté, mais en fait, le jaune, c'est la couleur des intellos, un peu. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Et de l'intellect. Ouais. Si je le cale sur le jaune... C'est la couleur de la pisse que t'as dans ton crâne, toi, là. Qu'est-ce qu'il parle, l'autre? Oui, tout va pas. Parce que le mental, c'est... Ça... Et mets des tons, Catherine, tu me saoules. On trompe. Ce qui est important, c'est notre instinct. Ou abandonner le mental. Si on est trop dans le mental, on bloque. Ouais, faut arrêter de réfléchir, en fait. Oui, non, mais c'est ça, c'est le... Y'a personne qui a des tongs en plus, là, qu'on leur envoie tous, là. Lâcher prise. Tes pieds de... Et l'autre, il est en chaussettes, lui, il a compris le principe, mais à moitié, tu sais. De Lucifer, hein. Lucifer, c'est la fausse lumière. C'est ce qu'on appelle Lucifer, le porteur de lumière, c'est... Tous les pièges, c'est l'ego, le mental, c'est passer des heures et des heures à essayer de voir si c'est un vrai, un faux, si c'est ci, si c'est ça. Tout ça, c'est les pièges. Mais moi, je préfère réfléchir. Ne vous en déplaise.
Ça m'évitera de tomber dans une secte ou de me mettre à raconter absolument n'importe quoi. Le problème des témoignages... Ah, par contre, je suis d'accord avec Gabrant, hein. Genre, imaginez-vous à la place d'AstronoGeek, là, à devoir écouter ces gens pendant toute une journée. Nous, là, on les écoute... Ouais, sans rigoler. Juste 50 minutes de vidéo, on a envie de péter des murs. Lui, il a interagi avec eux. Il a dû les supporter. La bonne nuit, Sir Doc. C'est que hier, moi, j'ai vu... Je pense que le mec qui me dit « si la personne ne guérit pas, c'est qu'elle n'en a pas envie », je pense que je lui brise les jambes, j'ai fait « ah bah tu guéris pas, c'est que t'as pas envie de guérir ». Chazel, faut qu'on prenne des notes pour la secte, on est trop nuls en fait. Non mais rappelez-vous bien quand on voit ce genre de personnes que pour nos détracteurs, on est une secte, tu vois. Rappelez-vous que notre communauté pour nos détracteurs, on est une secte et... Rappelez-vous ce genre de personne à côté. Faites le comparatif, rigolez bien, hein, parce qu'il ne reste plus que ça, si tu veux. Mais rappelez-vous ça, quoi. Ça me termine, quoi. Lincoln, je... Toute personne qui pense qu'on est une secte aille clairement niquer leur mère. Pocher une licorne. Leur race, leur chien et leur platane aussi, au passage. Voilà. Je le crois. Ah, vous savez, ça, elles existent toujours, mais elles sont en cinquième dimension, on les voit pas. D'accord, mais font partie comme les dragons, esprits de la nature. Tous les éléments, si vous connaissez les esprits de la nature, vous connaissez les lutins, les fées, Ça existe, hein. Vous avez... Bon, ok, ça suffit. Je crois qu'on a fait le tour de la question, donc il est temps de conclure. Jetons un petit coup d'œil aux arguments en faveur de la thèse extraterrestre qui nous reste. Ah ouais, il reste... pas grand-chose. Remettons une chose en perspective une dernière fois. Les gens que j'ai croisés tout au long de ma semaine dans le Crop Circle sont des amateurs, de simples curieux. S'ils se trompent dans ce qu'ils disent, c'est uniquement parce qu'ils ont décidé de croire ce que d'autres leur ont dit avant, sans chercher à le vérifier. Mais on a vu qu'avec quelques outils critiques simples, et juste en sachant que ce Crop Circle est d'origine humaine, il est possible de mettre en lumière les mensonges qui circulent sur Internet et ailleurs. Donc, est-ce que certaines de ces personnes ont dit des énormités ? Oui. Est-ce qu'on peut leur en vouloir ? Oui. Pas vraiment. Quand on a envie de croire à quelque chose, on est prêt à accepter un argument qui va dans le sens de nos convictions sans vérifier d'abord si ce qu'on nous a dit est vrai ou faux. Mais ça, c'est la paresse intellectuelle. Enfin, il y a un moment, en fait, la comprendre, c'est une chose, l'accepter, c'en est une autre. Ça arrive à tout le monde. Et je suis prêt à parier sur la bonne foi de quasiment tous les gens que j'ai croisés. Quasiment. Car notre Crop Circle a aussi attiré l'attention de tous les spécialistes du sujet qui sont convaincus de l'existence des extraterrestres et qui affirment être capables de différencier un Crop Circle humain d'un Crop Circle aux origines paranormales. Ce sont ces gens-là qui sont à l'origine des arguments que les visiteurs du Crop Circle se sont contentés de me répéter. Alors, la question se pose. Si le commun des mortels n'est pas en mesure de détecter l'origine tout à fait humaine de ce Crop Circle, c'est avant tout parce que d'autres leur ont prétendu que c'est l'œuvre des extraterrestres. Ah, ceux qui vendent les narratifs, c'est ça ? Mais est-ce que ceux qui affirment ça ont des preuves de ce qu'ils avancent ? Bah non, ils vendent des narratifs. Ils n'ont pas besoin de preuves. Si ça se... Ils ont juste besoin d'avoir une image de gourou, si tu veux, et une audience. Se trouve, ils disposent... Vous savez comment on fait ? De preuves bien. Vous ouvrez une chaîne YouTube, vous attendez... Non, c'est vrai qu'on ne retrouve que dans les vrais crop circles extraterrestres, et pas dans le nôtre. Alors, est-ce que notre dessin sera capable de résister aux analyses méticuleuses des spécialistes ? Verront-ils qu'il est d'origine humaine ? Ou est-ce que notre test en aveugle va révéler qu'eux non plus ne sont pas capables de faire la différence et propagent des idées pourries jusqu'à la moelle juste pour convaincre les gens que les extraterrestres existent et leur vendre des bouquins ? Oh, des bouquins écrits par ChatGPT ? Nous verrons. Tu feras des merveilles. Toi, tu vas en faire quelque chose de ces rencontres-là. Relayer l'énergie, quoi, l'info. Oui. Et... Toi, tu vas aider les gens à passer à autre chose. Eh ben écoutez, on arrive à la fin de la soirée. En plus, là, on a grave étiré. Il est minuit 54. Donc, du coup, c'était trop bien. Je veux la suite. On se la fait, samedi prochain. On se fait la partie 3 et la vidéo de Defecator. Du coup, c'est ça, comme dit Shiva, on est en plein cliffhanger et toutes ces conneries. M'en voulez pas, on va conclure très rapidement. Étant donné qu'il est 24h55, comme le dit la montre, vous croyez on passe à 25h? Ça dépend, si tu crois aux énergies. C'est une bonne question. Je sais pas si tu crois aux énergies de quantique, de mes couilles sur ton nez, on dirait un dindon, peut-être que ça marchera. Hein. Ah, on sait jamais, bref. En tout cas, merci de votre présence, noble Pachosphère. Hein. J'espère que vous aurez passé le bon moment et que vous aurez bien rigolé avec nous. Je dois vous avouer que comme je découvrais les vidéos, j'ai été pas très bavard, si tu veux. Du coup, merci pour votre présence et votre soutien, qu'il soit moral, psychologique ou financier, bien évidemment. On se retrouve demain
pour un dimanche cinématon comme d'habitude. Merci aux intervenants d'avoir été présents avec nous ce soir. Merci Noble Dragonchon d'avoir été là. Merci Dr. Plisken. Merci le Roi des Roues. Merci Noble Pierre. Est-ce qu'on peut vous envoyer chez quelqu'un? Je suis désolé, il est 1h56. J'ai clairement pas le temps. On a déjà étiré 26 minutes et tout. Est-ce qu'on peut vous envoyer chez quelqu'un? Est-ce que... Tac, 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 tac. Tac, si je fais ça, qui est en ligne? Qui est en ligne? Lordinger, il est en ligne? On peut vous envoyer chez Lordinger? On peut vous envoyer chez Lordinger. On va vous envoyer chez Lordinger, alors. Tac, on va faire ça. On se voit demain, du coup, pour un cinématon. T'attaquer à tous celles et ceux qui doivent aller, bosser. La douce nuit à tous celles et ceux qui vont dormir. Bon appétit à tous celles et ceux qui vont nom-nom. À toutes et tous celles et ceux qu'on va croiser sur le Discord. Et puis, sinon, on se voit demain. Première tentative de hâte, si ça marche, c'est bon, j'ai pas l'air d'un con. Du moins, pas plus que d'habitude. Si ça marche pas, c'est pas grave, on relance. Des bisous, prenez soin de vous. Premier test. Ça a marché, ça a pas marché. Ça a marché, ça a pas marché. Pour le moment, j'arrive. On voit dans le chat. Ça a pas marché. Putain. Non, pas marché. Ça a pas marché, super. Tac. Deuxième test. Pareil. Putain, mais c'est sérieux? Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça marche pas. Oh. Host. Pareil. Toujours pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Trois fois. Host. Lord. Anger. Et là, ça marche. Ça marche. Des bisous, le chez Elistan. On se croise demain. Comment je coupe cette merde. Salut, bonne nuit à tous.